Alors bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Je salue la présence d'un nouveau conseiller municipal parmi nous, hein, Monsieur Bourgon, qui nous a rejoint à la suite de la démission de Monsieur Chartier et que l'on aura le plaisir d'introniser tout à l'heure au titre de la troisième délibération. Soyez le bienvenu parmi nous. Alors je vais commencer par l'appel. Monsieur Funk, il est là. Madame Anas, elle est là. Monsieur Salou, il est là. Madame Lanza, elle est là. Monsieur Armando, il est absent et il me donne pouvoir. Madame Bertagna est là. Monsieur Bouzizi est là. Madame Jiménez est là. Monsieur Vazia donne pouvoir à Monsieur Bouzizi. Madame Rioton est là. Madame Musso est là. Monsieur Chalvin donne pouvoir à Madame Lanza. Madame Vasser est là. Le docteur Le Wangba donne pouvoir à Madame Lanza. Madame Bain est là. Monsieur Thierry est là. Madame Sebar est là. Monsieur Razafiarizon est là. Madame Cornardo est là. Le général Septier est là. Madame Aublin est là. Monsieur Ponce est là. Madame Selamaro, elle est là. Monsieur Manago est là. Madame Bonuccelli est là. Madame Cantoni est absente. Elle a d'ailleurs fait une lettre. Monsieur Tivoli est présent. Madame Capadona, absente. Pouvoir, ah oui. Donc pouvoir, monsieur Manago. Monsieur Avril est là. Madame Langlais est là. Monsieur Polycarpe, pouvoir, à qui? À vous, donc à monsieur Manago. Madame Leduc est là. Madame Ferreira Barbosa est là. Et monsieur Bourgon est là. Donc le quorum est atteint. Nous allons pouvoir commencer. Alors, première délibération, il s'agit de l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal. Ah oui, j'ai oublié le secrétaire de séance, pardonnez-moi. Donc, si vous en êtes d'accord, ce sera comme à notre habitude, Madame Ferreira Barbosa. Tout le monde est d'accord? Parfait. Personne n'est contre, personne ne s'abstient. C'est très bien. Donc, l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal en date du 19 février 2021... Y a-t-il des oppositions ou des abstentions? Non. Donc, le procès-verbal est approuvé. Deuxième délibération, là aussi très classique, il s'agit de la présentation des décisions municipales qui ont été prises en vertu de l'article L21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc là, il me semble que c'est une prise d'acte. Madame Leduc. Oui, bonsoir, monsieur le maire. Une petite question, s'il vous plaît. J'ai vu la décision numéro 28 qui concerne de nouveaux travaux à la base nautique. Est-ce que vous pouvez nous indiquer une date de début d'activité de la base nautique? Est-ce qu'on a avancé sur le dossier? Alors malheureusement, je vais avoir beaucoup de mal à vous indiquer une date, en tout cas une date qui soit fiable, puisque je ne veux faire le procès de quiconque, mais la base nautique a été implantée à un endroit où elle n'aurait jamais dû être implantée, parce que tous les Valoriens et les Golfe-Joannais savent parfaitement qu'il y a des coups de mer réguliers. Manifestement, la personne qui a pris la décision ne connaissait absolument pas les lieux pour le décider. Donc cette base nautique, elle est mal placée. On sait qu'il y a en permanence des coups de mer, et pourtant on l'a fait. On l'a fait, ou plutôt Madame Saluki et sa majorité l'ont fait, ce qui a déjà un coût important, puisqu'on voit que sans cesse, les travaux sont ralentis par des coups de mer. Alors on a mis un certain nombre de dispositifs. Vous avez peut-être vu les sacs assez considérables qu'on a posés devant, qui ont quand même coûté quelques milliers d'euros, même si c'est le délégataire qui a pris à sa charge les 4/5 de la dépense. Et malheureusement, on a eu également un mauvais choix en ce qui concerne, et j'ai pas peur de le dire, le maître d'ouvrage, qui n'a pas du tout suivi les travaux comme il faut. Voilà. Donc ce maître d'ouvrage, on ne l'a pas non plus choisi, on le subit. Et ce sont des gens qui, à mon sens, n'ont pas du tout fait preuve de la diligence nécessaire dans le suivi de ces travaux. Quand nous avons été élus au mois de juillet, on a fait une réunion de chantier tout de suite avec M. Giacomo Rosa, qui est le directeur des services techniques, avec un certain nombre de personnels de la commune, avec le maître d'œuvre et avec des personnes en charge de ces travaux. Il nous avait été dit que les travaux devaient être finis pour décembre. De décembre, on est passé en février. Février est arrivé. Il y a eu les coups de mer que vous avez peut-être vus, avec des portes qui ont été tordues. Et un certain nombre de choses qui ont fait qu'il y a eu du retard qui a été pris. Et aux dernières nouvelles, donc là, on nous dit que ça devrait être prêt pour le mois de juin. Maintenant, comme je pense que la parole publique est une parole
qui est sacré. Je ne souhaiterais pas que vous dire qu'on aura fini en juin et qu'il faille à nouveau reporter parce que ce ne sera pas terminé. Donc je ne sais pas, j'espère que ce sera fini en juin et que cette base sera opérante pour les enfants de notre commune et également toutes les personnes intéressées, les touristes notamment. Malheureusement, malgré un suivi de notre part qui a été poussé, hein, malgré beaucoup de sérieux de la part des services techniques qui ont été, on va dire, également poussés hein, par toute l'équipe, je suis au regret de ne pas pouvoir vous répondre précisément sur la date. Quoi qu'il en soit, on a déjà lancé un certain nombre d'un avenant, hein, notamment pour permettre que certaines choses se fassent, notamment le parvis qui est au-dessus. Hein, l'idée, c'est évidemment d'avoir quelque chose, alors soit un équipement qui soit complètement terminé pour que tout un chacun puisse en profiter, soit au moins un équipement qui soit en cours de fin et qu'on puisse au moins avoir des abords agréables, pouvoir profiter de la promenade. Voilà. Mais malheureusement, hein, comme je vous dis, quand vous récupérez un héritage, ben vous avez de l'actif et vous avez du passif aussi. Ça fait partie des éléments qui sont problématiques, qui ont donné lieu à des investissements très importants hein, de la part de notre commune et qui, pour les raisons que je viens d'évoquer, sont malheureusement ne donnent pour l'instant pas satisfaction et en tout cas ne permettent pas d'avoir une visibilité très claire sur le moment où ce sera terminé. Voilà. Avec beaucoup de sincérité, c'est tout ce que je pouvais vous en dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Oui. Oui, monsieur Madago ? Oui. Mesdames, messieurs, bonsoir, monsieur le maire, bonsoir. J'aurais une observation un peu générale, monsieur le maire, pas simplement sur les décisions que nous avons lues. Effectivement, ces décisions, compte tenu de la liste, sont porteuses d'informations. Et sans vouloir remettre en cause vos délégations, monsieur le maire, qui ont fait d'ailleurs l'objet d'un recours, mais le chapitre est clos aujourd'hui, nous découvrons, et ces décisions, en fait, nous révèlent en fait, de nombre d'informations qui sont importantes. Vous venez d'en apporter une à l'instant, par la question qui a été posée. Eh bien, et nous aimerions, disons, savoir si certains sujets qui méritent une meilleure transparence, probablement, notamment en ouvrant les commissions sur les différents thèmes qui pourraient être débattus. D'une part, pour la transparence avec les élus de l'opposition, en l'occurrence, et la majorité des électeurs qu'ils représentent. Et d'autre part, pour appliquer tout simplement les règles démocratiques sur les sujets qui concernent directement les électeurs et les programmes pour lesquels ils se sont exprimés. Nous constatons que depuis l'installation de la municipalité actuelle, les seules commissions qui se sont ouvertes sont l'urbanisme, les appels d'offres, les actions sociales, jeunesse, enfance et petite enfance. Autrement dit, et sauf erreur, toutes les autres commissions ne se sont pas encore activées, n'ont pas été ouvertes, alors qu'il y a probablement matière à le faire, notamment en commission finances, travaux, développement économique, animation, culture. La crise du Covid n'explique peut-être pas tout, d'autant que d'autres commissions ont été ouvertes et fonctionnent aujourd'hui, et qu'éventuellement, la visio, même si nous sommes parfois lassés d'autant de visio par jour, eh bien, pallie néanmoins, disons, aux craintes sanitaires. Et donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment peut-on mieux appliquer la démocratie sur ces sujets ? Merci. Vous savez, monsieur Manago, que la démocratie est une éternelle conquête. Hein. Il est évident qu'on peut faire mieux et on va faire mieux. Après, bon, je pense qu'on n'est pas très dépaysé, puisqu'il y a eu beaucoup moins de commissions qui ont été faites sous la précédente municipalité que sous la nôtre, déjà, hein, puisqu'on sait qu'elles ne se tenaient quasiment jamais. Donc je pense que vous n'en serez pas dépaysé, même si vous n'étiez pas élu à cette époque, je le rappelle. Il est évident qu'on peut, on doit, on va faire mieux, hein, on va les réunir. Maintenant, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de contraintes. Hein, vous avez parlé des contraintes sanitaires et vous avez raison. Il y a eu quand même un certain nombre d'urgences et de soucis qui ont fait que certaines difficultés se sont posées. Bon, voilà, dont acte, effectivement, on réunira des commissions qui vont pouvoir travailler dans les domaines que vous avez évoqués. Sans doute d'autres aussi, bien entendu. Hein. L'ensemble des commissions ont vocation à être réunies. Maintenant, bon, je pense que, compte tenu de l'urgence de la situation, compte tenu des événements auxquels on a dû faire face, hein, récemment, l'attaque informatique, enfin, beaucoup de choses qui ont fait que cette période est difficile, et vous avez raison de le souligner, et je prends acte du fait que tout le monde l'a bien compris, hein, il est évident qu'on pourra et on devra réunir plus fréquemment ces commissions afin qu'elles puissent mieux travailler. Je suis d'accord avec vous.
Et la vaccination aussi, effectivement. Mais bon, ça fait partie du pack crise sanitaire qui fait que, bien entendu, c'est relativement compliqué. Alors, c'est une prise d'acte. Voilà, donc classique. Prise d'acte donc de ces décisions sur l'article 21-22-22 du Code général des collectivités territoriales. La troisième délibération a trait donc à l'installation de M. Bourgon en qualité de conseiller municipal et, bien entendu, à la modification du tableau des élus. Donc, si je puis juste dire quelques mots de présentation, hein, j'ai souhaité tout à l'heure la bienvenue en notre nom à tous à M. Bourgon. Je me réjouis de cette montée, non pas que j'ai quelque chose contre M. Chartier, bien au contraire, mais quelque part, il y a un intérêt, c'est que les masques tombent. Parce que, et ce n'est pas du tout une critique qui est faite, on avait une liste dont on ne savait pas trop où elle se positionnait, hein, la liste Ensemble pour Valoris Golfe-Juan, Nice Matin, le site même de La République En Marche disait que c'était la liste de La République En Marche, et certains membres de la liste, dont la tête de liste, disaient on n'a aucun lien avec La République En Marche, on ne les connaît pas, on ne sait pas qui c'est, Monsieur Macron, oui, il est peut-être président, mais je ne vois pas qui c'est. Ben là, on a le référent de La République En Marche qui monte, et je trouve ça bien, non pas en faveur ou en défaveur de ce parti, je n'ai pas à me prononcer là-dessus, hein, ça c'est un choix démocratique qui se fait, et il doit être respecté bien sûr à ce titre, mais je trouve que le fait que le référent de La République En Marche siège au sein de Ensemble pour Valoris Golfe-Juan, bah, c'est quelque chose d'intéressant, hein, parce que ça permet, vous avez compris que c'était une plaisanterie, hein, le bas les masques tombent, dans cette circonstance, l'idée, ce n'est pas du tout de mettre en cause votre montée, bien sûr, mais c'est simplement de dire bah, on a une clarification et je pense qu'elle est salutaire parce que les électeurs souhaitent qu'il y ait cette clarification. Ils souhaitaient savoir qui était qui représentait qui. Et donc, bah, le fait que vous soyez le représentant, le référent de La République En Marche, vous ne l'avez jamais caché, je pense que c'est une bonne chose parce que maintenant, tout le monde sait très bien que Ensemble pour Valoris Golfe-Juan, c'est la liste LREM à Valoris Golfe-Juan. Hein, ce qui est parfaitement légitime. Hein. C'est logique que le parti présidentiel ait sa représentation dans une commune d'une certaine importance. Bah, au moins, maintenant, on a cette clarification qui est faite au profit, en tout cas, pour l'intérêt de tout le monde. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, hein, je vous donne bien sûr la parole pour vous présenter et pour dire quelques mots, M. Bourgon. Bonsoir à toutes et à tous. Ben justement, Monsieur le maire, je rebondis justement sur ce que vous venez de dire. Tout d'abord, je suis honoré d'être ici parmi vous. Je suis fier, extrêmement fier de représenter notre ville, que nous aimons tous. Mais voilà, je voulais justement tenir à clarifier ma position. Je me suis engagé pour les municipales 2020. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude du micro. Pour les municipales... Okay. Ah, je ne savais pas. Merci, Émilie. Voilà, je me suis engagé au municipal 2020 dans la liste VGJ. Et aujourd'hui, pour cette raison politique, je souhaite siéger indépendamment du groupe VGJ. Ah. Voilà. Donc, je remercie bien évidemment le groupe VGJ d'accepter donc, comment dire, ma décision. Et mon choix qui m'appartient, voilà. Merci. Alors, si je comprends bien, le groupe VGJ vole en éclat, puisque M. Bourgon, qui est monté au titre du groupe, quitte le groupe. Madame Cantoni, qui était l'élu emblématique et historique de VGJ, quitte le groupe, si j'en crois ce qui est écrit dans Nice Matin et le courrier qu'elle nous a adressé pour nous faire part de sa volonté de continuer à siéger au conseil municipal quand elle est présente, et de ne plus siéger donc, dans les EVGJ. Alors, pardonnez-moi cette question, Madame Le Duc et Madame Ferreira Barbosa. Est-ce que vous pourriez juste me faire une petite précision? Qui y a chez EVGJ, qui y reste et où vous êtes? Avec plaisir, Monsieur le maire, puisque vous le demandez. Bien sûr. Alors, fidèle à ses valeurs, notre groupe Ensemble Valoris Golfe-Juan, sans étiquette, représentée par moi-même et par Madame Ferreira Barbosa, prend acte des décisions de Madame Cantoni annoncées par voie de presse le 12 mars de quitter notre groupe et de Monsieur Bourgon ce jour, motivé par des raisons politiques que nous respectons.
Très bien. Bah, écoutez, au moins, on a des précisions. Moi, je respecte les volontés de chacun, les vôtres comme les leurs. Hein. C'est parfaitement légitime. Mais c'est bien parce que ça nous apporte une clarification qui est salutaire, comme je le dis. Alors, pour continuer sur le chapitre de la clarification, je vais faire lecture de quelques éléments de déclaration de Mme Cantoni dans le Nice Matin en date du 12 mars 2021. Donc Mme Cantoni est conseillère municipale minoritaire, hein, c'est pas moi qui le lis, c'est l'article, et a pris la décision de quitter le groupe Ensemble pour Valoriser Golfe-Juan, dont elle était un des deux porte-parole avec M. Chartier. Donc cette liste avait été menée par M. Falcou, qui a lui-même démissionné dès l'élection. Et Mme Cantoni, si je ne me trompe pas, était la numéro 1 du groupe, je crois. Voilà, donc voilà. Tête de liste avait décidé finalement de ne pas siéger. Ses colistiers de premier niveau également, Mme Martini, M. Fleury. Et donc Mme Cantoni, en quatrième position, était la numéro 1 de ce groupe. Donc il y a, nous dit l'article, hein, je ne me permets pas de faire des commentaires personnels, une différence de fond est-il écrit, puisque Mme Cantoni parle d'une personnalité, d'engagement, de compétence qui ne correspondrait pas aux standards en vigueur, hein, je cite ses propos bien entendu. Elle parle d'un nouveau groupe VGJ, donc en l'occurrence le groupe que vous représentez, mesdames, et elle dit qu'il lui est impossible de travailler dans ce climat, devenu impossible alors que le groupe était censé continuer, je cite encore ces mots, à défendre la citoyenneté, la démocratie participative et développer toutes les énergies au service de notre commune. Mon engagement est citoyen et local, sans aucune ambition, dit-elle, poussée par des convictions écologistes dont j'ai fait mon métier. Je ne peux donc pas continuer à œuvrer au sein d'un groupe qui compare l'écologie en politique à une croyance religieuse. Je pense qu'elle fait référence au propos de M. Macron qui parlait d'Amish pour les écologistes, mais c'est un petit ajout qui m'est personnel. Hein. Vous le retirerez si vous estimez qu'il n'y a pas sa place. Et elle dit qu'un groupe de citoyens se doit de respecter les convictions de chacun dans la bienveillance, la confiance et la recherche constante d'un consensus. Je ne m'attendais pas à devoir prendre cette décision. Elle n'entame en rien mes engagements, ma détermination, etc. Et donc elle dit que fidèle aux électeurs, elle reste en conseil municipal, ce que nous saluons hein, quand elle sera là. Elle veut agir pour l'écologie, la solidarité, la jeunesse. Je pense que les 35 membres de ce conseil municipal le souhaitent. Je l'espère en tout cas. Et elle dit, là aussi je cite ces mots qui sont très durs, hein, « On perd son âme dans l'électoralisme et le calcul politique constant dans ses actions et ses relations. Je n'y perdrai pas la mienne. Hein, » Donc voilà, je fais ces déclarations non pas pour jeter de l'huile sur le feu puisque tout le monde les connaît, hein, mais c'était simplement pour que les électeurs, notamment les électeurs de Ensemble pour Valoriser Golfe-Juan, puissent savoir exactement ce qu'il est advenu du groupe des élus qui les représentaient. Hein, de sorte qu'ils puissent connaître les positions des uns et des autres, ce qui a été diffusé sur les réseaux sociaux, ce qui a été également publié par Nice Matin. Je n'y reviens pas, à moins que vous souhaitiez faire une déclaration sur ces propos. Non ? Bon. Monsieur Tivoli a une question, je crois. Oui, monsieur le maire, chers collègues, je souhaitais effectivement intervenir pour souhaiter également la bienvenue à Cédric Bourgon au sein du conseil municipal de Valoriser Golfe-Juan, le conseil municipal étant l'endroit où se prennent toutes les décisions qui concernent la commune. Je trouve que ce mandat est un des plus exaltants car les décisions prises touchent le quotidien de nos concitoyens. Même si je peux être que satisfait finalement qu'une représentation démocratique du vote des Valoriens et Golfe-Juanais soit faite en conseil municipal, je dois vous dire que nous sommes effectivement au comble de l'ironie, puisqu'en pleine période de Covid, les masques tombent. Il faut dire que lors de la campagne aux élections municipales... Je vais vous faire payer pour employer mes formules, monsieur Tivoli. Hein. Il faut dire que la campagne... Vous ne vous parliez pas du bal masqué, vous ? Non, non. Il faut dire que lors de la campagne des élections municipales, sur 4 listes présentes au second tour, 3 avançaient masquées. Celle de monsieur Falcou, qui, à peine élu, démissionnait et abandonnait ses électeurs. Il faisait campagne, expliquant que sa liste était apolitique, une sorte de melting pot de citoyens voulant défendre la commune, sans étiquette, mais surtout trompant les électeurs, puisque, comme je l'annonçais pendant la campagne, se cachait derrière La République en marche du président Macron. La preuve aujourd'hui avec cette clarification, parce que même si M. Bourgon démissionne du groupe
ensemble pour Valoris Golfe Juan, c'est bien M. Falcou et le groupe de M. Falcou qui l'ont fait élire aujourd'hui. Il était bien caché, évidemment, sur la liste de M. Falcou, mais aujourd'hui, nous savons très bien que c'est le référent de La République En Marche. Enfin, il s'en était pas caché. D'un côté, il faut lui rendre ça. M. Falcou essayait de le cacher, en tout cas. Je ne parle pas de M. Bourgon. Ouais. M. Falcou, il mettait son mouchoir dessus, sa valise, le manteau, tout. Bon, après, quand je parle de liste qui avance, c'est masqué, il faut bien parler de la vôtre aussi, Monsieur le maire. Je m'y attendais. Avec cette clarification que je pense bienvenue, et votre adhésion au parti Les Républicains, que vous représenterez donc lors des prochaines élections départementales. Et je dois dire que la frontière entre votre parti, Les Républicains, et La République En Marche, dont je parlais précédemment, est bien faible, puisque votre parti, Les Républicains, appelait lors des présidentielles de 2017 à 20h01, alors que les résultats étaient annoncés à 20h, à voter pour M. Macron face à Marine Le Pen. Et que vous investissez pour ces élections départementales dans le département des Alpes-Maritimes, ce souci qui est issu de La République En Marche. Bref, peut-être apprendrons-nous dans quelques temps que M. Bourgon, qui a quitté son groupe, rejoindra le vôtre. Je ne sais pas. Alors ça, c'est vraiment pas prévu, mais bon. Et puis bon, nous avons la liste de Mme Saluki, qui, elle, n'osait même pas mettre le logo Les Républicains sur ses documents de campagne, ou alors c'était peut-être Les Républicains qui en avaient honte. Bref, un imbroglio incompréhensible pour les Valoriens et les Golfe-Juanais, seulement justifiable par peut-être des ambitions personnelles. Je crois qu'en politique, il s'agit de parler de clarté. Et je crois que s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas me reprocher, c'est d'avoir été très clair dès ces élections municipales, en ne reniant rien de la politique que je souhaitais mener, ni de mes idées. Je vous remercie. Alors, Monsieur Tivoli, c'est moi qui vous remercie. Vous me permettez de faire l'annonce de ma campagne pour les élections départementales. Bon, ce n'était pas prévu parce que je pense que le conseil municipal n'est pas là pour ça. Mais bon, puisque vous me faites le petit teaser, bon, ben effectivement, je suis candidat aux élections départementales. Pour ma part et pour mes colistiers, je ne me suis jamais avancé masqué d'aucune façon. Nous étions effectivement sans étiquette et je n'avais sollicité aucune étiquette auprès d'aucun parti, auprès d'aucune organisation. Et je pense que si vous m'avez peut-être lu, parce que je sais que vous suivez bien les réseaux sociaux, il y a notamment un jeune groupe qui s'appelle La Droite de Demain qui m'a interviewé. Et j'avais, avant les élections, après les élections, j'ai dit toujours la même chose. Pour moi, il y a deux types d'élections. Il y a l'élection municipale, c'est une élection de proximité, c'est une élection de relation avec chaque citoyen de la commune. Et pour cette élection municipale, à mon sens, et ça n'engage que moi, l'étiquette, elle n'a aucun intérêt. Savoir, pardonnez-moi, mais si un trottoir est de droite ou de gauche, savoir si une réfection de route est de droite ou de gauche, LR, Front National, Parti communiste, je pense que ce n'est pas le débat. Savoir si on plante des arbres ou on n'en met pas, ça c'est un débat. Savoir si on a envie d'avoir des équipements sportifs pour la jeunesse, je ne pense pas que ce soit au Front National ou chez les LR ou chez LREM que ça se situe. Je l'ai dit, je le redis, je le dis devant tout le monde, je peux l'écrire si vous voulez. Je pourrais peut-être même le chanter, mais il pourrait pleuvoir, donc je vais éviter. Je pense qu'il y a une élection locale, municipale, c'est la relation entre une équipe et des citoyens. Et à ce titre, je pense qu'une quelconque investiture n'a aucun sens, parce que, sur ma liste, il y a des gens qui sont LR, il y a des gens qui ne sont pas LR, il y a des gens qui ont des sensibilités apolitique, complète, et je n'ai pas fait de distinguo. Ce que j'ai cherché à faire, c'est à trouver 34 personnes qui avaient en partage le même amour de notre ville, la même ambition pour elle et les mêmes projets pour elle. Donc, je vous le redis, vous ne me croirez peut-être pas, je peux en convenir, mais je pense qu'au niveau local, l'étiquette politique n'a aucun sens. Et je le dis, je le maintiens, je le confirme, ce qu'ont fait les uns les autres. Peu importe, ce n'est pas mon problème. Ensuite, au niveau des élections qui ne sont pas à proprement parler des élections locales, au niveau national, au niveau départemental, au niveau régional, au niveau européen, ce que vous voulez, je pense que là, les partis ont un intérêt. Je ne dis pas qu'ils couvrent le spectre complet des intérêts. Je pense que les partis ont un intérêt, et notamment parce que si je suis candidat au département, c'est pas simplement pour me faire élire et toucher des indemnités de conseiller départemental, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir participer, travailler pour notre ville et pour notre département. Et je pense qu'à la tête du département, il y a actuellement deux personnages
qui sont des gens qui ont fait énormément pour notre département, M. Ginesi et M. Ciotti. Je pense que ce sont des gens qui font avancer notre département dans un sens qui est positif. Et par souci de transparence, là encore, j'ai dit, si je suis élu, si les électeurs me font confiance, je siégerai dans la majorité d'Éric Ciotti et de Charles Ginesi. Et ça, ça me paraît être un devoir que j'ai vis-à-vis de nos concitoyens, c'est-à-dire non pas de me présenter en disant « voilà, je me présente pour être élu et puis après je vous dirai ce que je ferai », je me présente pour participer à un projet et pour m'inscrire dans un projet qui sert non pas mes intérêts personnels, mais les intérêts de notre ville et de notre département. Et donc c'est pour cela que j'ai dit bah, « si je suis élu, je siégerai avec Éric Ciotti et Charles Ginesi ». On m'a proposé, on m'a sollicité pour être candidat des Républicains. Et je pense qu'étant donné qu'on est dans une majorité LR au département, il était cohérent hein, de s'inscrire dans ce groupe parce que bah, c'est ce qui permettra d'avoir les meilleurs intérêts pour notre ville, d'obtenir des financements, d'obtenir d'obtenir des choses qui sont utiles pour notre ville et qui sont en phase avec mes convictions. Vous avez parlé d'alliance avec En Marche. Je ne critique pas aucun parti, ni le Rassemblement National, vous m'avez jamais entendu en dire du mal, ni La République En Marche, même si je ne partage pas toutes les idées de l'un et toutes les idées de l'autre. Hein, ça n'empêche qu'on peut très bien avoir des idées en commun. J'en ai très certainement avec vous, comme je peux en avoir certainement avec M. Bourgon et avec d'autres partis. Donc ce que je dis, c'est qu'il me paraît cohérent d'être là où je vais m'inscrire. C'est la première chose. La deuxième chose, vous avez parlé d'alliance. Pour ma part, je suis contre une alliance avec La République En Marche. Je le dis, je peux vous l'écrire aussi, je l'ai écrit sur les réseaux sociaux. Donc à partir de là, je suis parfaitement cohérent aussi. Alors que X est appelé à voter pour Y en 1912 ou en 2004 ou en 3230, ça ne me paraît pas m'engager. Ce qui m'engage, c'est ce que je fais. Mais il y a trois ans, même si c'était la veille, vous avez parlé du Parti des Républicains. Il y a des gens chez les Républicains qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens au RN qui ne sont pas d'accord. Il y a des gens à La République En Marche qui ne sont pas d'accord. Et heureusement d'ailleurs, parce que c'est la démocratie, et que même quand on est dans un parti, c'est vrai que ça altère quand même un peu la liberté. J'en conviens, et je malheureusement. Hein, mais on peut quand même dire que fort heureusement, on vit dans un état de droit et chacun est libre hein, d'avoir ses propres convictions. Parce que si on ne pouvait s'allier qu'avec ceux avec qui on a 100% d'accord, ben, tout le monde resterait seul. Il n'y aurait plus de parti. Je pense que même au RN, vous n'êtes pas à 100% d'accord avec l'ensemble des membres du RN. Non, mais au RN, quand, par exemple, il y a des divisions, comme c'est le cas au Conseil municipal, parce que je crois qu'il y a un groupe LR de la majorité maintenant et un groupe LR de l'opposition, eh bien, il y a des décisions qui sont prises pour donner une ligne politique. Là, quelle est la ligne politique donnée en Conseil municipal de Valoris-Golfe-Jean? Vous avez un groupe LR. Pourquoi voudriez-vous... Chez les LR, attendez. Chez les LR, on peut être pour et contre à la fois. Il y a une liste en même temps. Mais là, on parle de projet de ville, on ne parle pas de parti politique. Chez les LR, bon, je ne vais pas parler pour les LR, ça ne me revient pas. Le seul qui peut parler pour les LR du département, c'est M. Ciotti. Ce n'est pas moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est lui qui a vocation à parler pour les LR. Donc chez les LR, il y avait une liste LR. Cette liste LR, les électeurs n'en ont pas voulu. Enfin, ils en ont voulu pour parti, ils ne l'ont pas élu. Maintenant, il y a un groupe qui se dit LR, qui ne peut plus, à mon sens, revendiquer la dénomination LR dès lors qu'il y a un candidat qui a été choisi par le parti pour le représenter à une élection départementale, à mon sens. Maintenant, chacun est libre de faire ce qui lui semble, bon lui semble, mais il n'y a pas de clarification à avoir au niveau du département ou de je ne sais quoi. Ainsi, M. Manago a gardé sa carte chez les LR, je ne sais pas s'il l'avait. Ben, je ne vais pas lui dire de la quitter parce qu'il est dans mon opposition. C'est son droit de la garder. Maintenant, celui qui représentera le parti LR au département, a priori, c'est moi, puisque c'est moi qui ai été désigné. Hein, je rappelle qu'il y a eu un vote qui a été fait au sein des délégués départementaux du parti, que 222 délégués départementaux ont voté en faveur de la liste qui a été présentée de binôme, et que 5 seulement ont voté contre cette liste, dont Mme Saluki. Donc Mme Saluki a 5 voix... pour ma part, j'en ai 222 dans le bureau des LR. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et heureusement, hein, c'est la démocratie, comme je l'ai dit. Et si des gens veulent se présenter et si des gens disent « moi, j'ai ma carte chez les LR », bon, je ne pense pas qu'on va les empêcher.
Après, par contre, ils ne pourront pas se revendiquer être les représentants de LR comme un autre candidat ne pourra pas se revendiquer être le représentant du Rassemblement national, ou je pense un autre candidat pourra se revendiquer être la République en marche contre M. Bourgon. Mais bon, là, on est en train de faire de la... Enfin, ça, vous nous amenez sur un terrain de politique politicienne qui, à mon sens, n'est pas approprié, enfin, n'est pas approprié, ne correspond pas à ce qu'on débat aujourd'hui au sein de son conseil municipal, parce que moi, ma préoccupation constante, c'est Valoris Golfe-Juan, c'est l'avenir des Valoriens et des Golfe-Juanais, et c'est pas de savoir si tel parti a ceci ou a cela. Voilà. Je pense que l'engagement partisan, il est utile dans des élections où on a besoin d'avoir un raccrochement à un parti, parce que bah, c'est forcément le mode d'expression du suffrage, évidemment, au niveau du département. Quelle connaissance a-t-on de tel candidat isolé, hein, les gens votent en fonction d'une étiquette, je pense, pour l'essentiel. Au niveau local, on vote pour un candidat qu'on connaît, pour des candidats qu'on connaît, qu'on veut, ou contre des candidats qu'on ne veut pas. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc je pense qu'il ne faut pas mêler, ou pas trop mêler, même si évidemment bon, y a une campagne qui s'annonce et chacun a envie de la remporter. C'est parfaitement légitime. Chacun a des objectifs, chacun a des ambitions. Et je pense qu'à partir de là, je peux comprendre que vous fassiez ce grief, mais je le redis, il ne correspond pas à la vérité, puisque dans la campagne, on a été clair. D'ailleurs, personne ne nous a catalogué à gauche. On a été catalogué malheureusement d'extrême droite, ce qui n'est pas ma vocation ni celle de mes colistiers. Bon, ça a été fait, c'est du jeu politique. Là encore, hein, c'est des attaques qui valaient ce qu'elles valaient. C'est-à-dire pas grand-chose, hein. Je pense qu'on pouvait les situer dans le caniveau. Bref, peu importe, elles se sont faites. Elles n'ont manifestement pas marché, puisque ceux qui les ont utilisées ne sont pas dans la majorité, ils sont dans l'opposition. Donc je pense que maintenant, il faut regarder devant, il faut avancer, et il faut surtout penser à avoir des propositions pour notre ville, il faut avoir des propositions pour nos territoires, et il faut avoir des propositions pour notre pays, parce que c'est ça qui importe. C'est pas de savoir si vous faites telle carrière ou si je fais telle autre carrière. C'est pas ça qui est important. Les Valoriens et les Golfe-Juanais, ce qu'ils souhaitent, c'est mieux vivre, c'est qu'il y ait des arbres dans leur ville, c'est qu'on puisse circuler, c'est que leurs enfants puissent aller dans des écoles où ça marche bien, que les personnes âgées puissent être dans les meilleures conditions possibles. Voilà, c'est ça qui est important. En tout cas, moi, ce qui motive mes engagements politiques, c'est ça. Et c'est pas de savoir si tel ou tel parti fait cela ou ne fait pas cela. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres prises de position? Non? Alors, s'agissant de l'installation de M. Bourgon, hein, il n'y a pas de vote. Il vous est proposé simplement d'acter cette installation, hein, puisque, évidemment, à partir du moment où M. Chartier a démissionné et où M. Bourgon a manifesté son intention de siéger, eh bien, il est automatiquement admis au sein du conseil municipal. Et je vous demande également d'acter la modification du tableau des élus qui a été annexé à la présente délibération et qui permet, eh bien, de actualiser hein, les membres de cette commission, enfin de ce conseil. Prise d'acte, donc personne, je pense, n'a quelque chose à ajouter. Non. Alors, juste un détail en termes d'organisation. On est obligé de retirer la délibération numéro 6, qui était relative à la convention avec l'association Palmier Sud. Pourquoi ? Parce que l'association a sollicité que nous fassions un certain nombre de changements. Hein, donc, il y a un projet de convention, mais qui n'est pas complètement définitif. Alors, au départ, ils étaient d'accord et puis ils ont souhaité qu'on fasse quelques aménagements. Donc, ce que je propose, c'est qu'on retire la délibération, on finalise les discussions avec l'association en question et on présentera au prochain conseil municipal cette délibération, donc la délibération numéro 6, hein, qui est relative à ce partenariat avec Palmier Sud qui permet notamment hein, de lutter contre les ravageurs des palmiers hein, qui sont, vous le savez, un fléau pour ces palmiers. Alors, pas d'autres prises de position, non ? Donc, on a pris acte. Nous passons désormais à la délibération numéro 4 qui est relative à la modification des compositions des commissions municipales urbanisme environnement d'une part et développement économique artisanat commerce d'autre part, ce qui est logique puisque M. Chartier a démissionné, il ne peut donc plus siéger dans ces commissions et ce que nous devons faire aujourd'hui c'est désigner le ou les représentants qui vont remplacer M. Chartier au sein de ces commissions.
Donc il y a il y avait une règle au départ qui était simple, c'était que Ensemble pour Valoriser le Golf Jouant désigne son ou ses candidats dans ces deux commissions à la représentation proportionnelle. Mais là, vu que M. Bourgon nous dit qu'il se retire du groupe, je ne sais pas trop comment on peut faire. On va peut-être, si vous le permettez, M. le maire, à ce moment-là, on peut aussi s'y revoir, puisqu'on va interroger la préfecture, parce qu'on a un cas un peu inédit là sur ce. Donc on va interroger la préfecture. Il n'y a pas de jurisprudence sur ce thème, pratiquement. Donc on va interroger la préfecture, si vous le voulez bien, M. le maire. Alors, M. Bourgon, vous nous mettez devant une difficulté, puisqu'on avait préparé notre dossier avec la préfecture, évidemment, pour que tout soit bien en règle, mais on ne s'attendait pas à ce deus ex machina, puisque vous nous annoncez sur le siège que vous ne siégerez pas avec vos anciens colistiers. Du coup, là aussi, on va sursoir au vote de cette délibération. On va consulter les services de la préfecture pour qu'on soit complètement dans les règles de la légalité. Et ensuite, évidemment, on désignera le ou les représentants au titre, je n'ose pas le dire, de Ensemble pour Valoriser le Golf Jouant, parce que je ne sais plus trop maintenant qui est qui et qui est où. Hein. Mais bon, en tout cas, on va être obligé donc de retirer momentanément cette délibération. Et je pense qu'une fois qu'on aura les précisions faites par la préfecture, on pourra la représenter avec, bien sûr, une plus grande efficacité et surtout une meilleure orthodoxie juridique, parce que je ne voudrais pas qu'on ait un souci dans cette désignation. Donc nous passons à la délibération numéro 5, qui est relative à l'engagement de la commune dans la déclaration, à participer à la déclaration de Glasgow. Hein, l'idée, c'est de nous permettre, comme l'ont fait d'autres communes, d'y adhérer. Alors juste quelques mots, hein, je vais être assez bref. La déclaration de Glasgow, elle s'inscrit dans le cadre des accords de Paris qui visent, vous le savez, à la réduction des gaz à effet de serre. Hein, nous avions dit, et là je pense que personne ne nous prendra en défaut, que l'environnement c'était une préoccupation essentielle de notre liste. Nous la mettons en œuvre, nous mettons en œuvre cette préoccupation au fur et à mesure des conseils municipaux, puisque la dernière fois, vous aviez vu, nous avons voté les deux délibérations relative à la protection de la mer. Et là, je souhaite que nous votions ensemble, et sans doute même, je pense, peut-être avec l'opposition, pour adhérer à cette déclaration de Glasgow, qui, vous le savez, tend à mettre en œuvre les engagements qui ont été pris lors des accords de Paris pour la réduction des gaz à effet de serre, et plus précisément qui s'inscrit sous l'angle de l'alimentation durable, l'idée étant évidemment que les systèmes alimentaires actuels représentent, alors selon les études, entre 20 et 40% des gaz à effet de serre totaux. Alors, on va dire entre 25 et 30 pour être dans une fourchette qui est sans doute la bonne, avec évidemment des conséquences très graves en termes de dégradation de l'environnement, en termes d'inégalités socio-économiques, en termes d'impact sanitaire. On voit actuellement que, enfin, certains médecins nous disent que l'impact d'une bonne alimentation dans le cadre de la crise sanitaire est peut-être quelque chose de positif, ou à l'inverse, une mauvaise alimentation est peut-être négative. Donc on voit que l'alimentation, de plus en plus, a vocation à jouer un rôle dans la santé humaine, mais aussi dans la préservation de l'environnement. Donc l'idée, c'est d'avoir, en tout cas c'est ce que nous dit la déclaration de Glasgow, hein, c'est de travailler sur une approche systémique, hein, des différents systèmes alimentaires, afin d'avoir, de garantir à tous une alimentation qui soit de qualité, de favoriser les circuits courts, de faire qu'on ait plutôt une agriculture qui soit régénérative plutôt qu'une agriculture qui soit avec des produits néfastes pour l'environnement et destructeurs, et de travailler sur l'économie circulaire, des moyens de subsistance qui sont justes et équitables. Alors, pourquoi une intégration à divers niveaux? Tout simplement parce que, vous le savez, hein, l'ensemble des problématiques environnementales sont des problématiques qui sont complexes et qui ne se jouent pas à l'échelle d'un seul territoire, mais de la planète, ou en tout cas de très grands ensembles, et parce qu'il y a aussi, hein, des conséquences en chaîne de ces facteurs de destruction de l'environnement à travers les gaz à effet de serre, mais aussi les pollutions que nous connaissons. Et donc l'idée, c'est bien sûr de travailler sur un ensemble de choses, hein, notamment de lutter contre le changement climatique au sens strict du terme, mais de préserver aussi la biodiversité, de lutter contre une montée en puissance de certaines maladies qui sont liées à l'alimentation, de garantir une sécurité alimentaire et l'accès à une alimentation saine pour
toute la population mondiale, ou en tout cas celle qui nous concerne, hein, au moins essayer d'avoir une alimentation de meilleure qualité pour les Valoriens et les Golfe-Juanais, même si évidemment c'est une ambition qui dépasse simplement le cadre de notre commune. Et donc ce que nous allons mettre en évidence aujourd'hui, c'est tout simplement l'engagement de la commune à adhérer à cette déclaration de Glasgow. Et c'est simplement, pour la précision, un certain nombre d'éléments qui seront mis en œuvre au fur et à mesure du mandat pour intégrer ces systèmes alimentaires dans un projet de transition écologique globale et durable. Alors les objectifs de la municipalité et de tous ceux qui adhèrent au programme promu par la déclaration de Glasgow, c'est évidemment de renforcer la qualité des denrées qui sont servies, notamment pour les enfants dans les écoles, dans les crèches, et pour les personnes âgées au CCAS. C'est de privilégier les produits bio et locaux, et c'est aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire. Donc, à ce titre, il y a un contrat de délégation de services publics qui existe, qui impose un certain nombre d'obligations aux délégataires, qui, à notre sens, ne va pas assez loin, mais qui a quand même le mérite de présenter sur ce point un certain nombre de choses, et notamment cinq éléments, on va dire, qui sont importants. La mise en place d'une légumerie pour travailler à partir de produits qui sont frais, favoriser l'approvisionnement direct auprès des producteurs, notamment ce qu'on appelle les circuits courts en termes de crudité et d'entrée chaude, la valorisation d'une production locale, et ensuite Madame Anas va vous parler d'une délibération qui est en lien avec le FEDER et qui vise à renforcer la vocation agricole de notre commune, on y reviendra, la valorisation de produits bio, les laitages, les fromages, les féculents, le pain notamment, et la présentation de labels de signes de qualité, que vous connaissez tous, label rouge, 100% IGP Camargue, AOP, etc., etc. Donc l'idée, bien sûr, c'est d'aller le plus loin possible dans ce domaine-là, parce que, bien entendu, l'alimentation de nos enfants et de nos seniors, c'est une priorité absolue, et c'est une priorité qui, bien sûr, les concerne directement, mais qui, plus largement, concerne le monde entier à travers ces difficultés environnementales que l'on connaît tous. Donc ce que je vous demande, c'est tout simplement de bien vouloir m'autoriser à signer la déclaration de Glasgow, et donc nous serions à ce titre la troisième ville du département, puisque Montsartou l'a déjà fait, Montsartou, on sait, est une ville pionnière en la matière, a fait beaucoup au niveau notamment de l'alimentation, et on l'avait dit, et on le fera, c'est un des objectifs à atteindre, bien sûr qui ne va pas être tout de suite mis en place, mais qui constitue une sorte de cap, parce qu'à l'heure actuelle, c'est sans doute ce qui se fait de mieux en France. Et une deuxième ville qui l'a fait également, c'est la commune de Villeneuve-Loubet, dont on sait qu'il y a là aussi une action en termes d'environnement qui est importante. Donc nous serions, si vous m'y autorisez, la troisième commune à signer cette convention et à, bien sûr, à mettre en œuvre les objectifs que je viens de très brièvement énumérer, mais qui peuvent être enrichis. L'idée, c'est bien sûr de le faire au fur et à mesure du mandat, au fur et à mesure du temps. C'est valable, bien sûr, au niveau de la DSP, mais ce sera valable par d'autres politiques, notamment le fait de redévelopper une agriculture à Valoris. On a la chance d'avoir une espèce unique, le bigaradier, qui n'est exploité que chez nous et dans une autre commune de la Casa, le Rouret en l'occurrence. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin, d'avoir des terrains agricoles, de pouvoir permettre plus tard d'avoir une alimentation qui sera produite dans notre ville, si ce n'est pas possible en totalité, dans les environs, pour pouvoir favoriser ces circuits courts, ces productions locales qui sont ô combien importantes pour l'environnement en général et pour la santé au niveau de notre bassin de vie. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des prises de position, Monsieur Manago? Oui, Monsieur le maire, merci. Mesdames, Messieurs, cette délibération au travers de cette convention soulève en fait un paradoxe que je vais vous soumettre, parce qu'en fait, dans cette délibération qui affiche des intentions louables et ô combien importantes pour notre environnement, vous l'avez cité, disons, avec tous les détails, Monsieur le maire, à l'instant, une qualité et une hygiène de vie durable, une meilleure alimentation pour tous, favoriser l'économie locale par des circuits courts avec des producteurs locaux. Tout ça est parfait et, naturellement, notre groupe ne peut pas rêver mieux, effectivement. Donc, naturellement, nous sommes totalement favorables à cette convention. Cependant, alors que d'autres intérêts
dont ceux de votre majorité, monsieur le maire, veulent nous imposer donc une déviation qui dégraderait inévitablement l'environnement et le cadre de vie, dont les risques supplémentaires de pathologies connues sont provoqués par la pollution, et également pour un certain nombre d'exploitants bio locaux qui sont installés sur nos collines, qui se verraient retirer leur label bio. Voilà quel est le paradoxe sur lequel nous nous sommes penchés. Mais naturellement, évidemment, les louanges de cette convention, qui ne pourrait pas y adhérer, évidemment. Alors, je vous remercie pour les louanges. Je vais néanmoins vous répondre pour la déviation, parce que c'est un sujet qui est un sujet important, qui est un sujet qui mérite d'être discuté et débattu, parce que ce qui est important, c'est qu'on ait de la clarté pour nos concitoyens. Donc sur la déviation, je ne souhaite imposer rien du tout. D'ailleurs, ni vous ni moi n'avons la possibilité d'imposer quoi que ce soit en la matière, puisque vous le savez, les fameux terrains dont vous parlez pour la déviation, ils ne m'appartiennent pas, ils n'appartiennent pas à la commune. Je ne pense pas qu'ils vous appartiennent non plus. Ils appartiennent au conseil, au département, donc département des Alpes-Maritimes, à la suite de la loi de 2017, me semble-t-il, qui avait rétrocédé les routes nationales au département. Or, l'histoire de cette déviation, vous devez très certainement la connaître aussi bien que moi, c'est une histoire très longue, puisque dans les années 50, déjà, 1950, il y a juste après la guerre, le projet est apparu, qu'à partir des années 1960, le projet s'est concrétisé avec des expropriations, comme on disait à l'époque, qui avaient été lancées par l'État pour acquérir les terrains en vue de réaliser ces constructions. Et vous savez qu'aujourd'hui, les terrains qui ont fait l'objet d'une expropriation n'appartiennent plus forcément à leurs propriétaires, mais ils appartiennent au département. Or, je ne suis pas en possibilité de vous dire, même si je le souhaitais, que je vous allais construire une piscine dans votre jardin pour venir m'y baigner. Pas plus la ville de Valoris n'est en possibilité de dire au département « Vous allez nous faire des coulées vertes et vous allez nous faire des piscines olympiques pour qu'on puisse se promener ou se baigner ou je ne sais quoi d'autre sur ce terrain-là. » Et donc ça, c'est une réalité. Ce n'est pas ma volonté, même si moi, je suis favorable à la déviation, je le dis, j'y suis favorable, non pas par goût, parce que je suis comme tout le monde. Vous savez, moi, j'ai 2 petits-enfants, 3 ans et 1 an. Je préfère que mes petits-enfants y voient de l'herbe, des arbres, plutôt que de voir des routes. Le problème, c'est que tout le monde se déplace sur des routes, qu'il y a des véhicules, que ces véhicules, malheureusement, ils polluent, et que, comme je l'ai dit au dernier conseil municipal à Madame Le Duc, je crois, on ne reviendra ni au mulet ni au cheval pour se déplacer, et on va continuer pendant encore quelques années à se déplacer sur des routes. Pourquoi ? Parce que la voiture, elle marche assez mal, à part peut-être certains 4x4 particulièrement polluants, sur les hors-routes, sur les chemins et encore moins encore sur les pierres et les arbres. Donc à partir de là, on a 2 solutions. Soit on reste dans le statut quo ante, c'est-à-dire des actes, une nationale qui est particulièrement dangereuse, accidentogène avec des morts, hélas, qui sont réguliers. Une route qui est très polluante, parce que forcément, quand on n'avance pas, qu'on est dans les bouchons, on pollue beaucoup plus que quand on roule sur un axe. Et troisièmement, peut-être surtout, en tout cas, autre problème qui est particulièrement grave, ce sont tous les petits axes, enfin petits, au départ qui étaient petits, tous les axes adjacents que vous connaissez, le chemin des Clos, l'avenue des Mimosas, le chemin des Coursettes, le chemin de Notre-Dame, le chemin de la Gabelle, etc., etc., qui sont devenus des autoroutes, où les gens roulent à des vitesses qui sont dangereuses, où il y a trop de circulation pour des chemins qui ne sont pas au départ adaptés. Pourquoi ? Parce que à l'époque de mes grands-parents, ils avaient des terrains là-bas, de mes arrière-grands-parents, c'était des chemins muletiers, on n'avait pas de route. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a creusé des routes au fur et à mesure, et ces routes, elles ne sont pas adaptées à cette circulation. Donc il y a 2 solutions. Soit on fait l'autruche, on met la tête sous la terre et on dit on ne va rien faire, on va laisser la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire des accidents, malheureusement des décès, de la pollution, des conditions de vie qui se dégradent pour toutes les personnes qui habitent dans ces quartiers. Ou alors on va dire, il y a le département, on travaille avec eux le plus intelligemment possible. Pour faire quoi ? Pour faire non pas une 4 voies comme c'était prévu autrefois, mais pour faire une 2 voies, un sens et l'autre voie, avec des aménagements paysagers, avec des murs anti-bruit, avec un revêtement en goudron qui fait qu'il n'y a quasiment
pas de dérangement pour les voisins, avec des aménagements de jardin, ce qui malheureusement n'a pas été fait sur le premier tronçon, puisqu'on a fait le premier axe, et Madame Saluki, que vous représentez, a d'ailleurs été à l'inauguration en se félicitant de ce premier tronçon. Bizarrement, elle était contre le deuxième, ce qui n'est pas très cohérent, parce que soit il faut protéger les collines, et dans ce cas-là, on ne faisait pas la route du tout, soit si on commence à faire le premier tronçon, on finit. Parce que là, on a investi, enfin, le département a investi plus de 8 millions d'euros sur ce segment, qui, si on n'achève pas la route, ne sert à rien, à part avoir causé des nuisances, en tout cas selon vos propos, pour les voisins, et sans améliorer la circulation. Je pense que dans la vie, il faut être cohérent. Pour ma part, je n'ai pas honte de le dire, au départ, j'étais contre la déviation. Je ne pensais pas que c'était une bonne idée. Sauf que j'ai vu que le premier tronçon, à mon sens et au sens de beaucoup de gens, apporte un vrai plus à différents égards, mais que le véritable intérêt de ce tronçon, c'est d'être terminé. Si vous faites une route, vous la faites à moitié, elle ne sert à rien. Évidemment, si on fait cette déviation, si le département finalise cette déviation, ce sera à coût zéro pour la commune, je le répète, ce sont des travaux qui seront pris en charge en totalité par le conseil départemental, et ça permettra, bien entendu, de faciliter, d'améliorer la circulation, de lutter contre la pollution que nous déplorons tous, et d'offrir des conditions de vie qui seront bien meilleures pour l'ensemble des personnes qui habitent dans tous les chemins que j'ai cités tout à l'heure, et même plus particulièrement encore sur la nationale. Est-ce que vous ne pensez pas que quand on met une demi-heure pour traverser Golfe-Jean, on crée de la pollution, on crée des nuisances, on crée du bruit, hein, tout ça, c'est devenu intolérable pour le voisinage, alors que quand on voit la façon dont le premier tronçon de la déviation s'est fait, on a quand même des conditions qui sont beaucoup plus agréables. Alors, je suis d'accord, je le redis, on est tous pareils, on préfère voir des arbres, on préfère voir de l'herbe, bien sûr, mais sauf à ce qu'on renonce tous à nos voitures et qu'on s'engage à faire du vélo ou à marcher à dos d'âne, je crois que malheureusement, on va devoir aller dans ce sens-là. C'est un projet qui, à mon sens, est un projet utile pour la ville, je le redis. Alors, c'est bien dommage que Mme Saluki n'ait pas eu la présence d'esprit lorsqu'elle a discuté avec le département de faire prendre en charge le fleurissement et l'embellissement des abords, parce que ça va quand même coûter près de 500 000 euros à la ville. Nous, dans l'accord que j'ai avec le conseil départemental, ça coûtera zéro parce que tout sera fait par le département. Voilà. Donc je pense qu'il y a un moment où il faut se dire, il y a des choses, ça ne fait pas forcément rêver une route, je suis bien d'accord avec vous, on est tous pareils, mais il y a des moments où il faut faire preuve de responsabilité et il faut aussi offrir à nos concitoyens des conditions qui sont de bonnes conditions, en tout cas des conditions qui sont moins mauvaises que celles qu'on connaît actuellement, et véritablement aller dans le sens d'un progrès pour tout Golfe-Jean, mais également, je pense aussi, pour le Saint-Bernard, qui est particulièrement encombré et qui aura très certainement, alors ce ne sera pas un règlement total du problème, mais qui aura quand même une amélioration, je pense, sur cet axe qui est compliqué. Alors, ça ne va pas se faire tout seul. On ne parle pas simplement de faire une route, on parle de faire des pistes cyclables en plus, on parle d'avoir des liaisons douces, on parle d'avoir des aménagements paysagers. L'idée, c'est pas simplement de lancer une autoroute en centre-ville. Bien au contraire, c'est d'avoir un axe qui nous permettra de délester les autres axes qui sont compliqués. C'est un axe qui nous permettra aussi plus facilement de faire des choses sur le bord de mer. Vous avez peut-être pu voir qu'on a, avec Antibes, au cours des week-ends de confinement, on a piétonnisé le bord de mer, ce qui a été plébiscité par l'ensemble ou la quasi-totalité de nos concitoyens qui ont pu profiter de cet espace de liberté. Et je pense que lorsqu'on aura la déviation qui aura été réalisée, à coût zéro pour la commune, je le redis, on aura un vrai plus parce qu'on aura en plus, en outre, la maîtrise de ce bord de mer qu'on pourra, lorsqu'on en a envie, piétonniser, qu'on pourra utiliser pour faire d'autres choses et pour donner une attractivité beaucoup plus grande à notre ville. Voilà. Donc, ma réponse sur la déviation. Est-ce qu'il y a d'autres prises de position? Non. Sur la déclaration de Glasgow? Non. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Non. Alors, qui s'abstient? Bon, pas d'abstention. Je vous remercie. Unanimité. Donc, délibération numéro 7. C'est une délibération qui a trait aux ressources humaines et plus précisément à la présentation du rapport de situation en matière d'égalité hommes-femmes pour l'année 2020.
Donc ce rapport, vous l'avez annexé à la délibération. Bon, vous le savez, hein, le cadre législatif français, c'est heureux, a renforcé ces dernières années ces dispositifs qui visent à tendre à une égalité réelle entre les hommes et les femmes. Alors je ne vous passe les textes, évidemment, vous connaissez. Hein, l'idée étant, bien entendu, d'arriver à ce que cette égalité réelle, elle se matérialise davantage dans le cadre, entre autres, professionnel. Alors le rapport, vous l'avez, il présente un certain nombre de données statistiques sur lesquelles je ne vais pas complètement revenir. Tout d'abord, vous avez un tableau des effectifs qui vous est présenté avec un taux de féminisation. Je ne les reprends pas, hein, simplement à dire. Donc dans la catégorie A, on a 74% de femmes, c'est-à-dire dans la catégorie supérieure des agents de notre collectivité. Ce qui est relativement rare, hein. D'habitude on en a beaucoup moins. Là c'est quand même un marqueur important dans le sens de l'égalité homme-femme, pour un total de femmes qui représentent 60% de nos agents de façon globale. Hein. 438 pour 286 hommes sur un total de 724. Donc juste un rappel, hein, les chiffres que l'on donne là, ce sont des chiffres qui datent de 2020, puisque c'est le rapport de présentation pour cette année-là. Donc dans la répartition par filière, je ne les reprends pas individuellement. Donc, sans surprise, dans la filière administrative, on a davantage de femmes. Dans la filière technique, on a davantage d'hommes. Et pour le reste, vous avez une ventilation qui est relativement classique. Le médico-social et le social, ce sont plutôt des filières qui ont du personnel féminin, alors que la filière sportive, par exemple, ou la filière police, a plutôt du personnel masculin. Le taux de féminisation par filière, vous avez le graphique qui illustre les données que je viens de vous évoquer brièvement. En ce qui concerne la répartition par cadre d'emploi, je tiens à faire une petite correction. Ce n'est pas au 1er janvier 2019, mais c'est au 1er janvier 2020. Hein, donc il y a une coquille sur la page 5 du rapport qui vous a été présentée. Bon, là aussi, on peut voir que sur 16 cadres d'emploi, les femmes sont majoritaires. Au niveau de la direction générale, on a une égalité parfaite puisqu'il y a un homme et une femme. Et ensuite, en fonction des différentes filières, eh bien, il y a une répartition là aussi qui est évolutive. S'agissant de la durée et de l'organisation du travail, donc on a bien sûr au sens où c'est quelque chose de fréquent, hein, une écrasante majorité de femmes sur le temps partiel, hein, 76%, donc quelque chose qui est relativement classique, hein, on peut le déplorer, certains le déplorent, on peut au contraire penser que c'est un confort de vie supérieur, bon, les deux sont possibles. S'agissant des disponibilités, là aussi on a davantage de femmes, donc disponibilité pour convenance personnelle 72%, disponibilité pour élever un enfant 100%, disponibilité pour suivre le conjoint 100%. Là aussi, ce sont des données qui sont relativement classiques. Pour ce qui est du compte épargne-temps, 54% des femmes ont un compte épargne-temps, 212 femmes pour 181 hommes. En ce qui concerne les embauches, voilà, il y a eu beaucoup plus de recrutements femmes, donc 49 contre 19. Il y a eu un peu plus de départs, 39 contre 25. Donc une surreprésentation, hein, une augmentation en tout cas du nombre de femmes dans les effectifs, puisqu'il y a un différentiel en termes de recrutement qui est plus important que celui des départs. Le taux de féminisation par catégorie pour l'année 2020. Donc catégorie A, les recrutements, ce sont 4 femmes en catégorie A, donc dans les catégories de direction, 100%. En catégorie B, 50% de femmes. En catégorie C, 71% de femmes, donc sur un total en termes de recrutement, de féminisation, qui est de l'ordre de 72%. Pour ce qui concerne les positionnements, par niveau de responsabilité, donc les emplois de direction, je l'ai dit tout à l'heure, un homme pour une femme, donc on est à une égalité parfaite entre les deux. Et s'agissant des chefs de service, là aussi, il y a davantage de femmes, 14 femmes pour 8 hommes, soit 64% de femmes. Pour ce qui est de la répartition par promotion interne et avancement au grade au titre de l'année 2020, donc dans les promotions internes, 25% de femmes, et dans les avancements de grade, 65% de femmes.
Donc 25% des femmes ont bénéficié d'une promotion interne et 65% des femmes ont bénéficié d'un avancement de grade. Donc là aussi, on voit qu'il y a une progression de carrière qui est tout à fait significative en faveur des femmes. Pour ce qui est de la rémunération, là, il y a quand même une différence qui reste relativement importante, puisque le montant indemnitaire moyen, brut moyen par catégorie, est supérieur s'agissant des hommes. C'est vrai que là, il y a encore du travail à faire en ce domaine. J'imagine que ce sera relevé. Pour ce qui est de la formation, le nombre d'agents qui ont suivi au moins une journée de formation en 2020, nous avons en catégorie A 74% de femmes, en catégorie B 52% de femmes et en catégorie C 65% de femmes. De façon globale, ce sont 64% de femmes qui ont suivi une formation au cours de l'année 2020. Donc là aussi, une volonté d'avancer dans leur carrière. Pour ce qui est enfin de la proportion des effectifs ayant suivi au moins un jour de formation, donc là, vous avez le graphique qui correspond au tableau qui vous a été donné. Est-ce qu'il y a des souhaits de prise de parole, Madame Le Duc ? Oui, merci, Monsieur le maire. Je vais me permettre un petit rappel historique, car je sais que vous êtes friand d'histoire, même si celle-ci est très contemporaine, vous allez voir. Ce rapport rendu obligatoire, comme vous l'avez dit, par un décret de 2015, est présenté au conseil municipal depuis 2018 seulement, suite à un courrier adressé à l'ancienne municipalité par le groupe citoyen Ensemble pour Valoris Golfe-Juan. Permettez-nous de nous féliciter de toutes les initiatives qui font avancer la transparence et les principes d'égalité. Ce décret relatif au rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, intéressant les collectivités territoriales, précise effectivement le contenu et les modalités d'élaboration du rapport, qui s'articule en deux grandes parties. L'une s'attache à présenter la politique des ressources humaines en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, du point de vue de l'employeur. Le recrutement, la formation, le temps de travail, l'articulation vie professionnelle, vie personnelle. L'autre concerne les politiques menées sur le territoire en faveur de l'égalité femmes-hommes. Et cette partie dresse normalement le bilan des actions conduites sur le territoire, fait état des moyens mobilisés à cette fin et des orientations de la municipalité en matière de droits des femmes. Le rapport présenté ici par la ville est assez succinct. C'est un copier-coller de celui de l'année dernière. Il n'est pas présenté préalablement au débat sur le projet de budget, comme le stipule le décret de juin 2015. Le projet de débat de budget, on va l'avoir là maintenant. Oui, alors c'est très préalablement, là, quand même. Ah. Vous en conviendrez. C'est quand même préalable, puisqu'on le vote avant. Et on va en débattre avant. Et plus important, surtout, il n'aborde pas le volet des actions menées et des ressources mobilisées en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Il ne donne pas les orientations pluriannuelles. Le rappel des indicateurs des années précédentes permettrait de se rendre compte de l'évolution de la situation, tout comme la pyramide des âges, des agents, ou encore la répartition du statut fonctionnaire contractuel, par exemple. La répartition des femmes et des hommes selon les filières indique clairement la persistance des représentations genrées des métiers, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Dans le domaine sportif, on compte seulement 15% de femmes sur l'effectif total. Il s'agirait de sensibiliser à la diversité, à l'égalité professionnelle, en luttant contre les stéréotypes et les discriminations. Nous vous proposons des pistes d'amélioration à suivre. Favoriser la répartition de la responsabilité parentale entre hommes et femmes. Évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération. Faciliter l'articulation entre vie professionnelle et vie privée pour les femmes à l'aide de télétravail, horaires variables, charte du temps pour améliorer la qualité de travail et réduire l'absentéisme, par exemple. Et également prendre en compte la pénibilité et les risques sociaux professionnels. Un plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devait être élaboré au 31 décembre 2020. Où en est la ville de Valoris-Golfe-Juan ? Nous vous avions interpellé au sein de cette assemblée en juillet 2020, lors de la présentation du rapport de l'année précédente, de 2019. Et selon ce rapport présenté ce soir, aucune action ni aucun plan n'a été entrepris. Ou alors ils n'ont pas été consignés dans le rapport. Alors que le décret de mai 2020 définit bien les modalités d'élaboration. Bref, si nous devions résumer la situation, nous dirions « peut mieux faire ». Puisque le travail, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le travail à faire dans ce domaine est conséquent et il s'agirait de vraiment s'y atteler. Vous avez raison, Madame Le Duc, on peut toujours mieux faire et l'idée, c'est de toujours s'améliorer dans la vie.
Alors, je vous propose de prendre acte de ce rapport de situation. Personne n'est contre ? Non ? Donc la prise d'acte a été réalisée. Donc la délibération numéro 8, hein, vous avez parlé du vote du budget, on y arrive, mais préalablement, hein, je vais donner la parole à Madame Bertagna, l'adjointe aux finances, qui va nous présenter la délibération qui est relative au taux d'imposition de la fiscalité directe. Alors, vote des taux d'imposition de la fiscalité directe locale 2021. L'article 1639A bis du Code général des impôts dispose que le vote des taux d'imposition doit intervenir avant le 15 avril de l'année pour laquelle ces taux s'appliquent. La loi numéro 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour l'année 2020 prévoit la suppression intégrale de la taxe d'habitation pour les résidences principales et les compensations fiscales afférentes pour les collectivités territoriales. Ainsi, les 20% de ménages qui restent assujettis à cet impôt bénéficieront d'un dégrèvement de 30% en 2021, 65% en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne devrait payer cette taxe sur sa résidence principale. En compensation, les communes percevront la part départementale sur les propriétés bâties à compter de 2021. Il est donc proposé au Conseil municipal de bien vouloir fixer les taux d'imposition pour 2021 comme suit. Taxe foncière sur les propriétés bâties, 29,56%. Ce taux correspond à la somme du taux communal applicable en 2020 de 18,94 et du taux départemental voté en 2020 pour 10,62. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 12,31, taux applicable en 2020. La surtaxe de 20% sur la taxe d'habitation applicable aux résidences secondaires, approuvée par délibération du 6 février 2015, reste inchangée. Je rends la parole à Monsieur le maire. Je vous remercie, Madame Bertagna. Je souhaite simplement mettre en exergue ces taux d'imposition. Vous constaterez, comme tout le monde le constatera, qu'ils n'ont pas été augmentés. Et vous constaterez également que, corrélativement à cette stabilité de la fiscalité, ce sera l'objet du budget que nous voterons au titre de la prochaine délibération, on a réalisé un certain nombre de choses. Du désendettement de la ville, plus de 3 millions d'euros de désendettement de notre commune, avec des taux qui sont fixes, je le répète. Des investissements qui ont doublé entre 2019 et 2021. Et des charges financières qui ont été réduites. Hein, donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a un excédent budgétaire de l'année dernière à près de 13 millions d'euros. 13 millions d'euros, c'est historique. Ça veut dire qu'on va laisser les impôts sans augmentation, ce qui est relativement rare, puisque c'est Mme Saluki qui les avait augmentés en 2015. Hein, l'augmentation remonte à ce moment-là. C'est bien Mme Saluki qui les a augmentés autrefois. Nous les maintenons. Et au contraire, nous désendettons la ville, nous investissons, nous préparons l'avenir. Hein, et tout ça sans demander un euro de plus aux contribuables. Plus d'investissement, moins de dettes. Hein, ça veut dire que l'endettement qui pèsera sur la tête de nos enfants sera plus faible, ça veut dire qu'il y a des charges financières qui seront plus faibles, et tout ça est fait en maintenant les taux d'imposition au taux où nous les trouvons. C'est-à-dire, hein, on fait beaucoup plus sans avoir à demander plus aux contribuables. Voilà, je souhaitais simplement mettre en exergue ce point. On en reparlera ensuite au niveau du budget, mais ça me paraît important. Hein. Alors, sur le taux de 29,56, hein, je vais... Madame Bertagna l'a dit, mais je souhaite quand même faire de la pédagogie. Hein, vous le savez, en réalité, ce qui compte, ce qui dépend de nous, c'est le taux communal. Hein, donc ce taux communal, il est de 18,94%, inchangé à 2020. Lorsque nous sommes arrivés, il était à ce taux. Il est maintenu. Et pour 2021, il est également maintenu avec, vous le verrez, un certain nombre, beaucoup de choses qui sont faites et qui font qu'on dépense moins, mais on fait plus avec l'argent du contribuable. Est-ce qu'il y a un souhait de prise de parole ? Non ? Donc je vous demande de bien vouloir fixer les taux d'imposition tels qu'ils ont été exposés par Madame Bertagna. Taxe foncière sur les propriétés bâties, 29,56, en réalité pour notre part 18,94. Taxe foncière sur les propriétés non bâties, 12,31%. Et maintien de la surtaxe de 20%. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est approuvée.
S'agissant de la délibération numéro 9, avant de donner la parole à Madame Bertagna, je souhaite redire un certain nombre de choses, mettre l'accent sur quelques points. Donc, je suis particulièrement fier de mon équipe, de présenter ce budget, parce que ce n'est pas mon travail, c'est le travail de toute une équipe, des adjoints, des conseillers municipaux, et même de, parce que je les associe toujours, des personnes qui ne sont pas élues, mais qui travaillent toujours avec nous, qui étaient sur notre liste, et qui donnent des coups de main dans tous les domaines, et que je souhaite associer, parce qu'ils font, pour la plupart d'entre eux, un travail qui est remarquable, et on leur en est tous reconnaissants. Donc ce travail d'équipe, il nous permet, au titre de l'exercice 2020, de dégager, je l'ai dit tout à l'heure, un excédent de 12 904 000 euros, presque 13 millions d'euros d'excédent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a moins dépensé, et ça veut dire qu'on garde de l'argent, on a récupéré en dépensant moins, on va faire des économies, non pas pour thésauriser, évidemment, mais pour pouvoir investir pour l'avenir de notre commune. Parce que c'est ça qui manquait à notre commune. Depuis des années, on avait des charges de fonctionnement qui étaient en constante augmentation et on avait de l'investissement qui n'était pas réalisé. Alors, il y avait certes un budget investissement à chaque fois, mais la plupart du temps, il n'était pas fait. Et on voit d'ailleurs l'état des voiries qui est absolument abominable. Il n'y a pas une seule route de la commune où la voirie est en bon état. On voit qu'il n'y a pas de jardin d'enfants. On voit qu'il n'y a aucun projet pour notre ville. Qu'il n'y a pas eu de projet pour notre ville qui ont été réalisés. C'est particulièrement triste. On peut regarder n'importe quel domaine. C'est la même chose. Au niveau culturel, il n'y a rien qui a été fait. Au niveau de la jeunesse, de l'enfance, du sportif, il n'y a rien qui a été fait. Au niveau de l'éducation, il n'y a rien qui a été fait. Alors, il y a eu des travaux dans les écoles, bien sûr, mais de façon globale, il n'y a pas eu d'investissement d'avenir. Rien n'a été fait sur le terrain de l'économie. Et là, on arrive à dégager, sur une première année, 13 millions d'euros d'excédent budgétaire pour pouvoir réaliser tous ces investissements qui sont nécessaires, beaucoup dont on a déjà parlé, notamment dans le cadre du projet Action Cœur de Ville, qui va donner un véritable rayonnement à notre ville, qui va la relancer, qui va la redynamiser et qui va offrir une qualité de vie qu'on avait perdue depuis des années à Valoris-Golfe-Jean. Donc, première donnée importante, c'est évidemment cet excédent. Alors, certains esprits chagrins nous diront ça résulte de la vente des parts de la SAH. Oui, bien sûr, encore fallait-il la faire, puisque certains étaient contre et ont voté contre, ce que je peux comprendre. Mais en vendant ses parts de la SAH, on a les mêmes prérogatives qu'on avait auparavant et on a de l'argent. Mais les ventes de la SAH ne sont pas l'intégralité des 13 millions. Vous savez qu'on a perçu 8 millions d'euros l'année dernière. Ça veut dire qu'il y a 5 millions d'euros d'économies qui ont été faites pour que l'on puisse avoir cet excédent qui nous permet aujourd'hui, comme je l'ai dit, de nous projeter dans l'avenir, d'avoir ces projets qu'on vous a soumis et qu'on continuera à vous soumettre, qui font avancer Valoris-Golfe-Jean sans augmenter la fiscalité. Parce qu'évidemment, c'est facile de faire comme Mme Saluki l'a fait en 2015, d'augmenter de 2 points la fiscalité locale pour faire exploser les charges de fonctionnement sans qu'il y ait devant de l'investissement réalisé. Ça veut dire quoi ? C'est un ménage qui s'endette pour acheter un téléviseur, pour acheter des choses qui ne s'inscrivent pas dans la durée. Ce que nous souhaitons faire, c'est réduire ces frais de fonctionnement. C'est difficile. Bien entendu, c'est exigeant, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Électoralement, réduire les frais de fonctionnement, ça veut dire que certains cadeaux électoralistes que d'aucuns ont pu faire, on ne les fera pas. Mais ça, on l'assume. Parce que ce qui est important, c'est de préparer l'avenir et ce n'est pas de préparer la prochaine élection. Ce qui est important, c'est que Valoris-Golfe-Jean, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 30 ans, ait un nouveau visage, soit plus agréable, qu'on y vive mieux, qu'il y ait une attractivité retrouvée qui a été très dégradée pendant les 6 dernières années. Et tout ça, ça fait vraiment partie des fondamentaux que l'on doit travailler. Alors comment on le travaille ? On le travaille évidemment en ayant une maîtrise des dépenses de fonctionnement, parce que le fonctionnement, alors il est nécessaire, évidemment. Je ne vais pas vous dire que les centaines de milliers d'euros du centre de vaccination, on les regrette, pas du tout. Parce que c'est nécessaire pour venir en aide à notre population. Donc ça a un coût. Mais ce qui est important, c'est d'arriver sur la durée. Toutes les villes qui ont vraiment progressé ont réussi à le faire. Je prends pour modèle Cannes.
dont on dit aujourd'hui que c'est une ville qui a retrouvé son rayonnement, qui a retrouvé son aura, Café David Lisnard, au fur et à mesure des années, il a réduit les frais de fonctionnement et il a augmenté l'investissement. C'est le cap que nous souhaitons donner et c'est le cap que nous avons donné à partir de 2020, tout de suite dès notre prise de fonction, même si, je m'en rappelle, M. Tivoli nous avait fait la critique en nous disant « vous avez fait un budget qui ressemble à celui de Mme Saluki ». Oui, parce qu'on a aussi une obligation de prudence. Lorsqu'on présente un budget, on ne peut pas faire n'importe quoi. On annonce des choses et après, l'idée, c'est d'aller au-delà de ce qui est annoncé en termes d'économie et c'est d'aller au-delà de ce qui est annoncé en termes de réalisation. Mais au départ, il faut être prudent. Et c'est ce que nous avons fait, ce qui nous a permis d'avoir cet excédent. Et c'est ce que nous faisons encore cette année. Je tiens particulièrement à remercier et à féliciter Mme Bertagnat parce que ça a été un très gros travail de préparer ce budget comme nous l'avons fait ensemble. Mais bon, en tant qu'adjointe aux finances, c'est évidemment sa responsabilité en premier lieu, avec moi, avec les services qui ont beaucoup travaillé. Et on s'est dit à chaque fois, où est-ce qu'on peut faire des économies? Où est-ce qu'on peut réduire? Comment est-ce qu'on peut faire pour dégager des marges de manœuvre? Comment est-ce qu'on peut faire pour que les choses fonctionnent mieux, pour faire plus avec moins, pour faire mieux les choses? Parce que c'est ça qui est important. Donc, on a réussi en 2020. On va continuer en 2021 à avoir des dépenses de fonctionnement qui sont contenues, qui sont même réduites sur ce qu'on arrivera à faire et qui nous permettront d'aller beaucoup plus loin sur l'investissement. À ce titre, je souhaite évidemment attirer votre attention sur un chiffre qui est particulièrement important. C'est le budget d'investissement. Il y a près de 24 millions d'euros qui sont prévus au niveau de l'investissement. Je ne pense pas qu'il y ait eu dans notre commune, dans l'histoire de notre commune, Madame Le Duc a parlé tout à l'heure de mon amour pour l'histoire, et elle a raison, c'est vrai que c'est une matière qui est fondamentale, parce que si on ne connaît pas l'histoire, on ne peut pas savoir d'où l'on vient ni où l'on va. Et je pense que l'histoire est importante. On n'a jamais eu un tel niveau d'investissement en budget, et si on a pu le faire, c'est pas pour les raisons que je viens d'évoquer. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça a déjà été un peu présenté. On va évidemment travailler sur les autorisations de programmes en cours, les fameuses APCP dont on parlera plus tard, notamment la phase 2 des abords du château, l'aménagement du parvis de la base nautique, la réhabilitation de l'avenue Georges Clémenceau, en tout cas la fin de cette réhabilitation. Pour le reste, beaucoup de projets complémentaires, des travaux importants qui sont prévus dans les écoles maternelles et primaires ainsi que dans les crèches, dont on sait que certaines sont complètement laissées à l'abandon. Il y a de l'eau qui coule, il y a toutes sortes de choses qui ont été malheureusement la conséquence de plusieurs années d'absence d'entretien et de travail. Donc 650 000 euros de travaux pour les écoles, je pense notamment à la création du plancher et des classes à dodées. 650 000 euros de rénovation d'autres bâtiments publics, notamment la toiture du gymnase Alinéi, qui là aussi prend l'eau d'une façon qui est absolument calamiteuse. On a une équipe de basket qui, par temps d'orage, ne peut pas jouer. On a des enfants de la commune qui ne peuvent pas s'entraîner pourtant dans un gymnase, malheureusement. On a également l'aménagement de la brigade de l'environnement, qui est un projet phare, parce que cette brigade, elle va évidemment travailler sur la qualité de vie. On souffre tous de voir que beaucoup de gens font preuve d'un incivisme qui est absolument abominable et qui n'a pour l'instant pas été suffisamment sanctionné. L'idée de la brigade de l'environnement, c'est quoi? C'est d'avoir une patrouille avec des agents qui en permanence seront sur le terrain et qui réprimeront les comportements déviants. Ça a été un engagement de campagne, on le réalise. Évidemment, ça nécessite des investissements et notamment à peu près 100 000 euros d'aménagement pour les locaux de cette brigade. Nous avons également des aménagements de voirie. Je pense au pavage qu'il a fallu refaire devant l'église Sainte-Anne. Je pense aux barrières anti-chute du pont de l'Aube qui n'étaient plus conformes. Il suffit de les pousser pour que ça puisse lâcher. Je pense à un projet qui nous tient tous à cœur, la végétalisation. Près de 500 000 euros, notamment pour la végétalisation de l'ARD 6107. Si Mme Saluki avait un peu mieux négocié avec le département, on aurait eu cette dépense en moins, puisque moi j'ai l'accord de Charles Anginési et d'Éric Ciotti, la déviation se fera et nous n'aurons pas à payer la végétalisation. Donc, elle aurait peut-être mieux fait d'avoir une autre position vis-à-vis de cette route qui aujourd'hui nous coûte de l'argent pour rien. Je pense à la rénovation, au reprofilage des voiries. On a pu voir que des rues en plein centre-ville ressemblent à des champs de bataille. La rue Haussel, la rue Girard, l'avenue de Cannes, d'autres aux extérieurs, le chemin de Riquebonne, le chemin
du Rétenaou qui ont été complètement abandonnés pendant 6 ans. Maintenant, si vous n'avez pas un 4x4, vous ne pouvez pas passer, ou quasiment pas. Donc tout ça, ça va améliorer notre ville, ça va améliorer sa qualité de vie, et ça va permettre aux habitants, je pense, d'avoir un avenir plus agréable dans notre ville. D'autres investissements qui sont importants, les murs de soutènement qui sont nécessaires parce qu'il y a des menaces d'effondrement, et ça plaira sans doute à M. Tivoli, 200 000 euros qui seront dévolus uniquement à la vidéoprotection, avec une idée force de pouvoir lutter plus efficacement contre la délinquance. Ça ne suffit pas, bien entendu. Je ne dis pas que les caméras sont la réponse en tant que telle au fléau de la délinquance, mais avoir davantage de vidéoprotection, c'est quand même un outil. En travaillant également sur les recrutements, en travaillant également sur l'équipement de la police municipale, en travaillant également sur des conventions avec les différentes institutions, tout ça, ça va dans le sens d'une ville qui sera plus sûre, en tout cas, on l'espère. Le solde, c'est évidemment la rénovation de l'avenue Clémenceau, l'aménagement de la coulée verte entre Valoris et Golfe-Jean, qui constitue un des projets phares qui va s'inscrire, bien entendu, dans le projet Action Cœur de Ville, puisque, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, Golfe-Jean est désormais intégré dans le périmètre, ce qui va permettre, évidemment, d'améliorer les deux centralités, et pas seulement Valoris, mais aussi de réaliser des investissements pour les Golfe-Jeanais, et de permettre une meilleure circulation entre nos deux centralités à travers une coulée verte qui sera un véritable poumon écologique entre les deux agglomérations et qui nous permettra évidemment de favoriser les mobilités douces et la qualité de vie là encore de nos concitoyens dont on sait qu'ils n'ont pas de parc, ils n'ont pas très peu de jardins. Il y a très peu de choses qui ont été réalisées sur ce terrain-là. La réhabilitation également de la bibliothèque. La poursuite de l'OPA-RU qui a été mise en place sous la précédente municipalité et un grand projet, la requalification du quartier Nabonnant qui va être complètement refait pour créer un véritable cœur de ville à Golfe-Jean pour améliorer la qualité de ville, là encore bien sûr, mais aussi la fonctionnalité avec un marché couvert qui sera réalisé et qui permettra d'avoir une offre de premier plan à ce niveau-là, avec un déplacement de la colonne Napoléon qui retrouvera sa place historique. Donc on va travailler sur l'ensemble des domaines, le développement économique, bien entendu, les parcs et jardins pour la qualité de vie, ou encore, bien entendu, le cadre culturel et historique qui est important et qui permet à une ville d'avoir un rayonnement aux alentours, mais aussi de façon beaucoup plus lointaine. S'agissant du désendettement, il est important, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont 3 264 000 euros de dettes en moins, puisqu'on va rembourser cette somme. Et en plus, évidemment, il y a des charges financières qui vont être réduites, puisque l'année dernière, nous avons déjà remboursé de la dette, et 240 000 euros d'économie sur les intérêts que nous payons, tout simplement à travers une meilleure gestion de cet endettement, un meilleur pilotage de cette dette, une réduction aussi qui nous permet de dégager des marges de manœuvre. 240 000 euros, ça nous permet de réhabiliter un square, par exemple. Je préfère réhabiliter un square avec 240 000 euros plutôt que de payer en plus des intérêts aux banques, comme le faisait Mme Saluki. Là aussi, donc l'absence d'emprunt qu'il convient de signaler pour 2021, a priori, donc sauf à ce qu'il y ait des taux négatifs, auquel cas on profiterait peut-être de l'emprunt, mais a priori, il n'y aura pas d'emprunt, et je crois que là aussi, c'est une première historique. Il faut peut-être remonter à Paul de Rigon, qui a été maire dans les années 50 et 60, pour revoir une période où on réalise des investissements, on réduit la dette, et on n'emprunte pas en plus. Je pense que ça méritait d'être souligné. Donc, sans plus attendre, après les félicitations que j'adresse à chacune et à chacun d'entre vous, je donne la parole à Mme Bertagna qui va présenter dans le détail ce budget. Donc le budget 2021 s'équilibre à 71 700 000 euros, qui comprend 47 millions pour la section de fonctionnement et 23 millions pour la section d'investissement. Dans la section de fonctionnement, les recettes sont composées à hauteur de 42 312 kg de total recettes réelles, hors report.
Les impositions directes sont estimées à 30 654 kg et comprennent principalement les impôts directs locaux pour 21 749 kg, l'attribution de compensation pour 4 181 kg, la dotation de solidarité communautaire versée par la CASA à hauteur de 560 000 euros, les droits de mutation, à savoir que la taxe additionnelle sur les droits de mutation a représenté une part importante des recettes en 2020, avec un montant de 3 786 000 euros. Cette taxe étant basée sur le volume des transactions immobilières, elle est relativement volatile d'une année sur l'autre, et par prudence, nous avons prévu 3 millions d'euros au budget pour 2021. Les autres taxes composées des droits de stationnement, taxes sur la consommation d'électricité, taxes locales, publicité extérieure, sont estimées à 1 165 000 euros. Les dotations, subventions et participations, il est attendu un produit de 7 442 000, dont 3 661 000 de compensation versée par l'État suite à la réforme de la taxe d'habitation. Concernant les produits des services et du domaine, ils sont estimés à 1 910 000 euros compte tenu du contexte sanitaire. Les autres produits de gestion courante sont prévus à hauteur de 1 268 000 euros. Il s'agit des redevances versées ainsi que des revenus des immeubles. Les atténuations de charges pour 460 000 euros représentent le remboursement de la part salariale des titres restaurants. Les produits financiers à hauteur de 484 000 euros correspondent à la participation du fonds de soutien pour les crédits structurés, qui est identique depuis 2019. Concernant les dépenses de fonctionnement, le total des charges réelles s'élève à 42 950 000 euros. Il a été prévu de limiter les crédits ouverts pour le chapitre charges à caractère général à hauteur de 9 031 000 euros. Les charges de personnel s'élèvent à 24 930 kg euros. Les atténuations de produits sont composées des pénalités au titre de la loi SRU pour 984 000 euros contre 833 en 2020 et le fonds de péréquation 790 000 euros estimé contre 726 en 2020. Les autres charges de gestion courante incluent les subventions aux associations et autres organismes, soit 653 000 de subventions aux associations, 936 000 pour le CCAS, 520 000 pour l'Office de tourisme et 38 000 pour la Caisse des écoles. Les charges financières s'élèvent à 1 640 000 euros et correspondent aux intérêts des emprunts. Ce montant est en diminution compte tenu de la poursuite du désendettement et du niveau très bas des taux d'intérêt. Les charges exceptionnelles, ce chapitre inclut notamment le remboursement relatif à la DSP stationnement, ainsi que les titres annulés sur les exercices antérieurs. Donc, la forte augmentation par rapport à 2019 est due à la prise en compte de 330 000 de contributions d'équilibre versées aux délégataires Indigo, compte tenu de la gratuité du stationnement accordé en 2020, 327 000 de titres de 2020 annulés, correspondant aux écritures nécessaires pour le dégrèvement accordé aux restaurants de plage. En contrepartie, de nouveaux titres seront émis sur 2021 à hauteur de 245 000 euros. Dans la section d'investissement, les recettes réelles d'investissement s'élèvent à 10 604 000 euros. Elles sont composées à hauteur de 1 434 000 des restes à percevoir de subventions octroyées pour des travaux déjà en cours. De nouvelles demandes de subventions ont été faites pour le programme d'investissement à venir. Ces montants n'étant pas encore connus, les recettes n'ont pas été inscrites sur le budget 2021. Les dotations et fonds divers sont composés du fonds de compensation de la TVA, qui est estimé à 800 000 euros, et à la taxe d'aménagement, évaluée à 377 000 euros. Les produits de cession, les 7 918 kg euros inscrits correspondent à 887 000 de restes à réaliser sur les cessions de biens en cours et à 7 millions de soldes dus dans le cadre des cessions de parts de la SAH, votées fin 2020. Aucun emprunt n'est inscrit au budget 2021 en recettes. Le désendettement est donc évalué à 3,2 millions sur l'exercice. Concernant les dépenses réelles d'investissement, dans les immobilisations incorporelles sont inclus les frais d'études, frais liés aux documents d'urbanisme et coûts des licences informatiques. L'augmentation par rapport aux années antérieures s'explique par une prévision de crédit d'études envisagée pour une révision du plan local d'urbanisme. Les subventions d'équipement versées, il est prévu des crédits pour deux subventions, 200 000 dans le cadre de la dissolution de l'aire d'accueil des gens du voyage et 63 000 pour l'OPA-RU. Dans les immobilisations corporelles sont prévues 250 000 de matériel informatique et de bureau, 128 000 de matériel de transport et 82 000 de matériel pour le service de sport.
Une enveloppe de 500 000 euros est également prévue pour des acquisitions foncières, si besoin. Pour les immobilisations en cours, je n'y reviens pas. Monsieur le maire vous les a déjà présentées. Concernant les dotations et autres immobilisations financières, il s'agit de 100 000 euros de remboursement d'un trop perçu de taxes d'aménagement sur la période 2004-2007. Les opérations pour compte de tiers représentent des dépenses de travaux envisagées dans le cadre de périmètres imminents. Ce sont des recettes qui sont prévues en contrepartie de sommes refacturées aux propriétaires des biens concernés. Remboursement de la dette, comme on l'a vu, 3 264 000 d'encours de dette seront remboursés sur 2021, permettant de poursuivre le désendettement. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver le budget primitif 2021 du budget principal, tel que détaillé dans le document qui a été annexé, soit 47 890 000 euros en fonctionnement et 23 810 000 euros en investissement, pour un total de 71 700 000 euros. Approuver l'attribution des subventions de fonctionnement et d'équipement telles que listées en annexe du budget, et autoriser Monsieur le maire à signer les conventions à intervenir avec les organismes de droit privé, dont le montant de la subvention annuelle dépasse 23 000 euros, et les contrats d'objectifs à intervenir avec d'autres organismes de droit privé subventionnés par la commune. Je rends la parole à Monsieur le maire. Je vous remercie, Madame Bertagna. Des prises de parole, Monsieur Tivoli. Oui, Monsieur le maire, chers collègues. Juste en préambule, vous expliquez que vous étiez en train de baisser les dépenses de fonctionnement. Je rappelle les chiffres, budget précédent, 44 151 000, proposition nouvelle, 47 890 000, donc il y a augmentation. Bon, vous venez de nous présenter votre budget primitif, c'est-à-dire les grandes orientations budgétaires pour notre commune en 2021. Ce budget est donc éminemment politique, puisqu'il est la traduction en chiffres de votre programme pour la commune. Je tiens à remercier une fois de plus les services pour leur explication sur ces orientations budgétaires et la construction de ce budget. Mais permettez-moi, Monsieur le maire et chers collègues, de vous faire remarquer une fois de plus l'incohérence entre certaines de vos promesses et vos actes. Il y a quelques jours, vous l'indiquiez sur les réseaux sociaux, vos nouveaux soutiens LR comme Eric Ciotti ou Christian Estrosi, forts dans les mots, faibles dans les actes, vos nouveaux amis tweetaient une phrase avec laquelle je suis tout à fait d'accord et disaient « Au lieu d'envoyer des migrants dans les régions, pourquoi ne pas stopper l'immigration de masse et renvoyer chez eux les faux demandeurs d'asile ?» Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit. Vous êtes complètement d'accord. Alors vous l'admettrez, vous l'avez admis, vous ne pouvez qu'être d'accord avec ça. Mais alors, Monsieur le maire, chers collègues, pourquoi, au travers de ce budget, participez-vous à la subvention d'associations qui, justement, font un appel d'air aux migrants? Page 54 de votre budget, vous allouez encore une fois de plus des locaux à l'association Adrafom, c'est-à-dire les apprentis d'Auteuil, et 16 000 euros de subvention avec l'argent des Valoriens et des Golfes Juannais. Je vous informais déjà l'année dernière que cette association est à la pointe quant à la défense de l'accueil des migrants sur notre territoire. En 2019, cette association ouvrait un centre pour migrants à la Seine, dans le département voisin du Var. Pourquoi subventionnez-vous ce type d'association alors? Toujours la même association, les apprentis d'Auteuil, accueillaient 33 migrants en Gironde, subventionnés par l'argent des contribuables du département. Est-ce l'avenir que vous souhaitez donner à notre commune en proposant cette association une des plus importantes subventions de notre budget? Cela n'est pas acceptable. Vous pouvez le consulter, c'est sur leur site, les apprentis d'Auteuil. À titre comparatif, vous subventionnez 16 000 euros pour les apprentis d'Auteuil, contre 150 euros... En baisse, vous avez vu. Pardon ? En baisse, vous avez vu. Oui, peu importe, en baisse, mais vous participez au financement de cette association. Contre 150 euros, par exemple, pour l'association pour l'enseignement des enfants malades. Mais revenons-en plus globalement au budget que vous proposez en quelques chiffres. Sur votre budget, les dépenses réelles de fonctionnement par habitant sont de 1 308 euros contre 1 068 euros pour les communes de même strate, c'est-à-dire comparé à des communes qui nous ressemblent, le budget de fonctionnement par habitant est de 20% supérieur dans notre commune. Ce n'est pas entièrement votre faute puisque vous héritez aussi des budgets des années précédentes. L'encours de la dette par habitant est de 1 620 euros contre 1 125 dans des communes similaires à la nôtre, soit 30% supérieur dans notre commune. Le décor est donc planté, nous ne disposons que de peu de marge, et vous l'avez dit tout à l'heure, une dette importante et des frais de fonctionnement élevés.
Il s'agirait donc dans ce budget de tenter d'augmenter les investissements, sur ça je crois que nous sommes d'accord, et de baisser les charges de fonctionnement. Or, vous les augmentez. L'investissement fait l'attractivité d'une commune. Une commune sans investissement est une ville dortoir. Alors, vous allez me répondre qu'effectivement, vous faites des investissements, c'est vrai, avec l'action Cœur de Ville, puisque nous avons été sélectionnés par l'État lors du mandat de Mme Saluki parmi les villes au bord du précipice qu'il fallait aider en subvention. Le budget annuel de fonctionnement de notre commune est de 47 890 000 euros pour 22 200 000 euros d'investissement, c'est-à-dire que nous sommes dans une commune dans laquelle nous dépensons quasiment trois fois plus en fonctionnement qu'en investissement, et je crois qu'il est urgent que ces courbes se rejoignent pour le bien de notre commune. Dans la section fonctionnement, au lieu de tenter de diminuer l'enveloppe, vous l'augmentez, avec notamment en plus l'enveloppe globale, je parle, puisque je l'ai sous les yeux, on est sur des dépenses de fonctionnement, budget N-1, 44 151 000 euros, et proposition nouvelle, 47 890 000 euros, avec notamment 600 000 euros de charges de personnel et frais assimilés. Et Mme Bertagnat a répondu à la question que j'allais poser concernant l'augmentation de 570 000 euros sur les charges exceptionnelles. Donc ça, je vous en remercie. Dans une commune endettée à ce point, je m'attendais à des économies de fonctionnement. Comme je vous le disais, j'ai en entreprise. Si je suis en difficulté, je réduis mes dépenses. Or, je constate que vous augmentez par exemple de 30% les frais liés au catalogue et imprimé. Vous augmentez de 125 000 euros les frais de cérémonie. Point positif, par contre, c'est vrai que vous baissez les charges liées aux réceptions. Concernant la dette de notre commune, je constate qu'en 2015 ont été signés des emprunts à des taux hallucinants. Je ne sais pas comment Mme Saluki a pu signer des emprunts de 15 millions d'euros à un taux de 4,33%. C'est hallucinant. Ça mérite d'être négocié. Je ne m'appelle pas Michel Saluki. Hein. Ça mérite, ces taux méritent, je crois, d'être renégociés. C'est une piste sur laquelle nous aurions pu aller sur ce budget. Et au vu de cela, je ne voterai pas le budget. Je vous remercie. C'est parfaitement normal en tant qu'opposant, M. Tivoli, que vous ne votiez pas le budget, hein, parce qu'on sait que c'est le marqueur de la politique, vous l'avez redit. Je peux comprendre vos observations et, comme je dis, vous êtes opposant, donc vous vous opposez, vous êtes dans votre job. Moi, je suis le représentant de la municipalité, donc je défends mon budget, je suis aussi dans mon job. Mais je pense quand même qu'il y a deux ou trois corrections qu'il convient de faire. La première chose, pardonnez-moi si j'ai mal entendu, mais je crois que vous avez parlé d'une forte augmentation des dépenses de fonctionnement. Alors, vous avez fait un petit jeu assez habile, hein, entre le total des charges réelles d'un côté et le total des dépenses de fonctionnement, parce que vous avez comparé, si j'ai bien entendu, les 41 814 000 euros du budget de 2020 avec les 47 890. Or, il faut comparer sur la même ligne. Non, les 44 millions, j'ai comparé. Les 44 millions de total, c'est-à-dire le total des dépenses de gestion courante et des dépenses réelles de fonctionnement, oui. C'est ce que j'ai comparé. Alors, j'ai entendu des charges réelles. Bon, bref, peu importe. De toute façon, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce budget ? Alors après, on peut parler chiffres, on peut effectivement ergoter que ceci ou cela. Alors, je vais quand même vous dire un certain nombre de choses. Ce que je vous propose, moi, de reprendre en termes de fonctionnement, ce sont les charges réelles de fonctionnement. Parce que quand on fait du virement à la section investissement, ça veut dire qu'on récupère du fonctionnement, on le met à l'investissement, hein, mais il apparaît quand même à ce niveau-là. Donc je pense que ce qu'il faut comparer, c'est les charges réelles. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on dépense effectivement. Or, qu'est-ce qu'on dépense ? Vous nous dites, en 2020, on a dépensé 41 814 000 euros et on est à 42 950 000 euros. Si vous avez bien écouté Mme Bertagnat, et je pense que vous l'avez fait, Mme Bertagnat vous a dit, on fait un budget qui est très prudent. Il est évident que on sera certainement, sauf cataclysme, en dessous de ce chiffre en termes de dépenses. Maintenant, à partir du moment où je viens devant la représentation municipale que vous incarnez, je suis bien obligé, sauf à faire un travail qui ne serait pas un travail sérieux, et Mme Bertagnat, vous le savez, est expert comptable et commissaire aux comptes, donc on ne peut pas la taxer de ne pas faire preuve d'une très grande rigueur dans les chiffres, ce qui est tout à son honneur. Je ne peux pas venir en vous faisant des prévisions en termes de fonctionnement qui seraient particulièrement optimistes.
lors même que on aurait telle ou telle difficulté en cours d'année qui ferait que finalement on aurait besoin de plus. Donc ce qu'on a fait, c'est un budget qui est très prudent, je le redis, aussi bien en termes de recettes qu'en termes de dépenses, c'est-à-dire qu'on prévoit plus de dépenses que ce qu'on pense en faire et on prévoit moins de recettes que ce qu'on en espère. Voilà. C'est, je pense que vous avez parlé du chef d'entreprise. Le bon chef d'entreprise, bah, c'est celui qui se dit « je vais peut-être avoir un petit coup dur dans l'année, donc j'ai des réserves pour ceci ou cela, et par contre, je vais peut-être avoir une bonne surprise, donc je vais essayer de négocier ma dépense à ce niveau-là. Bon. » ça, c'est donc en gros, sur les charges réelles, si vous regardez bien, qu'est-ce qui a augmenté ? Vous avez les charges de personnel qui ont augmenté, hein, bien entendu. Pourquoi ? On est quasiment stable, mais on a quand même un centre de vaccination, ce qui ne vous a pas échappé, qui fonctionne depuis le 28 janvier. C'est pas payé par la chambre. Si. Jusqu'à présent, tout a été payé par la ville, à charge ensuite de se faire rembourser par l'État. Alors, je vais pas parler pour moi, hein, puisque nous ne sommes pas élus depuis très longtemps, mais je vais quand même vous relater l'expérience de nombre de mes collègues maires. Quand l'État nous dit on vous rembourse à l'euro près, en général, il faut prévoir au moins une décote de 50% et sans doute plus. Pour l'instant, vous avez voté lors du dernier conseil municipal un certain nombre de défraiements qui ont été faits pour les différents intervenants. Et vous avez vu, par exemple, qu'un médecin est payé 420 euros la vacation de 4 heures, on est d'accord, pour la semaine, et 460 euros le week-end. Une infirmière à peu près moitié moins, si je ne me trompe pas, et ainsi de suite avec une grille tarifaire. Donc si vous faites le calcul, il est relativement facile à faire, quand vous avez deux médecins qui sont là tous les jours, 6 jours, voire même 7 jours sur 7, plus 2 ou 3 infirmières, plus du personnel qui fait des heures supplémentaires parce que bah, le week-end, il faut aussi accueillir les gens, et le dimanche, c'est heureux, on paye davantage les employés lorsqu'ils viennent travailler, bah, tout ça, ça génère des coûts qui sont importants. Donc, c'est pas l'Agence régionale de santé qui paie les personnes ? Non. Alors, l'Agence régionale de santé paie les médecins qui sont encore en activité directement, sauf que les médecins en activité, bah, évidemment, ils ne sont pas disponibles tous les jours. Ça veut dire que vous êtes obligé aussi de prendre des médecins retraités, et les médecins retraités, vous les payez, et vous espérez, vous allez à Lourdes ou ailleurs, hein, selon votre religion, ou à la mosquée, ou à la synagogue, et vous priez pour que l'État vous rembourse ce que vous avez avancé. Donc déjà, il faut être prudent sur ce terrain-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça vous a peut-être échappé, mais je ne pense pas, parce que vous êtes concerné à mon sens, enfin, en tout cas je pense, il va y avoir des élections départementales et régionales qui, le président de la République l'a confirmé, enfin, semblait le confirmer, je n'ai pas eu les derniers développements, mais devrait se tenir les 20 et 27 juin. Donc ça veut dire qu'il va y avoir du personnel qui va être mobilisé pour ces élections, et là aussi il va falloir le payer. Donc tout ça, ça fait qu'il y a des frais qui sont des frais incompressibles. Vous êtes bien d'accord ? Je continue mon explication, puisque j'ai été principalement attaqué, c'est normal. Moi aussi, je souhaiterais réduire davantage les dépenses de fonctionnement. On est tous d'accord. Maintenant, on a quand même une masse salariale qui est importante, parce qu'il y a un nombre d'agents important, et on est avec une fonction publique qui a un cadre protecteur. Tant mieux, hein, je ne veux pas du tout remettre en cause les avantages acquis de notre fonction publique, mais ça veut dire que vous avez des agents que vous ne pouvez pas enlever. Et depuis un an, vous savez peut-être ou vous ne savez pas, je n'en sais rien, mais vous avez des agents qui sont ce qu'on appelle en ASA, c'est-à-dire en autorisation spéciale d'absence, que l'on n'a pas vu depuis un an. Or, naturellement, quand vous avez des agents qui ne viennent pas, alors quand vous en avez 1, 2, 5, ce n'est pas grave, mais quand vous avez sur des périodes longues un nombre conséquent d'agents qui ne sont pas là, bah vous êtes obligé de recourir notamment à des embauches saisonnières ou, ce qui fait aussi augmenter les frais, à des prestataires privés que vous faites travailler. Je pense à l'entretien, je pense à un certain nombre de travaux qui doivent être réalisés. Et donc, évidemment, ça génère des surcoûts en termes de fonctionnement. Pourquoi ? Parce que l'agent qui est en autorisation d'absence, on le paye, et on paye également la personne qui remplace cet agent, et ou le prestataire ou le délégataire ou le concessionnaire ou tout intervenant extérieur que l'on utilise pour faire le travail que le ou les agents ou les personnes ne font pas. Donc évidemment, la période de crise sanitaire, elle génère un coût extrêmement important en termes de fonctionnement que l'on retrouve dans un budget, c'est évident. Alors combien de temps ça va durer ? Si j'avais ma boule de cristal, je vous dirais, on va en avoir jusqu'à telle date, ça va nous coûter tant.
Dans ce cas-là, on prévoirait un budget qui serait peut-être davantage réduit sur ces dépenses de fonctionnement. Comme je n'ai malheureusement pas ma boule de cristal, j'essaie d'être prudent, avisé, raisonnable, de faire un budget. Vous avez parlé de chef d'entreprise, où on pourrait parler de père ou de mère de famille, qui va essayer de faire attention et de prévoir en n'étant pas trop optimiste pour avoir à la fin peut-être une bonne surprise ou en tout cas ne pas se retrouver en difficulté le moment venu. Voilà. Donc c'est ce qui explique que les dépenses de fonctionnement soient importantes. Bien sûr, elles sont quand même, si on met de côté ces dépenses induites, indispensables et que l'on ne peut pas supprimer, sauf à me dire il faut fermer le centre de vaccination, les personnes âgées ou les personnes qui ont des pathologies iront se faire vacciner à Antibois-Cannes, pourquoi pas, certaines communes ne l'ont pas fait, mais on ne peut pas faire fi de ce service qui est rendu à la population, qui génère un coût important, qui s'ajoute, je l'ai dit, à ces autorisations d'absence, au télétravail. Tout à l'heure, Madame Le Duc a parlé du télétravail. Je pense que les agents sont investis même en télétravail, mais la productivité n'est pas la même lorsque vous n'avez pas les agents en présentiel. Donc, ce qui prend peut-être 3 heures pour faire, en télétravail, ça en prend 4, 5, 6 selon les besoins, selon le poste. Voilà. Et toutes ces personnes qui ne sont pas là, évidemment, ça génère soit une réduction de la qualité du service, soit un surcoût pour les finances communales. Voilà. Comme nous essayons d'avoir un service public de qualité, au minimum un service public dont la qualité est constante, nous sommes obligés d'utiliser davantage le budget fonctionnement que nous le souhaiterions. Donc je comprends très bien, et peut-être que si j'étais à votre place, je ferais la même remarque, parce que évidemment, vous n'êtes pas confronté, ce n'est pas une critique que je vous fais, aux difficultés que nous avons, parce que quand vous êtes aux commandes, vous êtes tous les jours là et vous voyez chaque chose qui va pas, les choses à corriger, les problèmes de l'absence, le problème de la maladie, le problème de... Je vais prendre un exemple, les désinfections de locaux. Dès lors qu'on a des cas dans une école, qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous, on ne ferme pas l'école parce que ça ne nous incombe pas. C'est l'État qui a la possibilité de fermer l'école. Mais en revanche, qu'est-ce qu'on fait? On va mobiliser du personnel et on va faire désinfecter complètement les locaux pour que nos enfants soient en sécurité et nos personnels soient en sécurité. Et ça, bien entendu, ça a un coût. Donc on envoie un agent, mais parfois, pour certaines désinfections, quand il y a une école complète à faire, on recourt à un prestataire privé, on en a pour plusieurs centaines d'euros par opération. Quand il y a une classe à désinfecter ou a fortiori une école, là, pendant ces vacances, nous avons désinfecté les 10 écoles de la commune. Je ne pense pas que vous souhaitiez, ni vous, ni vos camarades de cette assemblée, que nous ne désinfections pas les écoles lorsqu'il y a des cas ou lorsqu'il y a des fermetures. Je ne pense pas que vous souhaitiez que nous refusions d'accueillir les enfants dans les écoles ou dans les crèches lorsque nous en avons l'obligation. Là, actuellement, ce n'est pas le cas. Et encore, il y a le service minimum qui a été mis en place, notamment pour les personnels médicaux, pour les personnels de police, pour les personnels de la municipalité qui sont obligés d'être présents et qui ne peuvent pas faire garder leurs enfants. Je pense qu'il y a des économies qui ne peuvent pas être réalisées, sauf à porter un préjudice important à certains usagers, ce que nous ne souhaitons pas faire. Donc on pourrait aller plus loin, effectivement, dans la baisse des dépenses. Je pense qu'on est déjà allé très loin. À mon sens, je peux me tromper, mais je ne pense pas, aucune municipalité précédemment n'a désendetté la ville autant, aussi rapidement, sans augmenter les impôts et en investissant. Aucune municipalité n'a baissé les charges financières liées notamment à l'endettement autant. Je pense qu'il vaut mieux, dans une période qui est critique, ne pas non plus faire du crédit crunch, de réduire trop le crédit, ce qui aurait un impact aussi pour les usagers, mais pour nos commerces aussi. Il y aura une délibération un peu plus tard, notamment sur les abandons sur les plagistes qui ont été faits au niveau de l'utilisation du domaine public. Tout ça, ça fait qu'il y a des coûts. Alors, on peut les critiquer, et c'est entendable. Mais il faut aussi comprendre que si on va trop loin dans la réduction des coûts actuellement, ça veut dire qu'il va y avoir une limitation du service public et ou des conséquences économiques qui sont défavorables. Je prends un autre exemple. Alors là, ce n'est pas du fonctionnement stricto sensu, mais c'est des recettes en moins. Lorsque je décide de prendre un arrêté qui permet aux commerçants, parce que l'État leur impose de fermer en les qualifiant de non-essentiels, ce qui personnellement me choque profondément, parce que j'estime que quand une personne vit de son travail, on ne lui dit pas « tu n'es pas une personne essentielle ». Lorsqu'il y a ce genre de situation et qu'on autorise à utiliser le domaine public devant leur commerce, évidemment, on ne va pas leur faire payer cet usage quand on sait les difficultés qu'ils ont. Donc là aussi, c'est
des ressources en moins. Donc, tout ça fait qu'on a un budget qui me semble très bon, c'est mon avis, je le présente, donc c'est normal que je le défende. On peut critiquer certaines choses, mais je pense qu'il faut bien avoir une vision globale de l'ensemble des difficultés pour pouvoir faire des critiques pertinentes. Je reviens quand même sur un point qui est dans votre argumentation et que vous aviez présenté l'année dernière à propos d'une association. Alors, cette association, vous pensez bien que je me suis renseigné parce que l'aide et le soutien aux migrants n'est absolument pas dans mes domaines de prédilection. Je n'ai pas honte de le dire, je l'ai dit avant, je le dis après et je continue à le dire. Donc, vous pensez que je ne soutiens pas ce genre d'opération. Or, des recherches, des indications qui ont pu m'être faites, je n'ai pas eu de retour sur ces financements dont vous parliez, ce soutien à je ne sais quelle vague migratoire que vous mettez en avant. Donc là-dessus, moi, je n'ai pas d'infos. En revanche, ce que j'ai, c'est qu'on a une contractualisation qui est faite avec une association qui est agréée par la CASA et qui fait du travail. Mmh. Alors, je ne sais pas s'ils font des migrants ou pas. Moi, je n'en ai rien trouvé. Donc, Journée mondiale du migrant... apprenti d'Auteuil. Mais j'ai pas mes lunettes, non, je vois pas de là. Je vous enverrai les éléments par mail. Écoutez, c'est une association qui ouvre des centres pour migrants. Nice matin, la Seyne-sur-Mer, qui ouvre ça en Gironde et qui fait la journée mondiale du migrant et du réfugié. Bon. Alors, je vais vous répondre. Bon, je n'étais pas au courant de la journée mondiale du migrant et du réfugié. Ils m'ont pas invité et quand bien même ils m'inviteraient, je n'irai pas. Voilà. Ils inviteront peut-être, je ne sais pas, nos amis de VGJ, je ne sais rien. Moi, ils ne m'ont pas invité et personnellement, je n'irai pas. En revanche, ce que je sais, c'est qu'ils font un travail qui est un travail utile au sein de la CASA, notamment en termes de réinsertion, en termes d'accès à l'emploi, en termes d'éducation pour les enfants, notamment du quartier prioritaire. Et à ce titre, ils sont subventionnés. Si vous avez bien regardé, Madame Rioton m'a présenté un certain nombre de projets qui étaient proposés par cette association et par d'autres, et je n'ai pas donné une subvention globale à telle ou telle association, en tout cas pas dans ce cadre-là, dans le cadre de la politique de la ville, mais j'ai donné une subvention en plusieurs parties à des associations sur des projets ponctuels qui concernent uniquement la commune et pas l'accueil de je ne sais quel migrant ou la promotion de camps je ne sais quoi. Ils le font. Peut-être le font-ils, je ne mets pas en doute ce que vous dites. Personnellement, ils ne le font pas à Valoris, donc dont acte. Moi, nous subventionnons, en tout cas si le conseil municipal le vote, bien entendu, ce que nous subventionnons, ce sont des subventions qui sont non pas à destination d'une association, mais de projets portés par telle ou telle association qui s'inscrit dans un cadre de la politique de la ville et qui vont uniquement bénéficier aux personnes de la commune dans le cadre que je vous ai dit, à savoir la réinsertion, l'accès à l'emploi, parce que ça, c'est quelque chose qui me paraît important, et plus particulièrement aussi l'éducation, puisqu'il y a des aides aux devoirs et ce genre de choses. Voilà. Alors après, qu'il y ait des choses qui soient malhonnêtes dans l'association... Enfin, malhonnêtes. Non, c'est pas malhonnête, excusez-moi. Des projets que je ne partage pas, que nous ne partageons pas, que d'autres ne partagent pas, c'est possible, vous me le dites, et je vous crois. Mais en tout cas, moi, ce qui me concerne, c'est que je donne un financement ou des financements pour réaliser des projets sur la commune qui sont des projets utiles et qui profitent à nos concitoyens. Après, le reste... vous savez, il y a de nombreuses années, le président d'une association de victimes du cancer et de recherche médicale a détourné de l'argent. Pense pas que les donateurs de l'association aient voulu lui payer une Porsche ou une Ferrari ou ce qu'il avait. Je pense que les personnes donnaient de l'argent pour une œuvre qui leur paraissait importante. Moi, nous proposons de donner des subventions pour des actions concrètes qui sont menées à Valoris et qui ne sont pas celles dont vous avez pu parler. Alors, elles existent peut-être, je n'en sais rien, je ne vous mets pas en doute ce que vous me dites. Mais bon, en tout cas, je pense qu'il faut quand même se recentrer sur ce qui est donné, pour qui, pourquoi, pour les projets dont on a parlé, à savoir notamment l'éducation des enfants du quartier prioritaire, qui, à mon sens, est une chose importante, et deuxièmement, pour des projets d'accès à l'emploi. Alors, vous avez parlé de mise à disposition. Oui, effectivement, on a mis à disposition le théâtre de la mer. Ça ne nous coûte rien, il n'est pas utilisé. Et... c'est quelque chose qui est utile parce que ça permet de faire travailler des gens qui sont en décrochage professionnel et de leur apprendre un métier dans lequel nous avons des besoins, notamment l'installation de la fibre. Donc ça ne coûte rien aux contribuables
et c'est une aide. Vous avez parlé de la subvention a baissé à cette association. Ce n'est pas contre l'association, c'est parce qu'on a essayé là aussi d'être très regardant sur les deniers publics et à donner de l'argent uniquement pour des projets qui nous paraissent importants parce qu'ils font avancer notre commune. Après, la philosophie de telle ou telle personne ou de telle association, je ne la connais pas et je ne cherche pas à la connaître. Moi, ce que je regarde, c'est l'action concrète que chacun fait pour notre territoire. Excusez-moi, mais je suis sur l'association en question de Valoris. Vous me dites que ce n'est pas le cas de l'association de Valoris. Pourtant, centre de formation apprenti d'Auteuil de Valoris, accompagnement vers l'emploi, formation langue française, savoir base aux primo-arrivants. C'est l'objet de l'association de Valoris. Alors, que vous subventionnez. D'accord. Et là, ce qu'ils font, c'est au niveau national également qu'ils le font. Mais je crois que, effectivement, je... Alors, s'il y a des primo-arrivants et qu'ils sont dans notre ville, je préfère qu'ils parlent français plutôt qu'une langue étrangère. Moi, je préfère qu'ils aillent chez eux. Que vous le préfériez ou pas, ce n'est pas moi qui les invite à venir ou qui peut les empêcher de venir à Valoris. On est bien d'accord. Donc la commune les prend en charge. La commune ne les prend pas en charge. Avec cette subvention. Il y a une convention qui existe depuis de nombreuses années dans le cadre de la politique de la ville, qui est une convention qui a été passée au niveau de la région, au niveau du département. Donc c'est pas du département, au niveau de la région et au niveau de la CASA, puisque la compétence, elle est à ce niveau-là. Donc à partir de là, moi je ne fais que de financer en partie, en petite partie, parce que si vous regardez le budget de l'association, il est beaucoup plus important que ça. Je ne fais que de financer des projets qui sont sur la commune, non pas de je ne sais quelle école d'apprentissage de langue ou autre, mais je fais de l'insertion professionnelle pour des personnes qui sont détachées de l'emploi et de l'aide aux devoirs des enfants. Je pense que là-dessus, personne ne peut être contre. Mieux vaut avoir des enfants qui font leurs devoirs en étant aidés et qui réussissent à l'école, à mon sens, plutôt que des enfants qui traînent dans la rue et qui peut-être, je ne le souhaite pas, mais pourraient tomber dans des bêtises ou de la délinquance. Voilà. Donc, après, on peut parler pendant des heures sur ce genre de sujet, mais est-ce que c'est vraiment ce qui intéresse nos concitoyens? Alors, c'est intéressant pour faire une tribune politique, j'en conviens avec vous, mais sur le fond, finalement, il y a une subvention de 16 000 euros sur des projets. Est-ce que ces projets sont utiles ou pas? Là-dessus, on peut en discuter. Maintenant, d'aller faire une enquête sur... les fins, les finalités, une étude ontologique de telle ou telle association ou de tel président ou de tel membre, je ne suis pas sûr que c'est ce qui intéresse le conseil. Excusez-moi, quand on donne une subvention à une association, la moindre des choses, c'est d'au moins regarder ce que fait cette association. Et par exemple, sur la commune d'Antibes, ce qui est fait, il y a une commission de contrôle des subventions données aux associations qui intègre des élus de la majorité et de l'opposition, ce qui pourrait être pas mal de mettre en place aussi pour savoir effectivement s'ils utilisent ça dans la branche journée du migrant ou dans la branche insertion professionnelle, par exemple. Alors, je crois que quand on prête de l'argent, il est bien de savoir pourquoi on le prête. Vous êtes complètement d'accord, mais vous pensez bien qu'on s'est renseigné et que, à ma connaissance, j'ai pu être trompé et ça n'aura pas échappé à votre sagacité, puisque vous êtes peut-être plus vigilant que nous tous. Maintenant, il n'y a pas d'accueil du migrant à Valoris qui a été organisé et il n'y a pas de subvention qui a été donnée pour ça. Je le redis, en souriant, mais bon, au bout d'un moment, ça devient agaçant quand on répète la même chose. Et c'est pas parce qu'on répète une chose fausse qu'elle devient vraie. Vous voyez, vous pouvez la dire 5 fois, 10 fois, 100 fois, ça ne deviendra pas vrai pour autant. Voilà. Donc mon but, c'est pas de vous convaincre. Je n'y arriverai pas. En tout cas, vous le reconnaîtrez pas publiquement. Donc peu importe. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention sur ce budget? Alors, oui. Madame Leduc, et puis après, Monsieur Manago. Merci. Monsieur le maire, je trouve votre remarque sur EVGJ assez déplacée dans ce débat qui est pour moi très nauséabond, qui stigmatise en plus une association qui fait un super travail sur la commune. Oui, mais enfin, vous nous avez cité, je trouvais que c'était assez déplacé. Si c'était un trait d'humour, c'était assez raté, en fait. Je suis désolée. Je suis désolée, j'ai moins d'humour que vous, excusez-moi. Peut-être. Revenons au budget, puisque c'est ce qui nous importe. Je remercie Madame Bertagna de l'avoir présenté. Vous nous demandez de voter un budget que nous avons découvert il y a 5 jours à peine. Il est difficile de porter un jugement sur les recettes et dépenses de fonctionnement et d'investissement sans avoir pu au préalable obtenir des explications détaillées ou des confirmations. Monsieur Tivoli avait des questions, j'en aurais beaucoup d'autres, mais je pense que personne ce soir a envie de passer 3 heures sur un budget, et c'est bien la raison pour laquelle une commission des finances existe.
La commission des finances joue un rôle pivot afin de présenter au conseil municipal un budget préparé qui traduit vos orientations. D'ailleurs, le règlement intérieur voté en décembre mentionne que, je cite, « sauf décision contraire du maire, notamment en cas d'urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être préalablement étudiée par une commission ». Vous vous félicitiez tout à l'heure d'avoir des personnes qui aident votre équipe, alors qu'elles ne sont même pas élues. Moi, j'aimerais que vous vous félicitiez de pouvoir nous associer, nous, élus des oppositions, à la préparation du budget ou tout du moins à sa présentation, afin que nous puissions poser toutes les questions nécessaires. Donc, ce constat m'amène à une première question. Pourquoi la commission des finances ne s'est-elle pas réunie avant le vote du budget, ni même avant le ROB qui nous a été présenté le 19 février, et elle ne s'est réunie qu'une seule fois en 9 mois? Alors ça rejoint une question qui m'avait été posée tout à l'heure. Le problème des commissions, c'est qu'actuellement, vous n'êtes pas tous les jours là, donc vous ne voyez pas tout ce qui se passe. Il y a eu quand même beaucoup de complications. On a parlé de la vaccination, on a parlé de la crise sanitaire, on a parlé des crises, de la crise économique, on a parlé des attaques informatiques, on a parlé d'inondations et autres. Tout ça, ça fait qu'évidemment, ça vous a peut-être échappé, mais on ne vit pas sur une île où tout est en bonne et due forme. Et qu'il y a des difficultés, il y a des choses qui font qu'il y a des impératifs. On n'a plus de directrice des finances, ça vous a peut-être échappé, hein, mais la directrice des finances est partie il y a déjà quelques mois. Donc on a lancé une procédure de recrutement pour un nouveau ou une nouvelle directeur ou directrice des finances. L'idée, c'est évidemment de restructurer un peu et de pouvoir avoir des services qui sont en fonctionnement. J'ajoute qu'au service des finances, vous avez parlé de télétravail tout à l'heure. La plupart des agents sont en télétravail, très peu en présentiel. Donc là aussi, ça rend difficile l'organisation de ce genre de commission. On a les contraintes de confinement. On a tout un tas de choses qui font que c'est relativement difficile à organiser. Alors après, on découvre le budget. On le découvre, oui et non. Il y a eu le rapport d'orientation budgétaire qui s'est déroulé il y a déjà un certain temps, donc qui donnait un nombre important d'éléments qui sont relatifs à ce budget. Donc on ne peut pas dire non plus que vous êtes dans l'inconnu et dans la découverte ex nihilo de l'ensemble des éléments du budget. Bon, certes, vous n'aviez pas le détail de tous les éléments, mais vous aviez quand même une visibilité qui vous avait été donnée par le rapport d'orientation budgétaire. C'est d'ailleurs à cela qu'il sert, et c'est d'ailleurs pour cela que la loi impose de le présenter au moins 15 jours avant le vote du budget définitif. Donc certes, on peut encore améliorer la démocratie participative, on peut améliorer davantage les réunions en intégrant l'opposition. Je suis d'accord avec vous, et ce sera fait. Maintenant, je pense qu'il faut aussi, dans la période actuelle, faire preuve d'une certaine retenue, on va dire, dans ce genre de critique. Voilà. Ce n'était pas une critique. Ces commissions ont été constituées, c'est aussi pour qu'elles travaillent. Nous sommes prêts à travailler. Nous vous l'avons déjà dit à plusieurs reprises. C'est vrai que le budget, c'est quand même... Vous me dites qu'il y a des urgences, j'entends tout à fait. Le budget, c'est quand même l'élément essentiel pour la gestion d'une commune. On le vote qu'une fois par an. Je pense qu'une commission des finances aurait été la bienvenue pour que chacun puisse vraiment être impliqué. Alors, je suis d'accord avec vous sur le principe, mais je vous ai expliqué, et ça, je pense que vous pouvez, et tout le monde peut le comprendre, il y a eu quand même un certain nombre de problèmes, pas de directeur des finances, des agents qui, pour l'essentiel, ne sont pas en présentiel et qui, dont le travail a fait qu'évidemment, il y a eu beaucoup de difficultés à réaliser ce budget. Ça ne se fait pas tout seul. Le budget a été fait notamment par l'adjointe aux finances, bien sûr, mais également par Madame Pau, qui est la directrice générale adjointe, qui a d'autres missions aussi. Donc ça fait que ça implique un certain nombre de difficultés. Les choses ne se font pas aussi simplement qu'on souhaiterait. Alors c'est vrai qu'en théorie, tout est facile, j'en conviens, et c'est normal, et je ne vous en fais pas du tout le reproche. Mais quand on est dans l'opposition, on a l'impression que si la commission ne se réunit pas ou si telle ou telle chose n'a pas été faite très en avance, c'est parce qu'on veut écarter, cacher ou autre. Ce n'est pas du tout ça. C'est tout simplement qu'on a au quotidien, aussi bien au plan administratif que dans la gestion de la commune, des difficultés que tout le monde peut comprendre et qui font que ce n'est pas aussi évident que ça. J'ajoute, et ce n'est pas du tout une critique, on a une démission dans votre groupe, donc on ne sait plus trop qui est où, qui fait quoi. Alors, c'est pas,
ça arrive, ça peut arriver dans d'autres groupes, hein, je ne vous en fais pas un reproche, mais je dis là aussi, ça enlève un peu de lisibilité et de compréhension. On a une de vos ex-anciennes élues qui nous a dit qu'elle ne siégeait plus, mais qu'elle siège encore, donc on ne sait pas si elle est là, pas là, on n'en sait rien. Bon, elle nous a écrit aujourd'hui pour nous dire qu'elle ne viendrait pas parce qu'elle estime que les conditions ne sont pas satisfaisantes pour sa venue. Je ne lui en fais pas reproche, hein. Elle met en avant des éléments de santé et ça, ça doit être respecté, évidemment. Hein, mais tout ça, ça fait aussi qu'il y a quand même des choses relativement compliquées à mettre en place. On a des contraintes en termes de confinement, de couvre-feu. On a des contraintes d'agents qui ne sont pas là. On a un budget qui a été fait avec des difficultés. Vous imaginez bien que faire le budget sans le directeur des finances, avec le directeur général adjoint qui a aussi d'autres missions et qui s'y attelle, avec beaucoup de choses comme ça, ça n'est pas évident à mettre en place. Et si on avait eu le temps de préparer bien en amont le budget et de vous y associer, il est évident qu'on l'aurait fait. De toute façon, on n'a rien à cacher. Le budget, vous le voyez, on n'est pas là pour cacher des choses. Et vous avez dit tout à l'heure, on ne va pas passer 3 heures. Moi, je ne vois aucun problème à ce qu'on passe 3 heures à discuter du budget. Et en plus, on est filmé, donc c'est parfait. Comme ça, tous nos concitoyens qui le souhaitent peuvent le voir. Et même ceux qui ne veulent pas le voir ce soir pourront le revoir demain ou après-demain ou quand ils ont le temps de le regarder. Donc, ce n'est pas un problème. Je pense qu'on n'est pas là pour regarder notre montre et pour nous économiser. Hein, on peut y passer. Moi, si on y passe la nuit, ça ne me pose aucune difficulté. Voilà. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de l'information qu'on doit à nos concitoyens, c'est important. C'est la raison pour laquelle tous ces conseils sont filmés. Et je pense que si vous avez des questions ou si vous avez des choses que vous souhaitez approfondir, on y répond, Madame Bertagna, les services et moi-même, très volontiers, ça ne nous pose pas de problème. Voilà. Et je pense que c'est même sain que vous posiez vos questions, que vous fassiez vos critiques, parce qu'elles sont légitimes venant des groupes d'opposition. Et puis ça permet aussi à chacune et à chacun des électeurs, des citoyens de Vallauris, d'en prendre connaissance et de savoir ce que chacun a dit, et ce qu'il y a dedans. Mais je vous le redis très sincèrement, hein, vous ne croirez peut-être pas, mais je n'ai rien à cacher. De toute façon, voilà, on voit les chiffres, on voit le désendettement, on voit où en est le fonctionnement, on voit où en est l'investissement. Tout ça, qu'on fasse une commission avant ou qu'on ne la fasse pas, on ne le cache pas plus. Hein. Vous ne le verriez pas plus en commission en arrivant qu'en conseil municipal avec tous les documents qui vous sont distribués. Alors c'est vrai que les commissions sont un plus parce que ça permet de faire participer un peu tout le monde, j'en conviens. Maintenant, il ne faut pas non plus laisser croire qu'il y aurait un défaut d'information, hein, parce que tous ces documents-là, ils sont accessibles à n'importe qui, à vous bien entendu, et c'est parfaitement normal. Il y a le trésorier également qui les a. Donc tout ça, c'est absolument incontestable. Il n'y a aucun chiffre dans le budget, sauf erreur qui aurait été commise, qui peut être contestée. Alors après, on peut être d'accord ou pas sur les choix qui sont faits, et ça fait partie du débat démocratique. Mais le débat démocratique, c'est avant tout dans les assemblées, dans les conseils qui doit se faire, plus que dans des commissions, même si la commission, c'est un outil qui permet à chacun de prendre connaissance et de participer. Voilà. Sachant que les commissions ne donnent qu'un avis. Hein. Il y a une consultation. Là, bah, vous avez la toute possibilité de vous exprimer. Je pense que jamais personne ici n'a été privé de la possibilité de dire ce qu'il avait à dire, aussi bien positivement que négativement. Je ne pense pas, contrairement à certains de mes prédécesseurs, avoir coupé le micro à qui que ce soit. Je ne pense pas que qui que ce soit ait été brimé dans sa volonté de s'exprimer. Donc, la parole est libre. Hein. Chacun peut dire, soutenir, défendre les positions qu'il souhaite. Et s'il nous faut 3 heures, 4 heures ou 5 heures, on les prendra sans aucune difficulté. Hein. Je note en tout cas votre volonté d'aller vers plus de démocratie en organisant plus les commissions quand elles pourront se tenir. Tout à fait. Pour la section dépenses de fonctionnement, les chiffres de la ville sont largement au-dessus de la moyenne nationale, alors que les recettes sont sensiblement dans la moyenne et même légèrement inférieures. On remarque que les charges de personnel progressent encore. Et à ce sujet, on note une différence dans le total des effectifs entre les documents du ROB et le rapport homme-femme présenté précédemment. Si j'ai bien compris, le ROB est établi au 1er janvier 2021. Enfin, les effectifs présentés sont au 1er janvier 2021 et le rapport homme-femme établi au 31 décembre 2020. Donc on devrait plutôt avoir un effectif à peu près similaire, ou peut-être ai-je mal interprété. Donc ma seconde question est double. Quel est l'effectif titulaire et contractuel au 1er janvier 2021 ? Est-ce que vous auriez cette information ?
Alors, il y a une difficulté technique sur le rapport qui vous a été présenté aujourd'hui, dans la mesure où monsieur le directeur général me précise ce qu'il nous avait déjà dit avant, c'est-à-dire que vous avez certains agents qui apparaissent deux fois. Par exemple, monsieur Dominici, qui est le directeur général des services, il apparaît une fois en sa qualité de directeur général des services et il apparaît une autre fois en sa qualité d'attaché hors classe, hein, parce que vous avez dans la fonction publique, en tout cas dans la fonction publique de direction, une double carrière, si je puis dire, hein, qui fait que sur le document qui vous est donné pour l'égalité homme-femme, il apparaît deux fois. C'est la même chose pour d'autres agents. Après, il y a des agents qui sont partis de la collectivité en cours d'année. Évidemment, vous les avez quand même sur le tableau que vous avez au 1er janvier 2020, puisque là, on présentait le rapport sur l'exercice 2020. D'accord. Donc, quel document est fait plus fois, finalement, entre les deux? C'est-à-dire pour qu'on puisse se repérer au niveau des effectifs, là où il n'y a pas les doubles effectifs? Bah, plus le rapport d'orientation budgétaire de la semaine dernière. Très bien. De la dernière séance, pas la semaine dernière. Voilà. Et à quoi correspondent les autres indemnités titulaires avec une augmentation de 600 000 euros? Est-ce que c'est justement en fonction du centre de vaccination, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, puisqu'elles font augmenter les charges de personnel de 1,5%, malgré malgré les préconisations de la Chambre régionale des comptes qui demande une baisse de ses dépenses de fonctionnement? Alors, vous avez raison de rappeler la Chambre régionale des comptes. Comme je crois M. Tivoli a eu raison tout à l'heure de rappeler que qu'on arrive dans une collectivité et on ne va pas mettre au chômage un certain nombre d'agents, d'abord parce qu'on ne le souhaite pas, hein, on a une vision sociale qui me semble indispensable, donc je ne suis pas là pour affamer des pères et des mères de famille en leur faisant perdre leur emploi. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est tout simplement parce que le cadre rigide de la fonction publique implique que lorsque vous avez un agent et que cet agent a le bonheur d'être titulaire, bah, vous l'avez jusqu'à ce qu'il souhaite partir parce que vous ne pouvez pas l'enlever de vos effectifs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une structure en termes d'effectifs qui est particulièrement peu souple, on va dire. Hein, j'emploie pas la formule que un ancien ministre avait employé qui avait parlé de mammouth, hein, mais c'est vrai que vous avez quand même une structure qui est particulièrement importante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que effectivement, vous l'avez rappelé, vous avez dit qu'il y a des charges en plus, oui. Bah, d'abord, vous avez une revalorisation annuelle obligatoire de l'ensemble de vos agents. D'accord ? Vous ne pouvez pas dire que les agents vont gagner à l'euro près la même chose que ce qu'ils gagnaient l'année dernière, parce que vous avez des évolutions dans le cadre de la fonction publique, des passages de grade qui sont automatiques. Donc tout ça, ça fait que mécaniquement, la masse salariale va augmenter à effectif constant. D'accord ? J'ajoute à ça qu'on a été obligé aussi de recourir, et je l'ai dit tout à l'heure, à certains contractuels parce qu'on a beaucoup d'absences en ce moment. Je ne critique pas les agents. Là encore, hein, vous avez des autorisations spéciales d'absence, les ASA, qui sont de droit. Hein, c'est le gouvernement de M. Macron et La République En Marche qui impose ces ASA. Donc, quand bien même... Et il y a des abus, je sais qu'il y en a, mais sur la masse, je pense que ce n'est pas la majorité, mais vous avez des gens qui profitent de ces ASA ou qui profitent de soi-disant pathologies pour ne pas travailler, mais heureusement c'est mineur. Le problème, c'est que quand vous en avez beaucoup, des faux et des vrais, bah, vous êtes obligé quand même de continuer à faire tourner le service public. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure à notre collègue Lionel Tivoli. Je ne peux pas dire demain... L'école reste fermée, la crèche reste fermée, l'accueil de la mairie sera fermé, l'urbanisme, bah, vous avez besoin d'un document, vous ne l'aurez pas, je ne peux pas le faire. Donc bah, je fais avec les moyens qui sont les miens. S'il me manque des agents qui sont indispensables au fonctionnement du service, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais du recours à divers contrats. C'est la même chose lorsque je paie des heures supplémentaires aux agents parce qu'ils sont au centre de vaccination. Tout ça... Bah, évidemment, c'est quelque chose qui pèse sur les finances publiques locales. Et j'ajoute, pour nos amis de La République En Marche, j'ajoute qu'il y a une décision de l'État qui va bientôt nous imposer une augmentation, un coup de pouce sur les rémunérations de catégorie C, hein, c'est-à-dire la majorité des effectifs. Alors l'État est très généreux avec l'argent des autres, c'est bien, hein, parce qu'il va nous dire bah, « vous allez payer plus vos agents ». Alors je sais que vous allez revenir en me disant « c'est pas bien, vous gérez mal les deniers publics, vous lâchez l'argent du contribuable ». Ben, je vais vous dire « oui, peut-être,
Mais malheureusement, ce n'est pas moi qui le décide, c'est M. Macron qui me l'impose. Voilà. Or, ben, on est dans un état de droit. Donc si M. Macron fait voter par le Parlement une loi qui m'impose d'augmenter les agents de catégorie C, ben, qu'est-ce que je fais ? J'augmente les agents de catégorie C. Et d'ailleurs, c'est souvent mérité parce que ce sont des agents qui très souvent travaillent beaucoup avec des conditions difficiles. Très souvent, pas tous, c'est évident, mais beaucoup d'entre eux, une majorité d'entre eux. Et quand il y a ce nouveau coup de pouce, ben évidemment, je suis obligé de l'intégrer dans le budget. Donc tout ça, vous le retrouvez évidemment dans le budget. Pourquoi ? Parce que là encore, on fait preuve de prudence. Hein, on ne va pas se dire, bah, écoutez, on verra, on ne le fait pas. Et puis, on ne le prévoit pas au budget. Donc je l'ai dit tout à l'heure, on a prévu un budget qui est un budget rigoureux, un budget de bon gestionnaire, hein, de bon père de famille ou de bon chef d'entreprise, comme vous voudrez le choisir. Et tout ça parce que ce que je dois, c'est la transparence et surtout, c'est qu'on n'est pas en fin d'année de mauvaises surprises. Donc on prévoit un fonctionnement qui est important. S'il est moindre, bah, tant mieux, hein, si on peut réaliser des économies. Mais moi, je c'est pas une pique que je vous lance, mais moi, je vous mets au défi de me trouver des économies qu'on peut faire sur la masse salariale. Où est-ce qu'on réduit les agents ? Qui est-ce que vous voulez enlever ? Parce que c'est bien de dire il y a trop d'agents, ça coûte trop cher. Je suis d'accord. Est-ce qu'on enlève des policiers ? Monsieur Tivoli, vous voulez enlever des policiers ? Ou vous voulez en rajouter ? Si on en rajoute, ça a un coût. Et d'accord. Madame le Duc, vous voulez enlever des auxiliaires de puéricultrice dans la crèche ? Oui, non. Vous ne voulez pas en enlever. Ça a un coût. Et vous madame, voulez en rajouter des policiers ? Monsieur, ce n'est pas moi qui fais le budget, ou monsieur le maire. De la majorité, peu importe. Ou monsieur Avril, est-ce que vous voulez qu'on enlève des agents au niveau de la propreté urbaine ? Oui. Non. Ben, moi non plus. Voilà. Non, non, mais je vous pose la question, parce que tout le monde me dit qu'il faut faire plus d'économies sur le personnel. Ben, moi, je vous dis, allez, chiche, qui on enlève ? Vous voulez enlever qui ? Et vous, voulez pas faire des économies sur le personnel ? On n'enlève pas de policiers ? Non. On n'enlève pas d'auxiliaires de puéricultrice ? Non. On n'enlève pas d'ATSEM ? Non. On enlève des agents propreté ? Non. On enlève des gens à la voirie ? Non. Alors on enlève qui ? Et si on enlève des personnes à votre cabinet ? Non, mais c'est drôle. Vous voulez enlever qui ? Comment ? Alors moi, dans mon cabinet, j'ai une personne, elle est bénévole. Ah bon ? Monsieur Lavitola est au cabinet, il est bénévole. Voilà. Donc il coûte zéro à la commune. Vous voyez ? Il paye même l'essence pour venir. Vous voyez ? Donc non seulement il ne coûte rien, mais il en est des dépenses de sa poche. C'est donc ce qu'on appelle la générosité. Mon cabinet, il ne coûte rien. Voilà. Après, il y a des agents qui étaient déjà là, que j'ai conservés et qui font un travail remarquable, qui ne sont que deux d'ailleurs pour le cabinet. Dans la plupart des autres villes, on a beaucoup plus d'agents au niveau du cabinet du maire. Donc là-dessus, voilà, moi, j'ai pas de problème moi avec ça. Je pense que puisqu'on veut de la démocratie, on veut de la participation. Bah, il faut me dire, vous voulez moins d'effectifs, il faut me dire qui on enlève. Trouvez-moi une personne qu'on doit enlever. Trouvez-moi des postes qu'il faut enlever. Voilà. J'ai entendu personne. J'entends frais de personnel, c'est pas bien, chapitre 012. Mais tout le monde est indispensable, puisque vous ne voulez pas les enlever. Donc ne me faites pas le reproche de ce que vous ne feriez pas si vous étiez à ma place. Ne me faites pas le reproche de ce que vous ne feriez pas si vous étiez à ma place. Ne me dites pas, il faut en avoir trop de personnel, il faut en enlever ou il est trop payé. Quand on représente un gouvernement qui nous dit on va donner un coup de pouce, et tant mieux, les bas salaires ont besoin d'être aidés. Je ne suis pas en train de lutter contre ça. Mais ne me dites pas non plus, c'est pas bien, vous avez trop d'effectifs. Où ? Dans quel service j'en ai trop ? Non, mais on n'a jamais dit que vous aviez trop d'effectifs. Si vous me dites ça coûte trop cher. Non. On ne peut pas les payer moins, vous êtes d'accord ? J'ai dit il faut éviter d'embaucher. Et vous me disiez, il n'y aura pas de nouvelle embauche. Non, je n'ai pas dit il n'y aura pas de nouvelle embauche. La première fois, oui, vous m'avez dit. Je vous donne un exemple. Il vous manque une auxiliaire de puéricultrice dans une crèche. Pardonnez-moi pour le lapsus. De puériculture, voilà. Dans une crèche, d'accord ? Vous êtes obligé de la remplacer. On est d'accord. C'est une personne qui a un diplôme particulier et dont on a l'obligation de la mettre. Mais je ne vais pas pouvoir aller chercher un agent ailleurs pour la remplacer. D'accord ? Je ne vais pas prendre un agent de la voirie en lui disant « Mais tu vas venir dans la crèche pour garder les enfants. » Non, non. Donc, ils pourraient peut-être le faire, mais ils n'ont pas le droit. Donc juridiquement, j'engagerais ma responsabilité si je le faisais. Donc si vous voulez, il n'y a pas cette souplesse qu'on peut imaginer. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y a à peu près 700 agents. Quand il manque quelqu'un là, on le met là. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous avez des cadres d'emploi, hein, vous avez des grades, vous avez des fonctions, vous avez des compétences, vous avez des métiers.
Et c'est important qu'il y ait des métiers dans la fonction publique. Et ces métiers, bah, évidemment, on ne peut pas, ils ne sont pas interchangeables. On n'a pas affaire à des pions, on a affaire à des hommes, à des femmes, hein, qui ont leurs compétences, qui ont leur vie, qui ont leur travail, qui ont leur famille, qui ont leurs obligations. Et tout ça, ce n'est pas pilotable comme on peut piloter son smartphone ou autre élément, ou sa voiture. Ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc je vous fais pas de reproches, c'est pas du tout le but. Mais l'idée, c'est de dire, avant de me dire il faut faire des économies dans le secteur, bah, il faut me dire voilà comment vous pouvez en faire, vous pouvez enlever telle personne, vous pouvez remplacer celle-là, vous pouvez ne pas remplacer l'autre. Faire des critiques globales, c'est assez facile, parce qu'évidemment, on aimerait tous dépenser moins et avoir des ressources supérieures sans augmenter la fiscalité. C'est le but, et tout le monde y travaille avec la même volonté. Je n'avais pas terminé mon intervention. Pardonnez-moi. Pardon. Je pense qu'effectivement, s'il y a des embauches, il ne faut simplement pas les nier. Tout à l'heure, vous disiez qu'il ne faut pas nous reprocher de vouloir masquer quelque chose. Mmh. Mais des embauches, il y en a. Et effectivement, si on le nie, peut-être que ça permet aux esprits mal placés de penser que vous cherchez à masquer certaines réalités. Il n'y a pas d'embauche, il y a des remplacements où il y a des... Quelles embauches ? Il y a des saisonniers qui sont des personnes qui sont employées ponctuellement. Un saisonnier, c'est pas quelqu'un qui a vocation à rester dans la collectivité, sauf à ce qu'il donne particulièrement satisfaction et ou que la personne qu'il a vocation à remplacer ne revienne pas et qu'on se dise bah, ça c'est un bon agent, on va le garder parce qu'il apporte une plus-value et qu'il remplace quelqu'un. Mais il n'y a pas eu de recrutement non saisonnier et non remplaçant. Il n'y a pas des effectifs en plus. Merci voilà. Pour cette précision. Ouais. Alors, vous avez parlé d'une gestion de budget en bon père de famille. Ben, moi, j'aimerais préciser plutôt en bonne mère de famille, finalement, puisque nous avons parlé du rapport égalité homme-femme et qu'il est démontré qu'il est important de faire un peu de progrès dans ce sens. Pour conclure, et au vu, malheureusement, du peu d'éléments communiqués en amont, nous identifions ce budget... comme un budget sans envergure et sans réelle volonté de diminuer les dépenses de fonctionnement. Quant au programme d'investissement annoncé comme ambitieux, pour nous, il répond plutôt aux nécessités qui s'imposent par la gestion courante d'une ville. Vous avez parlé tout à l'heure des écoles. Effectivement, ces travaux doivent être faits. Le gymnase, ça nous semble plutôt être des travaux qui s'inscrivent dans la normalité d'une gestion plutôt que d'investissement ambitieux. Je vous remercie. Donc, en gros... Alors, hormis la bonne mère de famille dans laquelle je ne serai pas très crédible, bon, il n'y a pas trop de critiques parce que finalement, ce qu'on fait, c'est pas mal. Le fonctionnement, bon, on ne le baisse pas, mais vous ne m'avez pas donné de piste pour le baisser. Donc, j'en conclus que vous n'avez pas plus d'idées que moi pour réduire ces frais de fonctionnement. Et l'investissement, il ne vous paraît pas suffisant, mais il fallait le faire. Donc, bon, finalement, quelque part, c'est une sorte de satisfecit d'opposant. C'est-à-dire, c'est pas mal, mais en même temps, comme je ne peux pas l'approuver, je suis bien obligé de trouver des petites critiques. Bah, tant mieux. Non, c'est votre interprétation de mes propos, là, quand même, monsieur Lucien. Oui, c'est mon interprétation. Et vous avez le droit. Bien sûr, je vous remercie. Mais vous avez le droit aussi de vous y opposer sans apporter d'éléments sur lesquels, véritablement, sans apporter de pistes, si je puis dire, en termes de correction. Parce que s'opposer, c'est bien. Ça fait partie du jeu démocratique. Mais s'opposer en proposant, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Et là, j'observe que personne, alors peut-être M. Manago qui a demandé la parole tout à l'heure et à qui je vais la donner, personne ne m'a fait de proposition différente de ce qu'on a fait. Personne ne m'a dit il faudrait investir dans ça, moi j'ai une idée de ça, là-dessus on peut réduire telle dépense à tel endroit. On m'a dit oui, on peut baisser les dépenses de fonctionnement. C'est évident, on peut baisser les dépenses de fonctionnement. Où, quand, comment, bon, ça, mystère. L'investissement n'est pas assez ambitieux. 24 millions d'euros d'investissement, c'est une première historique dans la commune. Alors, on peut peut-être investir encore plus, peut-être. Mais bon, ça déjà quand même pas mal. Sans endetter la ville, en la désendettant, sans augmenter la fiscalité, ça me paraît difficile de faire plus. Voilà. Mais bon, peut-être. Monsieur Manago. Merci, monsieur le maire, mesdames et messieurs. Vous prêtez à l'exercice, monsieur le maire, depuis tout à l'heure, sur vos différents exposés. De démontrer que la fonction est difficile et que vous êtes face à de nombreuses difficultés. D'autres avant vous l'ont été, et c'est le cas également en 2014, quand Mme Saluki a pris cette fonction-là. À ce moment-là, et comme nous le savons tous quand nous devons prendre des décisions, très souvent, c'est lié à un contexte, à une situation, et aux solutions possibles, au moment où nous devons prendre une solution.
et une décision surtout. C'est la raison pour laquelle peut-être qu'à ce moment-là, Mme Saluki, disons, quand elle a retrouvé en 2014 donc une ville hyper endettée dans une difficulté énorme par héritage, qu'elle ne pouvait peut-être pas avoir toutes les mains libres pour faire exactement ce qu'elle voulait, qu'elle a malheureusement dû contracter peut-être des emprunts à des taux sensiblement plus élevés parce qu'elle n'avait pas d'autre choix, mais qu'il fallait que malgré tout, et vous venez de le dire à l'instant, il fallait malgré tout investir parce que l'investissement dans une ville, c'est sa vie, c'est la continuité, c'est bien d'autres choses que vous argumentez aussi bien que moi. Donc de ce fait, comme nous le savons en tant que décideurs dans cette salle, lorsqu'on prend une décision, c'est parce qu'on est tenu à un contexte et à des solutions qui s'offrent à nous au moment où nous devons prendre la décision. Donc la critique est peut-être un petit peu facile, probablement, il n'en demeure pas moins. C'est que en 6 ans de temps, Mme Saluki a inversé la vapeur et a fait en sorte de mettre en route la machine du désendettement de la ville, d'accord ? Et vous avez quand même hérité de 4,6 millions en clôture d'exercice lorsqu'elle est partie, elle vous a laissé la place. Dont 2 millions 6 qui viennent de l'investissement sur l'assainissement. Donc ça oui. veut dire que vous pouvez déjà enlever plus de la moitié de la somme. Certes, je referme certes la parenthèse. Il n'en demeure pas moins, c'est que la loi a changé, qu'on aurait pu très bien les garder. Mais malheureusement, c'est trop tard. Cela dit, là aussi, c'est un constat, et il est vrai que le travail rigoureux, peut-être identique au vôtre, ça je ne sais pas, l'avenir nous le dira, mais a permis de faire une inversion de la courbe et de commencer à amorcer, disons, le désendettement de la ville, disons, au fil des années. Et naturellement, les marges de manœuvre étaient certainement moins importantes il y a 6 ans qu'aujourd'hui. Pour revenir donc au budget, puisque c'est cet objet-là, c'est cette délibération-là sur laquelle nous parlons, eh bien, en toute première impression, tout au moins la nôtre, ce budget valorise en effet le redressement des dettes dues à l'excellente gestion du mandat précédent. Quoi qu'en disent les contradicteurs, en laissant malgré tout, je venais de le dire à l'instant, les 4,6 millions de résultats à sa clôture. Il est juste dommage que ces résultats n'aient pas été utilisés dans la poursuite des travaux déjà engagés, votés et financés. Ces travaux qui réapparaissent dans ce budget, tels que par exemple la base nautique, la rénovation de Clémenceau, les travaux autour du château du musée, et beaucoup plus tard, puisque vous le prévoyez dans le budget en 2022, le parc Nabonnant à Golfe-Jouan et beaucoup d'autres sujets qui ont été repris. Mais il y a des changements. Ceci probablement pour faire croire qu'avant, tout était mal pensé, peut-être même mal géré, et peut-être aussi s'approprier ce qui était bien fait. Ce budget permet d'éviter l'emprunt cette année, et c'est bien, tout en permettant un désendettement substantiel, ce qui est en apparence une bonne chose. Mais à quel prix ? J'y reviendrai. Une prouesse de gestion des 9 premiers mois de l'actuel mandat ? Non, bien sûr. Mais tout simplement une gestion plutôt habile et visionnaire de Mme Saluki lorsqu'elle initiait la fusion des logements sociaux de Valoris et d'Antibes pour créer la société Sophia Antipolis Habitat. Vous avez voté contre la cession ? Absolument. Bénéficiant de l'opération d'une très bonne valorisation des biens, nous retrouvons cette valorisation de 15 millions aujourd'hui dans les comptes de la ville. Alors oui, nous avons voté contre, bien entendu. Bien sûr, nous avons voté contre. Mais aujourd'hui, l'opération étant imposée par la loi Elan, vous avez contracté, et c'est bien d'en bénéficier, la ville en bénéficie, maintenant il faut gérer. Donc vous avez voté contre quelque chose qui est bien. C'est dommage. Ils sont là ou ils ne sont pas là, les 15 millions, monsieur le maire ? Ils y sont. Donc il faut les gérer. Si ça dépendait de vous, ils n'auraient pas été là, parce que vous avez voté contre la cession. Pour d'autres raisons, que je vous expliquerai peut-être, mais un autre soir. Eh ben oui. Bénéficiant donc de cette opération, d'une très bonne valorisation, nous retrouvons donc ces 15 millions sur les comptes de la ville. C'est l'application de la loi Elan, menée par la CASA et la ville d'Antibes, qui a conduit à la cession totale des parts et qui permet à notre ville de disposer de ce capital. 4,6 millions et 15 millions, si on compte bien, on n'est pas loin de 20 millions, déduits du mandat précédent. Vous pouvez peut-être, à ce propos, remercier Mme Saluki de son excellente gestion. Et pourquoi pas lui adresser un petit mot gentil et qui changera des remarques assassines habituelles. Monsieur vous confondez avec sa page Facebook. Moi, je ne parle pas d'elle. Elle, en revanche, elle m'insulte tous les jours. Je crois que vous ne vous gênez pas non plus, me semble-t-il. Absolument pas. Je n'écris pas sur elle. Ouh, dis donc. Non. Eh bien, ça, c'est vous qui le dites. À tout cela, il est juste dommage d'attendre et d'attendre encore et de toujours attendre pour espérer peut-être que quelque chose bouge. Pourtant, les entreprises de travaux publics ont repris tous leurs chantiers depuis
le mois de juin 2020. Il est juste dommage de voir la ville qui se défait de son âme, et le Covid n'est pas l'unique raison. Les dégradations se multiplient, l'inertie, l'immobilisme font de notre ville qu'elle endosse parfois l'image d'une Tchernobyl après l'exode. Tchernobyl à Val-Ouest. Ah. Il est juste dommage de ne pas voir dans ce budget la crèche, les jardins, les pôles culturels, et ils sont plusieurs, qui étaient demandés par nos concitoyens. Ils ont été retirés, annulés tout simplement. À la place, il y aura un budget cœur de ville requalifié, un projet, pardon, cœur de ville requalifié, et des centaines de logements, dont les 265 logements sociaux inscrits dans la convention avec Irilia. Et la question qui se pose, c'est où seront bâtis ces logements. Il faut noter que dans ce budget, il y a des zones d'ombre, ou difficilement compréhensibles, si nous n'avons pas les rôles ni les motivations pour les grands postes. Raison pour laquelle une commission aurait été intéressante pour bien comprendre les motivations pour chacun d'eux, voire les plus grands. Quelques postes de recettes, notamment, augmentent de façon spectaculaire, mais on ne sait pas pourquoi. Alors, naturellement, il faut une définition à chaque poste, et la commission, peut-être, finance, aurait permis de comprendre tous ces postes-là. À l'exception des charges de personnel, les dépenses de fonctionnement entre les hausses et les baisses, il y a manifestement la volonté d'afficher un relatif équilibre. Pour les effectifs, comptés dans le document que j'ai à disposition, à 175 personnes, les charges avaient déjà subi une forte hausse à plus de 400 000 euros hors prime Covid. Et sur ce budget 2021, nous constatons une nouvelle hausse de 100 000 euros. Vous avez donné quelques explications il y a un instant, mais cela n'est peut-être pas la totalité des explications que nous aimerions entendre. Où va-t-on ? Alors que la principale recommandation de la Chambre régionale des comptes était de mettre en œuvre un plan pour baisser ce poste trop pénalisant pour notre commune. Un exemple qui est une intuition seulement, les licences et les redevances informatiques, poste 651 et suivant, qui augmentent de 50% à presque 400 000 euros. Cela suppose peut-être un changement de solution, dont la mairie a le besoin, mais nous n'avons pas la clarté souhaitée. Or, 400 000 euros, ce n'est pas rien, surtout quand on chipote sur le budget de papier en plastique. La même analyse est faite sur d'autres postes également dans la constitution de ce budget. L'interrogation vient aussi sur les 15 millions provenant de la cession à Irilia. Une question naturelle, puisque cette valeur rentre dans nos comptes publics, il est donc celui de nos concitoyens. Vous proposez d'affecter cette valeur dans la réalisation des travaux futurs et naturellement dans un désendettement partiel. Pourquoi pas ? Or, nous l'avons vu dans la liste des décisions en début de séance, tant pour les investissements que pour le projet Cœur de Ville, vous émettez des demandes de subvention pour le financement en toute ou partie de ces travaux. Ce qui signifie qu'une partie de cette valeur pourrait renflouer une plus grosse part de la dette courante et diminuer d'autant les charges d'intérêt sur les emprunts qui s'élèvent à 1,4 million dans les documents financiers. Nous ne connaissons pas, et je ne voudrais pas être désobligeant. Ça ne vous ressemblerait pas. Mais nous ne connaissons pas, disons, nous vous reconnaissons le titre de docteur en droit, mais peut-être pas encore en finance. Mais cela dit, pardonnez-moi, je ne mets absolument pas en question, disons, votre compétence sur le sujet, et encore moins celle de vos services qui veillent toujours aux intérêts de la commune. Mais au vu des taux d'intérêt qui étaient appliqués et qui appartiennent au passé, l'équation d'un désendettement beaucoup plus important aura été sûrement posée. Rappelons-le, cet endettement très lourd date des années 2008-2012, contracté par M. Gumiel avec des taux probablement renégociés entre-temps, mais qui peuvent être moins avantageux qu'aujourd'hui. Dans cette équation, de nouveaux emprunts adaptés aux besoins ponctuels, à des taux beaucoup plus attractifs, seraient aussi considérés. Mais là encore, nous l'ignorons et ne pouvons concrètement nous prononcer sur la pertinence, voire la sincérité de ce budget. Quant au résultat prévisionnel de 3,2 millions qui vise à réduire la dette de la ville, comme je viens de vous l'exposer, est-il si pertinent que cela ? Merci. Non, merci à vous, Monsieur Madago. Vous nous avez régalé avec cette hagiographie de Madame Saluki. Il y avait eu dans l'histoire Eginhard qui avait fait une hagiographie extraordinaire de Charlemagne, et Madago en a fait une encore plus belle de Saluki. Malheureusement, elle correspond
pas beaucoup à la réalité, mais bon, peu importe, c'est pas grave. Hein, lorsqu'on fait la biographie d'un saint, ce qui importe, c'est de valoriser le saint, et c'est pas tellement de s'attacher aux éléments historiques. Donc je vais vous répondre, parce que ça appelle quand même, par respect pour nos concitoyens, par respect, y compris pour les électeurs qui ont voté pour Mme Saluki, je pense que... On est un peu dans la farce, vous voyez, c'est un peu un mélange entre le pathétique, le burlesque, le tragique, vous voyez. On est dans, finalement, essayer de passer du doré sur une maison complètement effondrée. Hein, Madame Saluki, elle laisse une situation, une ville qui est complètement à l'agonie, il n'y a pas eu d'investissement de réalisé. Vous pouvez vous promener dans les rues, vous avez les revêtements qui sont complètement détruits, les gens cassent les pneus et les essieux de leur voiture en roulant, vous avez des écoles qui ne sont pas entretenues, vous avez des équipements sportifs qui n'ont pas été entretenus, vous n'avez rien, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas eu pendant 6 ans d'investissement, il y a eu complètement un abandon, il n'y a pas eu d'arbres plantés, il n'y a pas eu de jardin pour enfants, il n'y a pas eu de restauration dans les écoles, il n'y a rien eu. Si, un petit peu des menus travaux qui ont été imposés lorsque un plafond s'effondre dans une classe, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a refait le plafond. Et des procès. Et tout le reste, et des procès. Ah oui, des procès, il y en a qui ont été faits. Hein, on a poursuivi tous les opposants, tous ceux qui osaient critiquer. Ça a coûté plus de 50 000 euros de procédure à la ville pour une seule victoire contre une dame de 85 ans qui a dû payer 1 euro de dommages et intérêts. Quel beau succès. Hein. Donc les procès, pour ma part, et malgré les nombreuses insultes dont j'ai fait l'objet par des faux profils qui ne vous sont pas inconnus, pour certains d'entre vous, je n'ai jamais fait de procès, je n'en ferai pas, parce que j'estime que je suis beaucoup trop occupé au service de notre ville pour aller pinailler et à rechercher ce que telle ou telle personne, mal intentionnée, peu intelligente, peut écrire sur les réseaux sociaux. Donc là-dessus, il n'y a pas de dépenses. J'en reviens au fond du propos. On a donc en réalité une sainte, finalement, Madame Saluki, qui a tout bien fait. Et les électeurs, qui ne sont pas reconnaissants, qui sont donc des imbéciles finalement, ils n'ont pas été capables de reconnaître le génie de cette personne. Madame Saluki, c'est quand même le maire. Et ça, je vous mets au défi d'en trouver un qui a fait un score plus mauvais. Le maire au premier tour, qui de toute la région PACA fait le score le plus mauvais. Est-ce que vous en avez trouvé un qui a fait un score aussi bas? Est-ce que vous en avez trouvé un, monsieur Managou? Dans votre hagiographie de Madame Saluki, vous en avez cité un ou pas? Il n'y en a pas. Donc, soit il y a deux solutions. Soit Madame Saluki n'a pas été la merveille que vous nous avez dépeint, soit les Valoriens et les Golfes Joannais sont des imbéciles parce qu'ils n'ont pas été capables de reconnaître ce génie. Bon, ça, malheureusement, hein, en démocratie, bah, c'est le peuple qui s'exprime. Alors, on peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord. C'est comme ça. Voilà. Donc, tout ça, excusez-moi de vous le dire, mais la litanie de ce que vous nous avez exposé, c'est un mélange de grotesque, de mensonger, de pathétique, de risible. D'ailleurs, tout le monde a ri, y compris les autres groupes d'opposition. Que vous défendiez Madame Saluki, vous étiez son colistier, c'est normal. Et ça, personne ne peut vous en faire la critique. La loyauté en politique, c'est rare, c'est bien de l'avoir. Vous ne l'avez pas eu avec un maire précédent, dont vous étiez également sur la liste en 2014, puisque visiblement vos intérêts ont divergé et que vous préférez maintenant l'agonir, ce qui est également votre droit, mais ce qui dénote quand même chez vous un problème de jugement assez sévère, parce que si le maire en question a été aussi mauvais que vous le dites, peut-être, pourquoi vous êtes représenté avec lui en 2014 ? Soit votre jugement était obscurci, soit vous cherchiez des intérêts personnels. Il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Donc peut-être que vous devriez, avant d'être aussi virulent et aussi caricatural dans vos propos, vous devriez peut-être faire une autocritique. Et si vous avez des miroirs chez vous, s'ils ne se sont pas cassés, hein, vous devriez peut-être vous y regarder de temps en temps et vous poser les bonnes questions. Hein. Parce que la litanie des inepties que vous avez énoncées là, elles ne sont pas une insulte pour moi, parce que je n'y prête aucune attention, pas plus que les insultes que Madame Saluki profère chaque jour ou presque sur sa page à mon égard, parce que je n'en ai que faire. En réalité, qu'est-ce que ça dénote? Ça dénote simplement un refus de la démocratie,
Ça dénote simplement une hargne, une méchanceté, une rage et finalement un déni de la réalité. Si on a un minimum d'intelligence, on est capable de faire son autocritique. Alors nous avons tous nos qualités, nous avons tous nos défauts, et je ne doute pas que Mme Saluki ait très certainement eu des qualités, des défauts aussi. En tout cas, et vraisemblablement, ce sont les défauts que les électeurs de Valoris Golfe-Jean ont retenus. Puisqu'elle est, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai répété, le maire qui, au premier tour de toute la région PACA et peut-être même de tout notre pays, fait le score le plus mauvais. Mais loin de se remettre en cause, elle vous écrit des discours que vous venez lire en conseil municipal, parce que vous ne levez pas les yeux de votre feuille lorsque vous parlez, vous ne faites que lire des choses que les autres ont écrites pour vous, et qui sont complètement contraires avec votre parcours de vie même, hein, puisque quand vous êtes en train de critiquer un maire, et je ne le défends pas, il est assez grand pour se défendre, et ce n'est pas du tout mon rôle, je ne le défends pas, mais lorsque vous critiquez un maire avec lequel vous avez été, vous êtes reparti à une élection, je pense que vous devriez quand même faire votre critique. Je vous l'ai déjà dit, ça avait énormément fait rire le jour de l'intronisation. Monsieur Manago, vous êtes un homme intelligent, je pense. Je l'imagine, je l'espère en tout cas pour les électeurs qui vous ont fait confiance. Je pense que vous gagneriez quand même, au lieu de lire un texte qu'on écrit pour vous, à faire part de vos propres positions et à vous détacher d'une personne qui, de toute façon, n'est plus là. Et elle n'a même pas eu la dignité, cette personne, de venir. Elle vous envoie, vous, et elle envoie ses autres colistiers défendre son bilan parce qu'elle n'a pas l'honneur de le faire elle-même. Lorsqu'on est élu, lorsque les électeurs nous font l'honneur de voter pour nous, même quand on est dans l'opposition, si on a un petit peu de sens de la dignité et de la responsabilité, on vient représenter ces électeurs. Et on ne voit pas les autres faire le sale boulot à la place. Parce que qu'est-ce que vous faites, les uns, les autres, certains, certaines, vous dites, vous parlez au nom de personnes qui ne sont plus là. Et ces personnes-là, elles vous envoient, vous, au champ de bataille, elles n'y sont pas, et elles se contentent, avec leurs petits doigts fielleux, de taper des messages désobligeants sur les réseaux sociaux. Pensez pas que vous valez mieux que ça, que de porter la parole des uns et des autres qui vous envoient au combat. Pensez pas que vous pourriez peut-être, certains ou certaines, avoir vos propres positions, vous exprimer, essayer de défendre les intérêts de la ville, au lieu de parler pour des gens qui sont démissionnaires, des gens qui ont été élus et qui n'ont même pas le sens, le respect de leurs électeurs pour venir les représenter dans un conseil municipal et qui osent encore, pour certaines, peut-être pour certains, nous verrons, se présenter à une élection départementale alors même qu'il y a des centaines ou des milliers de Valoriens et de Golfe-Jouannais qui leur ont apporté leur suffrage et qui les ont bafoués en n'allant pas les représenter. Parce que Mme Saluki, elle vous envoie, elle vous téléguide, elle vous écrit vos textes et vous venez les lire comme un petit écolier. Mais vous êtes en train de faire quoi? Vous la représentez alors qu'elle n'a pas le courage de venir. Et par contre, c'est elle qui va se présenter à l'élection départementale comme elle nous l'a annoncé récemment. Vous ne croyez pas qu'elle manque de dignité en se présentant à une élection alors qu'elle n'est pas là depuis un an à être sur ses bancs et à représenter les gens qui ont voté pour elle? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'avez pas l'impression parfois d'être un peu une marionnette dont on tire les fils et qu'on envoie? Ça ne vous pose pas des problèmes de dignité de venir lire ce genre de discours complètement mensonger, inepte et ridicule, ça ne vous pose pas de problème de conscience. Et de venir parler pour une personne qui n'a même pas l'honneur de venir parler, défendre elle-même son bilan. Parce que si son bilan était aussi bon, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle aurait eu un minimum d'honneur, de dignité, de venir le défendre ici dans cette assemblée? Pas pour moi. On ne siège pas pour moi, personne ne siège pour moi. Mais pour les gens qui ont voté pour elle. Il y a quand même 2400 personnes qui ont voté pour votre liste. On est d'accord. Donc ça veut dire que Mme Saluki, elle a bafoué les 2400 personnes qui ont voté pour elle. Elle n'a pas jugé digne de venir ici maintenant qu'elle n'est plus payée et maintenant qu'elle n'a plus de fonction de direction. Et pourtant, ses électeurs lui ont fait confiance. Et vous, vous venez à la place, vous lisez un texte, parce qu'on voit très bien que vous êtes en train de lire, vous ne levez pas les yeux de vos notes, donc vous n'êtes même pas en train de mettre un minimum de votre pensée, de votre cœur et de votre âme. Hein, vous êtes juste là en train de jouer les hagiographes, comme je l'ai dit, avec un peu d'humour, pour essayer de repeindre un peu un bilan hein, d'une personne qui a été rejetée quand même par 76% des électeurs. Voilà, parce que c'est ça la réalité. Alors que vous défendiez, que vous ayez la dignité de défendre la personne avec laquelle vous étiez en liste, je le conçois, et je trouve que c'est plutôt une chose positive.
Mais dans le même temps, je pense qu'il faudrait avoir, si c'est ça la, votre motivation, il faudrait avoir la même prévenance pour le précédent maire que vous aviez également servi et que maintenant vous critiquez de façon très violente. Il y a des critiques, bien sûr, sur son bilan. Et la preuve, c'est que les électeurs ne l'ont pas reconduit. Je ne suis pas en train de défendre qui que ce soit là. Mais je suis en train simplement de dire, je pense que là, on n'est pas là pour jouer les avocats des uns et des autres. On est là pour défendre les intérêts de notre ville. Et on est là surtout pour se parler avec vérité, avec franchise, et je pense faire preuve d'un peu d'honneur. Et c'est dommage de ne pas en trouver. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, monsieur Manago ? Je vous remercie pour les compliments. C'est un plaisir, monsieur Manago. Vous les aurez toujours de ma part. Alors, sur le budget primitif, est-ce qu'il y a d'autres prises de position ? Non ? Alors, nous allons, si vous en êtes d'accord, passer au vote. Il vous est proposé, madame Bertagnat l'a dit, mais suite au très long développement que nous avons fait, je reprends, d'approuver, bien entendu, le budget tel qu'il vous a été détaillé dans le document présent. Il vous est également proposé d'approuver l'attribution des subventions de fonctionnement et d'équipement qui sont listées en annexe du budget. Et il vous est proposé de m'autoriser à signer les conventions avec les différents organismes de droit privé pour les montants des subventions annuelles au-delà de 23 000 euros et les contrats d'objectifs à intervenir avec d'autres organismes de droit privé conventionnés par la commune. Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est approuvée. Délibération numéro 10, je donne la parole à madame Bertagnat. Autorisation de programme. Conformément à l'article R 2311-9 du CGCT, les autorisations de programme sont votées par le conseil municipal par délibération distincte lors de l'adoption du budget primitif ou des décisions modificatives. Trois projets d'investissement qui s'inscrivaient dans une logique pluriannuelle ont fait l'objet d'autorisation de programme. Il est proposé au conseil municipal de voter la révision de ces autorisations comme suit. Pour la construction de la base nautique, révision de l'exercice 2021 de 350 000 euros, soit un total cumulé des autorisations de 1 950 000 euros et un reste à financer sur 2021 de 1 016 000 euros. Réhabilitation du bas de l'avenue Clémenceau, révision de l'exercice 2021 400 000 euros, soit un total cumulé de 1 300 000 et un reste à financer sur 2021 de 420 000. Enfin, pour la phase 2 des abords du château, une révision de l'exercice de 100 000 euros, soit un total cumulé de 1 million d'euros, dont 500 000 de reste à financer sur 2021 et 500 000 sur 2022. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir autoriser la révision des autorisations de programme telles que décrites auparavant et dire que les dépenses afférentes à ces autorisations de programme seront inscrites au budget communal correspondant. Je vous remercie, madame Bertagnat. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole ? Non. Donc nous allons procéder au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Délibération approuvée à l'unanimité. Je vous en remercie. Pardonnez-moi, je n'ai pas vu l'abstention. Je vous prie de m'excuser. Délibération numéro 11. Le plan local d'urbanisme et plus précisément l'opposition au transfert de compétences à la CASA du PLU. Alors, la loi pour l'accès au logement et à l'urbanisme rénové, la fameuse loi ALUR, a prévu la possibilité de transférer les conditions du plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme, aux communautés d'agglomération. Et la loi a également prévu la possibilité de refuser ce transfert de compétences aux communautés d'agglomération et plus largement aux EPCI. Aux établissements publics de coopération intercommunale. Donc juste une précision sur ce point, et je pense qu'on ne peut que s'en féliciter. La CASA est un EPCI, un établissement public de coopération intercommunale. Ce n'est pas un établissement public supracommunal. Et l'idée, c'est que, bien entendu, on s'en tienne à la plus grande proximité et qu'on ne délègue, on ne transfère à la communauté d'agglomération que les compétences qui sont mieux exercées dans un cadre extra-communal ou supra-communal, si vous voulez. Donc l'idée qui prévaut dans cette délibération, c'est de conserver notre compétence en termes de plan local d'urbanisme.
C'est une délibération qui a été également adoptée dans la plupart des autres villes de la CASA et qui me paraît fondamentale pour garantir notre souveraineté. L'idée, c'est bien entendu de coopérer au maximum avec les 23 autres communes de la CASA, mais c'est également de conserver nos prérogatives dans les domaines qui nous paraissent fondamentaux, et à savoir notamment le plan local d'urbanisme, qui est une manifestation incontournable de la démocratie locale, puisqu'il doit évidemment refléter au mieux les décisions qui sont prises par nos électeurs, enfin par les électeurs, pas les nôtres, personnellement ils n'appartiennent à personne, par les électeurs de la commune, parce que évidemment il y a là encore un levier qui est important et qui est un levier démocratique majeur. Voilà. Donc ce qui vous est proposé, c'est de vous opposer au transfert de compétences en matière de PLU à la CASA, et c'est de m'autoriser moi-même ou mon représentant à notifier à la CASA l'opposition du conseil municipal à ce transfert afin que nous conservions à Vallauris-Golfe-Juan cette compétence qui est fondamentale. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention ? Non. Qui est contre le transfert ? Qui s'abstient ? Unanimité ? Je vous en remercie. Alors, nous en venons à deux délibérations qui sont deux délibérations complémentaires, les délibérations 12 et 13, puisqu'il s'agit des redevances des titulaires de sous-traités d'établissements balnéaires, donc concrètement les établissements de plage et les activités nautiques, qui sont situés pour la délibération numéro 12 sur la plage du Soleil et pour la délibération numéro 13 sur la plage du Midi. Donc l'idée, c'est que nous avons eu une concession par l'État et que nous avons ensuite subdélégué à un certain nombre d'établissements balnéaires et d'activités nautiques qui interviennent sur nos deux plages. Évidemment, ces plages ont été victimes de la crise sanitaire, comme la plupart des acteurs économiques, mais avec une intensité particulière puisqu'elles n'ont pas pu commencer leur activité comme cela était prévu au 15 avril 2020. Et donc, à la demande de ces chefs d'entreprise, nous avons accepté de leur faire une réduction de redevances afin de compenser les difficultés qui sont les leurs, évidemment au titre de l'exercice 2020, mais également parce qu'on souhaite que ces établissements rouvrent le plus rapidement possible et puissent continuer à payer leurs salariés et à pouvoir continuer à animer notre littoral. On souhaite évidemment que ces établissements retrouvent leur santé financière et puissent continuer à honorer leurs engagements vis-à-vis de la commune et pour les besoins et le plaisir de l'ensemble des usagers de la commune. Voilà. Donc ce qui vous est proposé, c'est d'accepter le principe d'un abattement de 25% à appliquer sur la part fixe de la redevance domaniale et également sur la part variable de cette redevance domaniale. Alors je présente les deux délibérations parce que les deux sont les mêmes. 12, c'est les plages du Soleil, 13, c'est les plages du Midi. Étant entendu, évidemment, que conformément aux mesures gouvernementales, la direction des finances publiques accorde un abattement de 25% à la commune sur la redevance 2020, donc de façon globale, par fixe et par globale. Autrement dit, nous supportons une partie des remises qui sont des abattements qui sont appliqués à ces établissements et l'État supporte l'autre partie de ces remises qui sont approuvées. Enfin, qui sont non pas approuvées, je vous demande d'approuver, tout simplement parce qu'il en va, bien sûr, de la pérennité de cette activité qui est incontournable pour la vie économique de Vallauris-Golfe-Juan, parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui sont en difficulté, parce qu'il y a des salariés, et bien sûr, parce qu'il y a aussi des usagers, des personnes qui souhaitent aller sur les plages privées, parce que c'est aussi un élément d'attractivité pour notre commune. Alors, on va voter. D'abord, je vous donne la parole si vous la souhaitez. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Non ? Sur les délibérations 12 et 13 ? Donc, dans un premier temps, puisqu'on doit les voter séparément, je vous demande d'approuver l'application de l'abattement de 25% sur les parts variables et fixes de la redevance domaniale à verser à la commune
par les titulaires des concessions 1, 2, 3, 4 et 5 de la plage du Soleil. Je vous demande d'indiquer que, conformément aux mesures gouvernementales en vigueur, la direction des finances publiques accordera un abattement de 25% sur la redevance 2020 totale, par fixe et par variable. Je vous demande également de dire que les dépenses et recettes afférentes seront inscrites au budget communal 2021. Est-ce qu'il y a des personnes contre ? Des abstentions ? Non. Donc, unanimité, je vous en remercie. De la même façon qu'on l'a fait pour la délibération numéro 12, je vous demande aussi d'approuver l'application d'un abattement de 25% sur les parts variables et fixes de la redevance domaniale 2020 de la commune par les titulaires des lots 1, 2, 3, 4 et 5 de la plage du Midi. Je vous demande d'indiquer que, conformément aux prescriptions gouvernementales, la DDFIP accordera un abattement de 25% sur la redevance 2020 par fixe et variable encore, et de dire que les dépenses et recettes afférentes seront inscrites au budget communal. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Unanimité. Je vous en remercie. Délibération numéro 14. La parole à M. Brouzizi, l'adjoint à la sécurité. Merci, M. le maire. Donc, point numéro 14, une convention entre la commune et le S10 en vue de la surveillance des plages pour la période estivale. Comme vous le savez, chaque été, à chaque saison estivale, un dispositif de surveillance des baigneurs est mis en place sur les plages communales. Depuis 2019, ce sont les sapeurs-pompiers qui prennent en charge cette surveillance. Cette année, à nouveau, on reprend le même processus, donc une convention. Les sapeurs-pompiers qui viendront surveiller les deux plages communales, donc plage du Midi, plage du Soleil, deux postes de secours, donc trois agents par poste, donc un responsable et deux équipiers. L'hébergement est pris en charge par la commune. Il y a une annexe, l'annexe numéro 3, qui a été corrigée parce qu'elle comportait quelques erreurs. Donc, elle vous a été disposée sur les tables. Le montant global estimé de cette surveillance est donc modifié. Il n'est plus de 45 408,96, comme indiqué dans le document de référence, mais de 47 730,24 €. La période de surveillance cette année prendra effet à partir du 3 juillet jusqu'au 29 août, donc tous les jours, à hauteur de 12 heures par jour. La surveillance se fera également les deux derniers week-ends de juin, du mois de juin, et les deux premiers week-ends du mois de septembre. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver le projet de convention de surveillance des baignades à passer entre la commune et le S10, représenté par le président du conseil d'administration pour la saison 2021, sur les plages publiques du Midi et du Soleil, tel qu'annexé à la présente délibération. Deuxièmement, approuver le montant estimatif de cette prestation, fixé donc à 47 730,24 €, le montant qui sera arrêté définitivement à l'issue de la saison, montant qui sera arrêté définitivement à l'issue de la saison au vu des jours réels de vacations et du grade des pompiers affectés. Troisièmement, autoriser Monsieur le maire à signer le projet de convention annexé à la présente délibération, ainsi que tous les documents utiles à sa mise en œuvre. Et enfin, quatrièmement, dire que les crédits afférents seront inscrits au budget communal 2021. Je vous remercie, Monsieur Brouzizi. Est-ce qu'il y a des interventions ? Non. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Je vous remercie. Délibération numéro 15. La parole à Madame Anas. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir. Donc, la délibération qui vous est proposée ce soir concerne l'extension de la convention de partenariat pour l'opération appel à projet, APPP, FEDER 16-7.1, stratégie de préservation du foncier agricole. À savoir que dans le cadre de sa politique agricole,
la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, CASA, par délibération numéro BC.2017.190 du bureau communautaire du 6 novembre 2017, s'est positionnée en tant que chef de file avec 16 partenaires, dont 14 communes de la CASA, pour répondre à l'appel de projet FEDER mesure 16-7.1, stratégie locale de développement pour la préservation et la mise en valeur du foncier agricole et naturel. Cette opération partenariale vise à couvrir 4 grands domaines d'intervention. La réalisation d'études d'opportunités pour la mise en place de zones agricoles protégées, la réalisation d'études de potentiel agricole dans le cadre de l'élaboration du PLU, plan local d'urbanisme, l'animation foncière avec plusieurs communes du moyen pays où les enjeux sont les plus importants en termes de pression foncière, et enfin la remise en état de friches avec des communes engagées dans une reconquête et une remobilisation de leur surface agricole dans un objectif d'installation d'agriculteurs. À travers ces actions, les objectifs sont multiples. Maintenir et préserver l'agriculture du territoire, améliorer la gestion, la structuration foncière de ces espaces agricoles et naturels, soutenir l'implantation d'exploitants agricoles, mais aussi former des candidats non issus du milieu agricole via le développement d'espaces TES agricoles. Dans ce contexte, la CASA a déposé un dossier de demande de subvention auprès du Conseil régional et des Fonds européens agricoles et développement rural, FEDER, en date du 21 décembre 2017. Par la suite, en raison d'une nouvelle répartition budgétaire au sein des projets identifiés à l'échelle de la région Sud, la CASA a ajusté sa demande de subvention, FEDER 16-7.1, par délibération numéro BC2018.075 du bureau communautaire du 23 avril 2018. Valoris Golfe-Juan a fait partie des 14 communes parties prenantes au projet dès le début, avec également les communes de Bar-sur-Loup, Châteauneuf, La Colle-sur-Loup, Cossol, Cipierre, Coursegoule, Gourdon, Gréolière, Opio, Le Rouret, Tourette-sur-Loup, Valbonne et Villeneuve-Loubet. Les 14 communes de la CASA, partenaires de cette démarche, devraient être signataires d'une convention de partenariat avec la CASA. Ainsi, par délibération numéro DE-1810-0021 du 15 octobre 2018, la commune de Valoris-Golfe-Juan a autorisé son maire à signer la convention de partenariat avec la communauté d'agglomération Sophia Antipolis dans le cadre de ce projet. Une convention de partenariat a été signée le 14 mai 2018 entre la CASA et les communes partenaires, identifiant les modalités administratives et financières de mise en œuvre du projet. Cette convention prévoit que la CASA soit le chef de file du dispositif et le responsable de la coordination administrative et financière de l'opération. À cet effet, la CASA a la charge de transmettre à la région les demandes de paiement et pièces justificatives du projet, de percevoir l'aide résultant de l'instruction de la demande et de la reverser intégralement aux communes partenaires ayant engagé la dépense. En application de ce dispositif FEDER 16.7-1, une convention attributive de l'aide a été signée le 6 juin 2019 entre la région et la CASA, notifiant un montant total de la subvention à hauteur de 659 822,55 €, sur un coût total d'opération de 1 025 417,70 €, dont 1 024 904,30 € de dépenses éligibles selon la répartition suivante. Volet études. Je pense que vous avez tous le document sous les yeux.
Je vous lis soit les grands chapitres, volet 1, études, ou vous voulez à chaque fois, je vous dise les sommes. On dit juste les grandes lignes. Hein? Donc, volet 1, non, 1, volet études, 2, volet reconquête et de friches. Le financement de ces travaux est conditionné par la remise en culture de terrains agricoles avec mise à disposition à des agriculteurs, bail à ferme, commandat, convention de pâturage, etc. Dans un souci de solidarité et afin de soutenir la mise en œuvre et la réalisation d'un plus grand nombre de projets agricoles, il est apparu opportun à la CASA d'étendre ce dispositif aux 24 communes de son territoire et d'intégrer 10 nouvelles communes suivantes: Antibes-Jean-les-Pins, Bézaudun-les-Alpes, Biot, Bouillon, Consegude, Courme, Les Ferrés, Roquefort-les-Pins, La Roque-en-Provence, Saint-Paul-de-Vence. Les projets agricoles des communes sont éligibles dans la mesure où l'objet et la finalité de l'appel à projet FEDER 16-7.1 ainsi que le montant global conventionné restent identiques et sont respectés. En accord avec les services instructeurs FEDER de la région et en vue d'une flexibilité nécessaire pour la réalisation des travaux de reconquête de friches, le montant de la subvention allouée reste inchangé et sera réparti différemment en fonction de l'ordre d'arrivée des dossiers complets présentés par les communes et jusqu'à épuisement des crédits. Les financements seront disponibles dans la période impartie, soit jusqu'à la fin de programmation de l'appel à projet qui est fixé au 15 février 2023. À cet effet, et à réception de la nouvelle convention de partenariat, un avenant sera établi par la région afin de formaliser l'extension de ce dispositif aux nouveaux partenaires bénéficiaires. Les 14 communes de la CASA, partenaires de cette démarche, devront alors être signataires d'une convention de partenariat établie selon le projet en cours d'élaboration annexé à la présente note. Le Conseil communautaire de la CASA a approuvé ces éléments par délibération numéro BC2021.007 en date du 25 janvier 2021. Et il s'agit donc désormais d'autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention de partenariat. En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la démarche de la CASA visant à étendre l'appel à projet stratégie locale de préservation du foncier agricole et naturel à l'ensemble du territoire de la CASA en intégrant les 10 nouvelles communes que je vous ai citées tout à l'heure, approuver la démarche de la CASA auprès du FEDER et du Conseil régional d'extension du dispositif aux nouveaux partenaires bénéficiaires et à l'appel à projet et signataires de la convention de partenariat, approuver l'abrogation de la convention de partenariat signée le 14 mai 2018 entre la CASA et les 14 communes partenaires initialement au dispositif, autoriser Monsieur le maire à signer la nouvelle convention de partenariat dont le projet est joint en annexe et tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Je repasse la parole à Monsieur le maire. Je vous remercie, Madame Anas. Juste deux mots et après je donnerai bien sûr la parole à la salle. Je trouve que c'est un projet qui est particulièrement enthousiasmant, un projet qui nous permet de redonner à nos territoires, pas seulement à Valoris-Golfe-Jean, même si bien évidemment c'est celui qui nous préoccupe le plus, mais à l'ensemble des territoires de la CASA, une nouvelle ambition agricole. On sait que notre région, elle a été pendant très 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 longtemps, des siècles et sans doute même des millénaires, une région d'agriculture avec une très grande richesse des cultures, aussi bien dans le bigaradier, bien sûr, qui est un peu notre arbre d'excellence, si je puis dire, en tout cas celui qui fait la renommée de notre ville, mais aussi beaucoup d'autres essences, hein, des agrumes, du jasmin, de la rose, toutes ces essences qui sont intimement attachées à l'histoire de notre territoire. Et je pense que ce projet entre le FEDER, la CASA et les autres acteurs, c'est un projet qui redonne un souffle et qui s'inscrit vraiment dans une politique à la fois de développement économique et de préservation de nos espaces, de valorisation de nos espaces, de protection de l'environnement, qui est absolument fondamental. Et c'est un levier que nous souhaitons utiliser, nous, communes de Valoris-Golfe-Jean, parce que, évidemment, on l'a dit, hein, il y a une histoire intime avec l'agriculture que l'on nourrit tous. Beaucoup d'entre nous, nos ancêtres, ont cultivé la terre ici,
ou ailleurs, peu importe, mais bon, en tout cas, il y a ce lien étroit à la terre qui est marquant et qui fait partie du patrimoine. Mais ce n'est pas seulement de la culture ou de l'histoire ou quelque part un peu une nostalgie. Hein. C'est aussi un secteur d'activité qui a vocation à retrouver son élan parce que c'est un secteur qui produit de la richesse aussi et qui peut être un facteur de développement de notre ville. Je pense notamment aux agrumes. Hein. Je connais bien Maurice Tamonde, qui est un exploitant remarquable de notre commune. Et Maurice m'expliquait un jour, il me dit, mais tu sais que il y a énormément de demandes qui n'est pas satisfaite en termes d'agrumes. Hein, on pourrait produire 3, 4, 5 fois plus et on pourrait vendre. Hein, et c'est dommage. Hein, alors je pense à l'agrume, mais c'est valable aussi pour les autres productions. C'est valable pour les roses, c'est valable pour le bigaradier et la fleur qui est utilisée notamment par Chanel aujourd'hui. Hein, tout ça, c'est quelque chose de très important qu'il faut que nous arrivions à redévelopper pour les besoins économiques de notre ville, pour la dimension historique, patrimoniale, culturelle qui y est attachée, mais parce que c'est aussi un moyen, on l'a dit tout à l'heure lorsqu'on a parlé de la déclaration de Glasgow, c'est un moyen aussi de produire sur place l'alimentation de qualité qu'on veut proposer à l'ensemble de nos concitoyens. Je pense à nos marchés, hein, le marché qui a retrouvé vie depuis qu'il est revenu sur la place de l'Homme au Mouton le dimanche, alors qu'il était complètement en déshérence sur la place du château. On a énormément de marchands, d'étals. C'est une vraie sortie familiale que celle du dimanche. Alors, ce serait bien que ce soit tous les jours. Pour l'instant, c'est le dimanche. C'est un peu à Golfe-Jean le vendredi. Bon, voilà. Et tout ça, ça fait partie de nos traditions. Mais c'est aussi un élément qui nous permet d'avoir une modification que l'on souhaite. Hein, Madame Anas a déjà commencé à y réfléchir et on va aller beaucoup plus loin. Une modification du PLU qui nous permettra d'intégrer des nouveaux espaces dévolus à l'agriculture pour concilier, c'est ça qui est important, le développement durable avec les besoins économiques. On a parfois, on a tendance à opposer le développement et l'économie. Ce n'est pas, à mon sens, une bonne solution. Ce qu'il faut, c'est arriver à rassembler les deux et avoir du développement, mais du développement durable. Et notamment, il y a ce retour, on le voit avec la pandémie, ce retour au local, à la proximité, et pouvoir à terme approvisionner nos écoles, enfin nos cantines, que ce soit pour les enfants des maternelles, que ce soit pour les enfants des écoles primaires, que ce soit pour les enfants des crèches, ou bien sûr nos anciens avec le restaurant du CCAS. Hein, ça, c'est un vrai beau projet. Hein, c'est un projet qui n'est ni de droite ni de gauche, hein, pour reprendre un peu tout à l'heure les propos politiciens, revenir un peu sur le débat politicien, c'est un projet simplement d'avenir, un projet même de civilisation. Et c'est pour ça que je vous invite très fermement à voter cette délibération, parce que c'est déjà une première étape vers une avancée qui est une avancée qui va dans le sens de l'histoire, hein, de revenir à la tradition, à la terre, mais sans se priver du développement économique qui va avec. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Non. Alors, je vous propose d'approuver la démarche de la CASA, d'approuver la démarche auprès du FEDER, du Conseil régional, et de me permettre de signer la nouvelle convention qui abroge et remplace la convention du 14 mai 2018. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Je vous en remercie. Délibération numéro 16. Qui va de pair avec une délibération numéro 17, donc je vais vous présenter les deux et ensuite on votera sur les deux. Donc abrogation, retrait de deux délibérations. La première, c'est la délibération DE 1911-0011 du 19 novembre 2019 relative à une vente partielle d'immeubles situés 1 rue du Four. La seconde, c'est l'abrogation, retrait de la délibération DE 1911-0012 du 19 novembre 2019, vente de partiel d'immeuble situé au 53 rue Clément Ben. Alors, en 2019, avait été autorisée la cession de partiel de deux immeubles appartenant à la commune qui étaient des héritages, des legs de Madame Juge. Je ne reviens pas sur le détail des deux locaux que vous avez de toute façon dans la note de synthèse et dans la délibération, sauf à vous préciser que il est apparu pour la première, donc pour la délibération 16, qu'une partie de l'immeuble était construite en empiètement sur la parcelle d'un tiers et que cette situation, évidemment, empêchait la vente,
C'est le fameux adage latin, nemo plus juris ad alium transferre potes quam ipse habet. Ça veut dire en droit tout simplement qu'on ne peut pas transférer plus de droits qu'on en a. Autrement dit, bah évidemment, je n'ai pas le droit de vendre votre maison ou votre voiture. Et là, en l'occurrence, ce qui était prévu par la délibération, hein, qui avait été passée peut-être avec une certaine légèreté, c'était de vendre une partie d'immeuble qui était en empiétement sur l'immeuble d'un voisin, ce qui, évidemment, pose un souci, vous en convenez, enfin, en tout cas, je pense, un souci pour la plupart des gens raisonnable. Par conséquent, si vous en êtes d'accord, hein, je vous demande d'abroger et de retirer cette délibération en date du 19 novembre 2019. De la même façon, la seconde délibération, alors elle, il n'y a pas d'empiétement sur un autre sur la propriété d'autrui. En revanche, c'est une vente qui était conditionnée à la vente de l'autre immeuble qui lui-même ne peut pas être vendu. Et par conséquent, bah, vous comprenez bien que si la première vente tombe, la seconde tombe également. Et que par conséquent, bah, il est indispensable d'abroger et de retirer aussi cette seconde délibération. Donc la parole, bien entendu, est à vous si vous souhaitez faire des observations. Non, pas de prise de parole. Alors, au titre de la délibération numéro 16, je vous demande d'approuver le fait que nous abrogions et retirions la délibération DE 1911-011 du 19 novembre 2019 relative à la partie d'immeuble cadastré BW 296, soit le 1 rue du Four. Qui est contre? Alors, quelques contre qui veulent vendre la propriété d'autrui. Ça rapporte de l'argent, c'est pas mal. Et qui s'abstient? Très bien. Donc pour la délibération numéro 17, il vous est là aussi proposé d'abroger et de retirer une délibération, en l'occurrence la DE 1911-0012 du 19 novembre 2019, c'est-à-dire la parcelle cadastrée BW 372, soit le 53 rue Clément Bel à Valoris. Qui est contre? Les mêmes. Qui s'abstient? Délibération approuvée. Délibération numéro 18, donc là encore, hein, il s'agit du legs de Madame Juge, qui a été accepté par la commune, comme vous le savez, par délibération du 18 mars 2016. Et dans le cadre de cet héritage, eh bien, un immeuble cadastré BS4, lot numéro 213, soit un garage, est acquis à la commune. La conservation et l'utilité, bien sûr, de ce bien coûte de l'argent à la commune et notamment sous la forme de charges de copropriété et ne génère pas finalement de loyer intéressant pour nous. Et donc la commune souhaite se départir de ce bien, donc en le vendant au prix de 15 000 euros hein, à son actuel locataire. Hein. Donc si vous en êtes d'accord, je vous demanderai d'approuver la vente de ce lot, donc copropriété lot 213, immeuble cadastré BS4, c'est-à-dire avenue des Jasmins à Valoris, qui est occupé au titre d'un bail, donc, bon, ce qui ne pose pas problème puisque c'est le locataire qui va acheter, de m'autoriser à engager les démarches et à signer les pièces afférentes, et de dire que les dépenses et recettes en résultant seront inscrites au budget communal 2021. Est-ce qu'il y a des prises de parole? Non. Des oppositions? Non. Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 19, et je donne la parole à Madame Rioton. Merci, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs. Délibération numéro 19, relative à la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques, convention de réciprocité avec la commune de Valbonne, approbation. L'article L212-8 du Code de l'éducation fixe la répartition des charges intercommunales des écoles publiques accueillant des enfants issus de plusieurs communes. Le montant de la participation est fixé par accord entre les communes, formalisé par une convention. Les communes de résidence sont appelées pour participer aux frais de fonctionnement des écoles publiques. La ville de Valoris-Golfe-Juan et Valbonne accueillent dans leurs écoles publiques des enfants domiciliés dans l'une ou l'autre commune. À ce titre, des dérogations acceptées par les communes de résidence sont justifiées par des motifs tirés de contraintes liées comme l'obligation professionnelle des familles, la raison médicale, la fratrie, etc. Il est donc proposé qu'une convention de réciprocité soit signée entre la commune de Valoris-Golfe-Juan et Valbonne
applicable pour l'année scolaire 2021-2022 est basé sur les conditions financières fixées ci-dessous. Le coût annuel pour l'enseignement arrêté pour l'année scolaire 2021-2022 pour un élève, 930,08 € pour un élève de maternelle, d'élémentaire et ou de classe spécialisée publique. Il est donc demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver les termes de la convention annexée à la présente délibération, à intervenir entre les communes de Valoris-Golfe-Juan et de Valbonne, d'approuver le forfait communal relatif aux frais de fonctionnement appliqués aux communes de Valoris-Golfe-Juan et de Valbonne, fixé pour l'année scolaire 2021-2022 comme suit. Coût annuel pour l'enseignement arrêté pour l'année scolaire 2021-2022 pour un élève, 930,08 € pour un élève de maternelle, élémentaire ou classe spécialisée publique. D'autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention telle qu'elle est annexée à la présente et de préciser que les dépenses et les recettes en résultant seront inscrites aux budgets communaux 2021 et 2022. Je rends la parole à Monsieur le maire. Je vous remercie, Madame Rioton. Quelqu'un souhaite-t-il s'exprimer ? Non. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Je vous remercie. Et je rends encore la parole à Madame Rioton pour la délibération numéro 20. Merci, Monsieur le maire. Délibération relative à la profession d'assistante maternelle et à la convention avec le regroupement intercommunal des assistantes maternelles non permanents du département 06. Le Conseil départemental des Alpes-Maritimes organise des réunions d'information pour promouvoir la profession d'assistante maternelle en collaboration avec le relais assistante maternelle du département. Ces derniers espaces sociaux reconnus peuvent également organiser des réunions d'information sur la profession d'assistant maternel. Les relais définissent le rythme de leurs réunions en fonction de leurs possibilités. À ce titre, le Conseil départemental propose aux communes organisatrices des réunions d'information une aide financière. Afin d'assurer une information la plus efficace et la plus utile possible sur cette profession, il est souhaitable d'organiser sur la commune des réunions et de faire appel à la collaboration des spécialistes de ce type de formation. Dans ce cadre, la ville a souhaité réouvrir un regroupement intercommunal des assistantes maternelles non permanentes des Alpes-Maritimes, appelé le RIAMS, association agréée par le Conseil départemental, et passer une convention avec cet organisme. Trois séances de formation sont prévues pour l'année 2021, soit un coût total de 237,54 €. La convention sera conclue pour une durée de 1 an. En conséquence, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec le relais intercommunal des assistantes maternelles non permanentes des Alpes-Maritimes pour l'année 2021, tel que selon le projet annexé à la présente délibération, et de dire que les crédits y afférents seront inscrits au budget communal. Je rends la parole à Monsieur le maire. Merci, Madame Rioton. Des prises de parole ? Non. Donc on passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 21. La parole est à Madame Musso. Merci, Monsieur le maire. Alors, Musée Magnelli, Musée de la céramique, programmation culturelle printemps-été 2021. Le Musée Magnelli, Musée de la céramique, souhaite développer sa programmation culturelle en proposant de nouvelles actions. L'objectif est de diversifier les offres afin de s'adresser à différents publics et de faire découvrir les œuvres des collections permanentes et des expositions temporaires sous un autre angle. Ces nouvelles activités nécessitent une tarification spécifique afin d'en favoriser l'accès. Ainsi, au printemps-été 2021, deux nouvelles actions seront proposées. Première action, Qigong au musée. Le Qigong est une gymnastique traditionnelle chinoise et une science de la respiration fondée sur la connaissance et la maîtrise du souffle qui associe mouvement lent, exercice respiratoire et concentration. Les séances seront menées par un éducateur sportif diplômé en Qigong. Elles se déclineront à partir des œuvres de nos collections permanentes. 7 séances seront proposées de mai à septembre 2021 autour de la thématique de l'homme entre ciel et terre. Chaque séance inclut une pratique de Qigong suivie d'une visite guidée d'une ou plusieurs œuvres autour de la thématique abordée. Deuxième action proposée, danse in situ, projet de danse contemporaine. Le projet entre création et transmission est mené en partenariat avec la compagnie Marie-Hélène Desmaris. La compagnie de danse proposera une démarche chorégraphique en résonance avec l'exposition temporaire présentée cet été au musée de Valoris, la ville atelier. Ce projet s'inscrit dans la volonté municipale de développer plus avant l'EAC, éducation artistique et culturelle. Il se développera entre le 15 et le 18 juillet 2021 sous plusieurs formes.
visite guidée de l'exposition, ateliers de pratique artistique, performances danse in situ et des ateliers de présentation de travail de restitution. Conditions tarifaires. Afin de favoriser la pratique de ces activités, il est proposé les conditions tarifaires suivantes. Pour le Qigong, 10 euros l'atelier, plus entrée à demi-tarif, 3 euros. Ces conditions de les conditions de gratuité pour le billet d'entrée, telles que selon délibération DE 2009-0029 en date du 29 septembre 2020, s'appliquent pour les visiteurs susceptibles d'en bénéficier. Pour danse in situ, tarif adulte, 10 euros l'atelier, plus entrée du musée, 6 euros. Les conditions de gratuité ou de tarif réduit pour le billet d'entrée s'appliquent pour les visiteurs susceptibles d'en bénéficier, tels que selon délibération DE 2009-0029, en date du 29 septembre 2020. Tarif réduit pour les seniors âgés de plus de 65 ans, les étudiants, par exemple, et gratuité pour les enfants jusqu'à 18 ans inclus, habitants de Valoris-Golfe-Juin. Tarif enfant, 3 euros l'atelier. L'entrée du musée est gratuite jusqu'à 18 ans inclus. Tarif 1 adulte, 1 enfant, 16 euros. 10 euros l'atelier adulte, plus entrée du musée à tarif réduit, 3 euros. Et 3 euros l'atelier enfant. Les conditions de gratuité pour le billet d'entrée, telles que selon délibération DE 2009-0029 en date du 29 septembre 2020, s'appliquent pour les visiteurs susceptibles d'en bénéficier. Tarif 2 adultes, 26 euros. 10 euros l'atelier par adulte, plus entrée du musée à tarif réduit, 3 euros pour chaque adulte participant. Les conditions de gratuité pour les billets d'entrée, telles que selon délibération DE 2009-0029 en date du 29 septembre 2020, s'appliquent pour les visiteurs susceptibles d'en bénéficier. Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir approuver la programmation culturelle du musée Magnelli, musée de la céramique pour le printemps-été 2021, d'approuver les conditions tarifaires applicables à cette programmation, de dire que les recettes en résultant seront inscrites au budget communal 2021. Je rends la parole à Monsieur le maire. Je vous remercie, Madame Musso. Il y a des amateurs de Qigong qui souhaitent faire part de leur expérience. Non ? Oui, pas le Qigongunia, non. Alors, je vous demande d'approuver cette programmation, d'approuver les conditions tarifaires et de dire que les recettes seront inscrites au budget. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Approbation unanime, je vous en remercie. Et je redonne tout de suite la parole à Madame Musso. Musée Magnelli, musée de la céramique, conditions tarifaires, visite et ateliers. Le service des publics du musée Magnelli, musée de la céramique, propose des visites et ateliers à destination des différents publics afin de favoriser le dialogue entre les visiteurs et les œuvres et de démocratiser l'accès à la culture. Des conditions tarifaires spécifiques s'appliquent à ces visites et ateliers. Ces offres de visites et d'ateliers sont très diversifiées et il apparaît nécessaire d'établir une grille tarifaire permettant de fixer et d'harmoniser les conditions s'appliquant aux différentes visites et ateliers en tenant compte de la diversité des participants. Conditions existantes. Gratuit, enfants jusqu'à 18 ans inclus, dans le cadre de visites ateliers scolaires de la ville de Valoris-Golfe-Juin. 1,10 € par enfant jusqu'à 18 ans inclus, dans le cadre de visites ateliers scolaires et associatifs hors de la ville de Valoris-Golfe-Juin. 1,75 € par adulte en visite guidée. 3 € par enfant jusqu'à 17 ans inclus, dans le cadre de visites ateliers des vacances individuelles. 12 € par adulte dans le cadre de visite atelier. Nouvelles conditions. Visite et atelier à destination des enfants et jeunes, pour les groupes scolaires et associations. Gratuité enfants jusqu'à 18 ans inclus pour les écoles et les associations de Valoris-Golfe-Juin. 1,10 € pour les enfants hors commune. Individuel, 3 € par enfant jusqu'à 17 ans inclus. Visite guidée, public adulte individuel ou en groupe, toujours public adulte, 2 € par adulte. Visite et atelier, public adulte individuel ou en groupe, durée d'une heure, 5 € par adulte participant. Visite et atelier, public adulte individuel ou en groupe, durée 2 heures, 10 € par adulte participant. Visite et atelier public spécifique, 5 € par adulte porteur de handicap, carte MDPH ou issu du champ social, bénéficiaire du RSA et demandeur d'emploi. Gratuité pour les accompagnateurs. Ces conditions sont applicables sur présentation d'un justificatif. Il est en conséquence demandé au Conseil municipal de bien vouloir adopter la grille tarifaire s'appliquant aux visites et ateliers du musée Magnelli, musée de la céramique, dire que les recettes afférentes seront inscrites au budget communal correspondant. Je rends la parole à Monsieur le maire. Je vous remercie, Madame Musso. Des demandes de prise de parole ? Non. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 23, encore et toujours, Madame Musso.
Musée Magnelli, musée de la céramique, règlement de visite, approbation. Le musée Magnelli, musée de la céramique, n'est à ce jour pas encore doté de texte précisant expressément les règles relatives aux visiteurs individuels ou en groupe, leur comportement dans l'enceinte du musée, les conditions d'accès, les conditions de prise de vue, d'enregistrement et de copie, les mesures de sécurité du public ainsi que celles des œuvres, ou encore la conduite à suivre en cas d'évacuation. Un exemplaire du règlement sera à la disposition du public qui souhaiterait le consulter. Ces règles de visite sont évidemment mises en œuvre et connues des agents d'accueil et de surveillance, et également rappelées oralement aux visiteurs en cas de nécessité. L'adoption d'un règlement de visite permettrait aux visiteurs d'avoir un texte auquel se référer et accueillir le public dans les meilleures conditions. Il convient également de disposer d'un outil qui tienne compte de l'évolution des moyens de communication individuels, des modes de visite et des attendus des visiteurs en termes d'informations et de visites. Il faut également que le règlement prenne en compte les dispositions relatives à la posture Vigipirate. Enfin, le contexte de crise pandémique actuelle nécessite que des précisions en termes sanitaires soient apportées. Un règlement de visite du musée Magnelli, musée de la céramique, a donc été élaboré en vue de son application à l'ensemble des personnes fréquentant l'établissement. Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir approuver les termes du règlement de visite du musée Magnelli, musée de la céramique, tel que selon le projet annexé à la présente délibération, autoriser monsieur le maire ou son représentant à prendre toute disposition utile pour sa parfaite application. Je rends la parole à monsieur le maire. Merci madame Musso. Pas d'intervention. Donc nous passons au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité. Je vous remercie. Et enfin, la dernière, toujours pour madame Musso. École d'art céramique de Valoris, EACV, catalogue de l'exposition Claire Lindner, tote bag, tarifs et modalités de répartition. Dans le cadre de l'organisation de l'exposition consacrée à l'artiste Claire Lindner, l'école d'art céramique, ville de Valoris-Golfe-Juan, édite un catalogue de 500 exemplaires. Il est nécessaire de fixer le tarif de vente de ce catalogue ainsi que les modalités de répartition des exemplaires. Ce catalogue sera vendu durant l'exposition du 1er juillet au 2 octobre 2021 au sein de l'école d'art céramique de Valoris. Il est proposé au conseil municipal de fixer son prix de vente à 15 euros. Il est proposé également de procéder à une répartition des 500 exemplaires comme suit. 300 exemplaires seront proposés à la vente sur la régie recette de l'école d'art céramique de Valoris. 100 exemplaires seront réservés aux dons dans le cadre de la communication et de la médiatisation des actions de l'école et de la ville. 100 exemplaires seront donnés à l'artiste Claire Lindner pour son usage personnel. Des tote bags seront également proposés à la vente au tarif de 5 euros l'unité vendue seule, offert lors de l'achat du catalogue. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir fixer le prix de vente du catalogue de l'exposition consacrée à l'artiste Claire Lindner à 15 euros, accepter la répartition des 500 exemplaires comme suit, 300 exemplaires proposés à la vente sur la régie recette de l'école d'art céramique de Valoris, 100 exemplaires seront réservés aux dons dans le cadre de la communication et la médiatisation des actions de l'EACV et de la ville, 100 exemplaires seront donnés à l'artiste Claire Lindner pour son usage personnel. Fixer le prix de vente des tote bags qui seront également proposés à la vente lors de l'exposition au tarif de 5 euros l'unité vendue seule, offert lors de l'achat du catalogue. Préciser que les recettes et les dépenses en résultant seront inscrites au budget communal 2021. Je rends la parole à monsieur le maire. Je vous remercie madame Musso. Grâce à vous, on a pu découvrir les tote bags. Personnellement, je ne connaissais pas, et madame Anas non plus, puisqu'elle m'a posé la question. Bon, bah, au moins, on en apprend tous les jours. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Oui, non, mais je m'étais fait expliquer quand même avant. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Non. Donc, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de soirée à toutes et à tous. Et nous nous retrouverons au prochain conseil.